Bonsoir Je coupe Pokémon Business comme n'importe quoi. Je, je... Comment ça va Comment que ça va Je suis avec Enzoul. Enzoul, tu peux parler au passage. C'est bon. Bonsoir. Ton son marche. Non, parce que je lui disais que <laughs> son son allait être coupé <laughs> pendant deux secondes. <laughs> bonsoir, bonsoir. Ben, ça a l'air de marcher. Eh, hey, pour une fois, j'ai pas oublié de... 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 de mettre mon micro. Et euh, je, crois que, je crois que je leur dois des explications concernant ce titre. Encore une fois, oui. Mais attends, d'abord, il y a quelqu'un qui demande comment il va, le capitaine ben, il Chapeau va magique, c'était toi. Euh, comment... ben, ça va, ça va. Euh, fatigué. nous est fatigué aussi, je crois. Mais on va essayer de faire ce ouais. qu'on peut. J'ai un café ici, à côté, fait par Pandé. Merci, Pandé. Je veux euh... dire que là, vous êtes en face de deux théoriciens. Merci, fatigués. Dark. Ouais. Et ils se disent qu'est-ce que c'est la meilleure chose à faire On va regarder Petscope. <laughs> Allez. <rire> Merci Dark pour, euh, pour ton raid habituel. Mais ouais euh, donc pour le, pour le, le, le titre là il y, y avait Hype qui a explosé de rire en disant ouais on va mettre euh, pe... enfin on cherchait un nom de titre quoi parce que qui ressemblait pas trop qui porterait pas à confusion si j'ose dire <laughs> euh, par rapport au précédent et euh, Yip qui a explosé de rire en pensant à voilà un jeu de mots sur euh, l'attaque confusion dans dans euh, Pokémon. Donc, euh, ça. Et, je, et je me suis dit, allez, c'est parti. Euh, allez. On, on, on part dessus, on prend ça sérieusement. Sérieusement. Ça y est, ils dépensent déjà leur coin de chaîne de manière débile. Euh, <laughs> ouais alors, plusieurs choses. Euh, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi euh, le dernier stream, le stream euh, d'avant-hier. Euh, je suis maintenant affilié, donc euh, j'ai commencé à euh, pouvoir modifier 2-3 trucs, et donc j'ai pris, je savais plus de qui c'était l'idée, mais du coup merci Chapeau Magique de l'avoir redit que c'était toi. Euh, donc c'était l'idée de Chapeau Magique de euh, mettre les points de chaîne, de mettre euh, les pièces de Petscope. Donc euh, j'ai fait ça. J'ai commencé à avoir pour les émotes, mais il faut encore qu'ils soient validés, et euh, j'ai pas encore beaucoup d'idées. Je crois que j'ai le droit à 3 slots pour euh, les, euh, les, euh, les subs. Et euh, trois slots pour euh, les dons de bits. Et pour le moment, j'en ai rempli que deux, s'ils si sont acceptés en tout cas. Voilà. Euh, je peux mettre les recommandes pour les gens avec les points de chaîne. Il faut que je vois tout ça. J'ai regardé ça un peu rapidement avant parce que je ne vous cache pas que j'ai pas trop le temps. Euh, la raison pour laquelle je suis un peu fatigué ce soir, c'est que euh, j'ai rush, euh, rush le montage de la vidéo qui sortira demain. Euh, aussi vite que possible euh, pour qu'elle sorte demain justement et donc voilà euh, donc voilà si vous l'avez pas vu sur twitter euh, nouveau MBT Kirby demain 16h et on devrait faire un stream enfin euh, je devrais faire un stream de débrief euh, juste après voilà voilà et on rappelle oui donc euh, quand on dit qu'on qu parle des épisodes euh, qu'on n'a pas encore traité dans les MBT c'est à partir Tien de comme j'ai retrouvé Inc. Non, Et... tu crois non euh, je voulais mettre... Il y avait une histoire avec le... Non, pardon. Comment je fais ça Captain Hype, tu pensais à faire des théories sur Fortnite Je euh, dis ça de la manière la moins condescendante pensé... <laughs> possible parce que j'ai étudié le lore de Fortnite en fait. Un petit peu. <laughs> mais je sais plus... Euh... Non, pas, pas, pas spécialement, mais je sais qu'il y a des choses des fois. Euh, mais non, mais j'aurais voulu mettre Inc. Ah, si, c'est ça, Modo. Très bien, parfait. Inc, t'es Modo. Bravo à toi. Je sais pas après comment je. Ah oui, comment je ferme ça. Attends, parce que ça a une définition de merde. Et pardon, et donc pendant ce temps-là, euh, merci euh, The B -B -B, TheBBLB -B -B -B, euh, pour ton abonnement. Et il euh, y en a eu un autre pendant. Euh, euh, comment entre, entre deux streams Ouais, je le retrouve euh, je sais pas si je peux les voir assez facilement comme ça. Tac, 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 tac. Je sais pas si la personne sera dans le coin de toute façon. Euh, mais c'était. That's a puzzle. That's a puzzle. Je vais pas la retrouver malheureusement, je pense. Hmm. Non, je suis vraiment désolé. J'aurais dû y penser juste avant. Enfin bon, voilà voilà. Euh, tac tac tac, bougez pas. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat euh, si T'aimerais savoir si tu dois euh, regarder les autres livres pour bien suivre les, euh, ou si les vidéos du YouTube suffisent euh, ça, Je pense que euh, les MBT doivent suffire si tu les as à peu près en tête. On a un train de live qui a commencé. Ah ouais. euh, pendant qu'il euh, y a tellement de notifs que j'arrive pas à suivre, euh, merci. Tac tac tac. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Euh, quelqu'un fait une très bonne remarque en disant si je dis pas de bêtises, c'est le prochain épisode, il y a le bruit de l'enfer. Oui, baissez votre oui. son. Si baissez votre vrai. son pour le prochain épisode, <laughs> mais on va y revenir. Euh, merci, en Parafeu doute. pour ton abonnement Prime. Euh, et merci, Souche Exe, pour ton abonnement niveau 1. Et ça, qu'est-ce que c'est ah merci, euh... ah c'était toi. C'était... Si ça me revient. Euh, c'est Rouge 13 qui s'était euh, abonné pendant euh, entre deux streams. Et donc merci pour euh, ton don d'abonnement à Anasky. Et c'est le train de oui. Euh... Oui, donc je, je... ce que je disais, c'est que t'as pas forcément besoin si tu as les MBT en tête. Sachant que là, on va se lancer dans les épisodes qu'on n'a pas encore traités dans les MBT. Euh... Et donc voilà. Ouais, après moi, j'aurais tendance à dire en plus, euh, c'est Petcope, hein, donc le niveau de compréhension, il va être euh... <laughs> comme d'habitude, je dirais, c'est-à-dire flottant. <laughs> euh... Je sais pas encore euh, Ariano Del euh, Je pense qu'il y a beaucoup plus de vidéos à faire que euh, ce que j'avais prévu initialement. Oui. Le jour où je m'y mettrai concernant Fnaf. As-tu déjà joué à Out Outer Wilds Non, pas encore. Mais j'aimerais bien un de ces quatre. Pourquoi pas en stream en vrai C'est pas forcément bête. Merci de ta proposition. Je, je, je vais y penser. <laughs> Mais de toute façon, en stream, euh, là actuellement, je vous ai fait surtout comment, des jeux que je joue euh, un peu. Euh... En solo de mon côté euh, d'habitude, donc je vous ai fait du KSP, je vous ai fait du euh, okay. <laughs> du Father Kings, mais j'ai euh, pas, euh, il fallait que je fasse euh, comment ça s'appelle One Shot, etc. Enfin bon, bref. Euh, je et... Eliop, pose une question. Ouais. Que je... euh, non, vas-y, termine ta phrase. Non, j'allais remercier ah. euh, l'intelligence de Zoulu euh, pour son abonnement, niveau. 1. Ouais, The Zéliop pose une question que je trouve euh, très drôle, très drôlement formulée. Mm -hmm. Après Petscop, vous pensez faire quoi ensemble, Captain Hype and Ben bah écoutez, on va faire une, euh, tas de un bonnes voyage choses. Euh, en yacht. <laughs> on va se barrer avec l'argent des abonnés. <laughs> on, va, on va partir dans un fantastique voyage en train de la... Hype. Oh, Rusty Lake, tu crois qu'on se mettra à Rusty Lake un jour <laughs> Coucou Nelson. C'est un peu un même ça. Ouais ouais. <laughs> Le IP non, mais... Enzoul se met à restyler je suis désolé ah, mais, mais c'est un peu un même. Ah non mais je... euh, maintenant c'est On a euh... eu tellement de demandes là-dessus que <laughs> de, de, depuis que les... tu sais depuis que les gens ont entendu ton euh, c'est pas compliqué Enzoul c'est la personne qu'il faut convaincre pour me convaincre <laughs> moi de traiter un truc. <laughs> c'est sûr. j'ai été j été accosté par euh, <laughs> des membres du FBI qui ont leurs propres intérêts et euh, tu prends plus de plaisir à faire les MBT Petscope ou FNAF Honnêtement, je pense les Petscope. Honnêtement, je pense les Petscope. Après, euh, après, c'est pas pour ça que FNAF me plaît pas. Et, euh, et voilà. Euh, tac, tac, tac. Et ben voilà. Et donc, euh, et oui, et ce que je voulais dire aussi par rapport aux, aux émotes, c'est que euh, voilà, je sais pas si je vais tous les remplir maintenant, tout de suite. Euh, mais au fur et à mesure qu'il y aura des idées qui passeront, euh, pourquoi pas. Tu vas jouer au FNAF 9. Euh... Il va sortir sur PC aussi, non Donc peut-être. Peut-être. Mais le truc c'est que le jour où je joue vraiment à un FNAF, j'aimerais commencer par le 1 en fait. Genre juste histoire... peut-être pas tous les faire, hein, mais, euh... mais juste histoire de euh... rattraper mon retard. Parce que ça aussi c'est le même, c'est le même que... Euh... Enfin qui est vrai. C'est la oui, grosse y a blague eu... que, que, que j'ai jamais joué au aucun FNAF. Oh, moi non plus. Hein. Ouais. Il y, y, y a eu... oui il y a eu une FNAF euh, Namericam, il y a FNAF 1 à 4, il y a Sister Location, il y a FNAF World que t'as pas con, la personne qui a dit FNAF 9 n'a pas compté. Il y a euh, Pizzeria Simulator, oui. Ultimate. Call oui j'ai pas, euh... <laughs> pas compté mais j'ai pas compté mais je consiste, me suis dit que ça faisait Security bien 9. Et euh... j'ai oublié Special Delivery t'as Vu passer Crow 64, euh, j'ai vu passer, je me suis pas penché ah. dessus. Voyez avec Enzo. Ah. <laughs> Alors, justement, moi j'allais dire à la pause, je vais t'expliquer pourquoi Crow 64 c'est pas intéressant. Ah, à la pause, pas devant eux, le... je, provo je provoque, je provoque. Ok, peu. pourquoi pas. Ah, bah si, 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 si non, mais... <laughs> <4. rire> bon, Enzo m'a en... dit qu'il s'intéressait à Crow 64. Voilà, <laughs> je lui ai dit, nous verrons bien pour le <laughs> moment, Petscope, cher Enzo. Mais euh, j'ai fait plusieurs virages inversés. <laughs> non c'était vraiment un. Mais écoute, Anaskai, An An tu dis ça, euh, tu dis que tu n'arrives pas euh, à dormir après avoir vu mes vidéos FNAF. Euh, moi, je sais que euh, tu as la moitié des gens qui sont comme ça, tu l'autre moitié, ils s'endorment de devant mes vidéos. Alors bon, euh, il <laughs> y a un peu un double effet euh, <laughs> qui s'entrechoque. Je dois avouer que ça m'arrive. Non, j'ai pas que regarder la remarque de Matt Pat. Hein. Moi, je voulais vraiment. Euh, je du vraiment train la de la hype. Sur... Merci, tout le monde. Oui. Je venais vraiment là-bas sur la vidéo pour m'intéresser au sujet. Hein. C'est juste que... Euh, ouais à la septième se... Dès la septième seconde, quelque chose comme ça, Matt Pat, il m'a frappé dans le dos. quoi. Ah, non, aider. attends. J'ai cru que tu parlais encore de mes vidéos et j'ai cru que tu disais que tu t'endormais <laughs> dès la septième seconde. <laughs> dès la septième seconde, bah merde, mais c'est chiant, quoi. <laughs> mm -hmm. Tu veux mon dossier SCP 2h40 euh, Dark... Euh, euh, je, je... Non mais moi je m'endors pas pour des vidéos, c'est ça le truc, je suis pas... de, Enfin, ouais. j'y arrive pas. Merci pour euh, ton tir, euh, Doug Burger MP4. Ouais ouais non mais je sais qu'un certain nombre de gens se servent de mes vidéos pour s'endormir. Je le prends pas mal. Enfin, euh, <laughs> pour, pour, pour des aussi là-bas, donc euh, bon... Euh... Pixamap... Euh, merci Pixamap. -m. Pardon. Mon cerveau est décédé. Euh, pour, euh, pour ton prime. Non, non, écoutez pas les vidéos Gaster pour vous endormir, je vous en supplie. <laughs> en Enzoul est en, train de, est en train de cancel les vidéos Gaster, ça y est. Non, non. Pas avant Delta Rune. <laughs> <laughs> Attendez, la, 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 la deuxième trilogie Gaster dans Delta Rune. Ouais, ça je comprends mieux, Azo, euh, à, à la limite. Mais 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 ouais, je sais pas, je sais pas. Euh... À la limite, je m'endors sur de la musique, mais euh... mais de la musique ouais. bien trippy quoi. Ouais, c'est le de... seul Moi, truc pas sur lequel je peux euh... m'endormir. C'est pas forcément de la musique calme, hein. je me souviens ouais. j'ai utilisé le thème de Galacta Night pour ceux qui connaissent pour m'endormir. Donc euh, c'est. Ah oui Comment <laughs> ça varie en, <laughs> en rythme j'ai des amis FNAF... Non mais Dark, qui, tu m'étonnes pas là, c'est discutent... typiquement toi ça. <laughs> J'ai des amis fans de FNAF qui discutent sur une chronologie de FNAF, quelle est-elle <laughs> Non, je sais pas que Crow 64 c'est pas intéressant, Mais j'en parlerai peut-être plus tard mon, mon avis de mon avis dessus. Il ouais. euh, y a beaucoup de choses à, Non mais ça m'intéresse quand même parce que je me suis pas... Euh, Au-delà des euh... 7 secondes de Madpatch, je m'y suis pas intéressé plus que ça <laughs> moi, donc... Euh... Mais je parle même pas scénaristiquement, je veux dire, il y a des... Il y a, du point de vue d'un RG, il, il y a des discussions à avoir euh, sur euh, certains choix narratifs, on va dire. Hmm. Non, Merci euh, bon Kewans, Kewan TV, pour euh, ton abonnement. Bon, on traînasse un peu là. Ouais. Et, si, euh, et si on, on se bon. lançait on vous fait pas ça... mais euh, mais il se passe rien. On traîne, <laughs> ça avec plaisir. Mais attention, euh... attention, j'entre, mais... le... Le monde dans le monde miroir. Boup Incroyable. Et euh, oublie pas les sous-titres, même si là. J'oublie euh, pas, pas, que pas ça les être... sous-titres. Ouais, c'est vrai que là, bon. Je ne crois pas que ça va être très pertinent. Si les on regarde mais... musique de fond Lost, bruit de fond. Il y a un bruit de fond, il paraît. Ah ouais. <laughs> non d'accord, viens de comprendre. Oui. <laughs> non. Mais non <laughs> aïe 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 tu débile. Pescov 16 il dure 2 minutes 40 dis donc il est court cet épisode oui. est-ce que <laughs> attendez parce que on se lance là dedans euh, t'avais trouvé euh, en fait ce qui se passe c'est que du coup comme moi j'étais sur le montage toute la journée et même la journée d'hier pas mal euh, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire qui était de relire les commentaires des VOD et d'essayer de trouver des commentaires intéressants donc je suis vraiment désolé euh, C'était vraiment dans mes plans. Euh, donc, est-ce qu'on n'irait pas Enfin, si t'étais Alors... descendu, t'avais trouvé des choses dé... Pendant que deux secondes. Descendu... Merci Dark pour ton don. J'étais descendu, mais j'ai pas trouvé grand chose. Enfin, euh, j'avais ah, trouvé, euh, hein. ouais. trouvé des trucs, mais qui se basaient par exemple sur euh, des arguments qu'on avait déjà un peu euh, démontés, euh, notamment liés à la fiorie Enfin, intéressant Dark, aurait, euh, je verrais World of Horror. Pardon, il y avait un message avec, avec son don et je l'ai lu en même temps. Oui. <laughs> et euh, ouais, non, j'ai pas trouvé grand chose à, à relever. Après, c'est pas pour dire que vous êtes pas productif, hein, mais. <laughs> les sons des subs sont un peu forts. Ah, à noter. Je prends note. Est-ce que c'est les, de... -ce est les sons des subs seulement euh, parce qu'il faut savoir que j'ai encore quelques soucis sur les sons de, 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 de sub, de dons, etc. Euh, les alertes en général. D'accord. Ok, ok. Je vais les baisser, alors. Quelqu'un qui dit que, parce que comme ça, c'est le seul qui fait un peu peur, non mais. Le quel seul quel, quel mauvais goût. Que... <laughs> Attaque pas <laughs> mon chat, s'il te plaît. Ils ont encore rien fait. <laughs> Jusqu'à présent, j'ai un gentil chat. <laughs> Le son de la vidéo va être un peu fort aussi, on va voir ça. Attends, entre ça et ce que j'ai dit sur Cross 64, je vais me lancer dans une guerre nucléaire. Du coup, pardon, euh, sur les commentaires, est-ce qu'on avait des choses? Je suis sûr que j'avais vu des choses en plus passer. Je suis vraiment, je suis vraiment as emmerdé. Des... T'as vu des choses qui t'ont terrifié. Non, que, que je trouvais je... intéressant, je, je sais, sais pas. pas. Traite... Ouais. Si oui, si, pardon, euh, tu voulais parler sur les horloges. Oui, oui, oui. bien sûr, les horloges, oui. Alors, en gros, euh, plusieurs. Enfin, euh, je, je crois que vite en fait. fait c'est intéressant avait fait aussi. Ouais, je, je crois que vite fait, on avait fait la remarque pendant. Euh, pendant, comment dire. Euh, oui, pendant le, le live, mais qu'on n'avait pas noté plus que ça. Euh, plusieurs personnes euh, faisaient euh, préciser que dans la scène. Dans Petscope, allez, on va tenter un peu au hasard. 12, peut-être 11 Attends, euh, quoi oui, Ah oui. Euh, la, 11. Scène, la scène 11. où Marvin s'empare de Ker A. Euh, on va faire ça, qu'elle est, euh, qu est, qu est, qu est sur le lit. Euh, après, il y a un passage où, où on est censé comprendre que ça revient en arrière, quoi, dans la cinématique, et elle est toujours là. Mais à ce moment-là, l'horloge continue de défiler normalement. Elle ne revient pas en ouais. arrière. Est-ce que je peux pas Alors, leur montrer euh... ça, attends euh... Tac, tac, tac. Euh, pendant ce temps-là, Enzoul, je sais pas si t'as vu dans le chat, mais il y a un sondage sur est-ce que tu es méchant avec le chat et j'ai voté la ah réponse ouais. oui. Voilà, juste, juste pour prévenir. Euh, oui, et pardon, pouce. et j'attendais que tu finisses de parler. Merci ngeek pour ton abonnement. Si jamais j'oublie de, de remettre à quelqu'un, etc., n'hésitez pas à me harceler dans le chat. Hein. Enfin, laissez-moi le temps quand même de kenzoul finisse ses phrases, etc. Mais après, vous pouvez me harceler. Et c'est c'est triste tr... parce tr... que tr... j'avais. Euh, enfin, attends, je, je cherche du en... coup les horloges pour illustrer ce que tu disais. Ouais. Oui, donc la Paul est ai... dans la est près de la chambre de Kerr. Il sort, tac. Ouais. Je, là, je, il rentre. Je, je suis persuadé, je crois, sur la deuxième vidéo de de Feldup que j'avais laissé un. Que, que j'avais okay, laissé un, un commentaire so. pour lui répondre, mais il s'est perdu dans les méandres de l'oubli. Oui, parce que c'est pas ma chaîne. Il y a que sur ma chaîne que t'es un yeah. privilégié. <rire> ouais. <rire> il faut savoir que Enzoul moi, de mon point de vue sur la chaîne, euh, dans les commentaires à côté de lui, j'ai euh, un petit cœur ou un truc du genre, genre euh, vous mettez beaucoup de cœur à cette personne. Et il y a que Enzoul qui est comme ça. Vous aimez beaucoup ce commentateur. <laughs> Ah oui, t'es privil privilégié chez Dark aussi. Euh, Dark, ouais. est-ce que chez toi, Enzo, il a un petit cœur <laughs> euh, Pardon, alors oui. Donc, il est 18h15. Vous pouvez le voir Pas, là, non, actuellement, c'est l'heure. Non, dans, dans Petscope. Euh, et donc, Marvin va enlever Kerr. J'avance un petit peu. Voilà, il enlève Kerr. Et le truc, c'est que le <laughs> temps continue d'avancer. Kerr a quitté la, 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 la chambre. Oui, la chambre. Et là, euh... voilà, ça va revenir en position initiale, la porte va se couvrir, etc., comme si ça s'était pas passé. Mais le temps a avancé quand même. C'est-à-dire que le temps n'est pas revenu en arrière, lui, pour le coup. Et on ne sait pas trop si ça a un sens ou quoi. Mon point de vue, ça reste quand même que ça n'a pas de sens, je crois. Mon point de vue, c'est soit que ça n'a pas de sens, soit que ouais. c'est thématique, vu qu'il y a un délire avec le fait de ne pas pouvoir revenir dans le temps. Et à mon avis, ça pourrait être intelligent que ce soit ça. Euh, ah. Je sais pas. pas du coup. Parce que pas pour du moi, coup, le bah fait même. que ça revienne en arrière, c'était plus. Euh... Ouais, un significateur que, entre guillemets, Marvin ne pouvait pas vraiment modifier le jeu. 69% du chat pense que tu es un monstre, Enzo. Incroyable. Et je m'en fous. Oui, je disais, c'est. Euh... <laughs> <laughs> vous avez raison, ils vous il vous déteste. C'est la, la tasse Kirby, en regardez. Euh... regardez. C'est la tasse Kirby. Il prend en toutes les larmes de son corps. <laughs> 69, nice. Oui, en effet, bien évidemment. <laughs> en effet. <laughs> Excusez-moi, je ne réagis pas. Vous faites des mêmes et je ne réagis pas. <laughs> ah, je euh... pas. Tu vois, tu vas devenir un plus grand monstre que moi. <rire> <rire> je bon, voilà. Euh, oui, je ne sais pas que, que, que Marvin ne peut pas forcément modifier. Euh... Ouais, modifier euh, le jeu pour de vrai. Et donc, il ne peut pas pour de vrai récupérer Kerr Ou que s'il la récupère, le jeu la remet. Je ne sais pas. Ou si, oui, ou sinon, ça, ça peut être indiqué pour indiquer que euh, l'événement le, de l'enlèvement, il ne peut pas être effacé. Quoi. Euh, mmh. Il est forcément arrivé, on ne pourra jamais... Ah, tu le vois plus comme ça Ouais, peut-être aussi. Je sais pas s'il y a une interprétation que je préfère à une autre, mais euh, ça me paraît être ouais. euh, plusieurs explications euh, intéressantes. Merci Doug Burgle MP4 à nouveau pour euh, ton chien. Il y en a qui voient le mal partout. Oui, mais bah, ils voient le mal partout. Moi, je vois pas le problème avec enzo hein, Il a juste dit qu'ils sont fichés de ce que vous pensiez. Hein, euh... Voilà. Euh... Ah, mais il appuie dessus en plus. <rire> <rire> euh, quand Paul kidnappe Kerr l'horloge a reculé ou pas Non, je crois pas. Oh, Paul ah oui, quand il revient... Attends, quand il revient ah, ouais. par la fenêtre. Oh non, elle a continué d'avancer. Elle a continué d'avancer. Donc, euh... donc ouais. Euh... Si on pense Game Design, c'est un tuto qui montre... Euh, voilà comment on prend caractère A. Oui aussi. Oui, dans oui. ce sens-là, oui, elle mais je sais un... pas si ça a trop sa place ici dans le 11e épisode. Et venant d'un... De, comment, de, de, de Marvin, qu'on a déjà pas mal, euh, j'ai envie de dire personnifié, mais bon. Enfin, euh, euh, c'est dans cet épisode-là qu'on commence à sous-entendre qu'il est vraiment conscient, euh, que ce soit vrai ou non. Hein, euh, et, euh, et justement, ça semble avoir de l'importance qu'il soit là, vu que. Euh, vu que, comment dire. Euh, je ne sais plus ce que je disais. Oui, euh, vu qu'il euh, qu n'a il a jamais pu aller dans la maison en principe. Euh, merci Rouge 13 à nouveau pour euh, tes 100 bits. Ce pourrait pas être un oubli de Tony pour, euh, pour l'heure ou juste un, un petit truc à la con. Euh, ou où, où je suis juste un peu con, pardon. Euh, ça peut être un oubli. J'en doute parce que l'heure semblait être un événement important parce qu'on avait vu que 18h15, c'était une heure qui apparaissait autre part. Enfin, 6h15 du moins. Euh, C'est-à-dire, sur euh, bah, c'est dans le même épisode. Sur la démo où euh, il conduit la voiture. Enzoul, es-tu toujours là Je suis toujours là. Tu es toujours là Non, au cas où. <laughs> je, je te le fais parler. Enzoul ne tombe pas dans tes escaliers, au passage. Pas encore. Pas encore J'ai pas d'escalier ici. T'as pas d'escalier ici Enzoul est des sauvé escaliers. des escaliers, les amis. <laughs> je cherche. Voilà, c'est dans cette démo aussi où euh, la voiture va arriver pile à 6h15. Euh, sachant que pour rappel l'horloge est décalée. Enfin bon, voilà. Voilà pour ça. Je pense pas qu'on ait tellement plus à ajouter sur l'heure. Je crois. Si. Euh, J'essaie d'avancer un peu aussi. Je crois pas, non. Euh, là je vois un autre commentaire qui dit quand on dit que la maison est une frozen house, euh, peut-être aussi que ça peut expliquer pourquoi la chambre de Caire est froide. Peut-être. Je sais pas. Enfin, il y, y, y a un lien thématique, éventuellement. Peut-être, peut-être. Voilà. Peut-être. Ouais. <laughs> euh... Je sais pas. Tu sais pas. Non, non, mais je, 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 je propose des <laughs> choses, écoute. Je descends dans les commentaires que je vois en même temps. Euh... Tu es dans Ça, c'est dans une est voiture, Est-ce que je tape du sur du vert Je pense qu'on va y répondre à nouveau, petit à petit. Ah oui, il y avait des messages de l'ange aussi, en réaction post-stream, qui me semblaient intéressants. Ça fait très bizarre que tu dises comme ça des messages de l'ange. Ouais, l'ange <laughs> est venu euh, parmi on nous et est, euh, un... est venu nous éclairer euh, avec ses ouais. vues sur Petscope. On euh... dans euh... un New Age. <laughs> Alors, attends, qu'est-ce que ça dit Comme j'avais dit en stream, je comprends pas pourquoi cette fois-ci, on ne voit pas les messages. Ah oui, si, c'était ça, c'était intéressant. Euh, C'est dans PetScope 12, me semble-t-il. Euh... Tac. Donc on, on suit Belle dans PetScope 12. C'est l'épisode de Belle, pour rappel. Euh, et elle va aller, voilà, à la surface du Newmaker Plane, et Elle va voir Marvin, Marvin qui fait les mêmes mouvements que dans PetScope 11 devant l'école, et donc qui parle normalement à Paul. Et l'ange demandait pourquoi on ne voit pas Marvin parler ici. Euh... Ce qui me semble sous-entendre, comment Qu'on comprend peut-être pas tout sur le fonctionnement du de, de, de système langage. de chat. C'est-à-dire ouais. que peut-être qu'il faut l'activer au préalable. Enfin, C'est-à-dire que, en imaginant que Marvin ait euh, enregistré ses mouvements, ou bien. Attends. Ok, deux solutions. Marvin a enregistré ses mouvements devant l'école et il se rejoue euh, pour Paul, j'en sais rien, et, euh, et donc il a enregistré aussi ce qu'il disait. Donc euh, c'est pas normal qu'il n'y ait pas le. qui parle pas ici. D'accord Ou bien, et ce serait chelou, hein, mais est-ce que c'est possible que le jeu, quand il enregistre les entrées de contrôleur du joueur, il n'enregistre que la manette 1? Et donc ce serait pour ça qu'on n'aurait pas euh, le texte ici. Ce qui signifierait que Marvin jouerait en temps réel dans la démo en question, ce serait bizarre. Mmh. Ou alors il y a quelque chose qui se joue avec le voilà, fait que, comment dire, euh, Paul, euh, quand il bon. parle à Marvin, il a une sorte de tutoriel pour euh, utiliser le chat. C'est vrai. Et Belle. Un peu comme si c'était prévu cette... par le jeu d'ailleurs. Ouais. ouais, ouais. Et Belle n'a pas encore vu cette fonction, donc il est possible que tu ne, tu ne repères pas les messages dans le chat ouais. avant d'avoir, on en, met en... débloqué la fonction dans le jeu. Entre deux, après, quand elle apparaît dans petscope 15, ouais. elle l'a... Du pris. coup, entre temps, elle l'aurait, oui. Sachant qu'elle est aussi à l'école, c'est pas impossible. Et tu l'apprends que école. quand... Ah non, bah non, c'est Marvin. J'allais dire, tu l'apprends que quand t'es proche de Marvin, mais... Euh... Parce qu'il y a toute la question aussi de si Marvin est une personne, s'il fait partie du jeu, etc. Mm -hmm. Ça va être toute la thématique d'aujourd'hui. Hein. Euh, vous fait pas. Serait pas é... Ce serait pas étonnant que... Je vais prendre mon café. Ouais, ce ne serait pas étonnant, euh, outre les, euh, les implications thématiques, que tu apprennes le langage quand tu approches l'école, je pense. Genre tu débloques cette fonction quand tu es en face de l'école. Peut-être. Peut-être, peut-être. Par contre, j'appuie totalement euh, l'idée que j'avais dit la dernière fois que je ne pense pas que l'école devrait être là. Ouais. Euh, ouais. Voilà. On va peut-être se lancer. C'est juste que euh, avec ces mouvements soient joués On va se lancer non, euh... Ouais, avec une catapulte. Non, mais non, en je, fait de je... oui, 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 bien sûr. Euh, je vérifie juste si je vois pas deux, trois autres trucs. Mais c'est vrai qu'on tarde un peu là. Euh... Non. J'allais dire, après, on n'a pas traité Petscop 11 cette fois, donc ça va, mais... Euh... <laughs> bien mal appris qu'il croyait prendre. Euh, je sais plus ce que c'est la formule, mais... Euh... <laughs> y a, y a... On a pire que Petscop 11. <laughs> enfin, pas pire, mais... Ah non, mais là, euh... voilà. Écoutez, on va passer à la suite. J'espère qu'on n'a pas trop raté de vos commentaires, sinon, euh... sinon j'y répondrai un jour ou l'autre. Voilà. Euh, de toute façon, on les prend. S'il y avait des choses vraiment extrêmement intéressantes, on les prendra en compte euh, parce que de toute façon, euh, on va si, bosser si, sur. Si. Vite, euh... fait, vite fait. Ouais, vas-y. Vas L'intelligence de Vlouk signifie quelque chose de très, euh, de, très pertinent. Uh -huh. Mais du coup, comment connaître l'alphabet phonétique Parce que tout le monde a l'air d'utiliser l'alphabet oui. phonétique correctement. J'avais théorisé Et... la dernière fois. Là, Et mets. donc, c'est peut-être que c'est sur le site, par mm. exemple. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Mm. C'est les que... prix J'imagine. <laughs> J'imagine que ce serait sur le site parce que du coup ça expliquerait pourquoi tout le monde y aurait accès. Et aussi pourquoi Tony ne voulait pas nous le montrer, peut-être. Peut-être aussi. Donc on aille Comme ça, on décode ça mmh. nous-mêmes. Mais euh, c'est assez ouf aussi hein, parce que euh, le, ce, ce truc d'arriver à décoder l'alphabet phonétique. Euh... voilà, quand, euh, quand, euh... quand j'ai vu pour la première fois Petscope 11, etc., pour moi, il rentrait n'importe quoi hein, euh, au contrôleur. <laughs> Ou du moins des trucs qu'on n'arrivera jamais à décoder. Le fait que ça ait vraiment un sens euh, est assez et qu'on l'ait trouvé euh, est assez impressionnant de la part de la communauté, je trouve. Et qu'on en parlera peut-être ou pas Je ne sais pas si de on va déployer toutes, toutes nos cartes. Quoi donc euh, Un petit secret de l'alphabet phonétique Non. Je vois pas tu veux je parle. dire euh... de Je pense qu'on va être obligé d'en parler, mais dans, Petscope, ouais. euh, dans la PetScope, ça ne pas avant. Oui, 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 bien Enfin, c'est là qu'il apparaît, mais disons que le terme apparaît à un autre endroit avant, qui n'est pas ouais, lié ouais, à ouais. ça, mais, euh, mais qui euh, est rigolo. <laughs> euh, bon. Alors, Petscop 16. Donc, les dernière fois, on s'est arrêté à Petscop 15. Euh, pour rappel, Petscop 15, c'est le bazar. Euh, Petscop 15, Paul a joué avec les portes. Euh, il a réussi à entrer dans la chambre des parents à la maison. Qui lui a permis de récupérer une, la clé du garage et d'entrer dans le garage, ce qui, pour des raisons obscures, a mené à la troisième phase de la maison. Euh, je, je résume vraiment, il vaut mieux que vous ayez vu Pescope 15. Euh, et, et, et après, euh, il s'est retrouvé un petit peu bloqué par le jeu qui avait l'air de bugger. Euh, voilà, voilà. Je vais te réembêter, euh, ouais. as pensé aux sous-titres Je viens de les mettre Oui, je viens de les mettre. D'accord. Euh, et donc, et c'est un petit peu ce qu'on avait dit dans le dernier MBT Petscope, il faut savoir que Petscope 15 était la dernière fois, euh, chronologiquement parlant, où on entendra Paul. On va le réentendre, mais chronologiquement, ça ne se passera pas après. Donc voilà. vous allez dire au revoir à Paul dans le chat. Alors donc voilà, Paul est mort. Acceptez-le. <laughs> Paul n'est pas mort, Paul va bien, je crois. Mais Paul ne parle plus. Bye bye. Oh il s'en dit bye bye. <rire> <rire> on y vient. On ils y vient. Sont, bye bye. bye. <laughs> euh, oui, et puis, bien évidemment, il est, parti, euh, il est parti avec son mot légendaire. Ouais. Évidemment. Bon. Et donc, dans Petscop oui. 16, on se retrouve dans <laughs> une situation où euh, on ne sait pas comment on est arrivé là. On ne sait pas ce qu'il se passe précisément. On sait pas grand chose en fait. On se lance Ouais. Ah, et euh, on, on reprévient euh, son aigu dans cet épisode. N'hésitez pas à baisser votre ouais. son je vais voir ce que je peux faire. Ah, D'ailleurs, je vais le laisser en fenêtre pour pouvoir régler le son si jamais. Je crois que je m'étais à peu près là d'habitude le moment où les gens chez pose. moi vont se posent. Il ne se passe rien. C'est normal. <laughs> non, si. Qu'est-ce qu'on peut observer on déjà voit On voit Alors, le garage. Première chose à remarquer, on est dans le garage. D'accord Vous ne le reconnaissez pas forcément exactement parce qu'on n'en voit que la moitié. Euh, mais ici, c'est l'ordinateur. Euh, là, derrière, c'est la porte du garage. Là, c'est l'entrée. D'accord Du garage sur la gauche. Euh... Ici, il y a une voiture. Et elle est particulièrement intéressante parce que je crois. Est-ce que c'est à partir de Petscop 16, Enzoul Est-ce que tu me le confirmes Je crois que c'est là que la chaîne de Petscop change de... Oui, oui, photo oui, de, profil. de photo de profil pour euh, une voiture. Cette pour... voiture. Voilà. Ouais. Même euh, cette voiture issue de cette image sans la boîte de texte. Voilà, ouais. totalement. Euh, sans la boîte de texte, texte Oui, je crois, en effet. Et donc, sinon, on a une boîte de texte vide. Euh, ce qui me fait penser aussi que à la fin du dernier épisode on a eu également une boîte de texte vide il euh, y avait toute cette question de si c'était censuré ou si elle était vraiment vide, je pense qu'elle était vraiment vide je pense pas qu'il y ait de censure parce qu'on peut pas particulièrement voir de couleurs différentes c'est la boîte de texte normale et il est même possible que ce soit la même boîte de texte que celle-ci j'imagine d'une façon ou d'une autre enfin on a deux boîtes de texte vides de suite donc euh, j'imagine que euh, qu'il euh, y a, y a peut-être un rapport euh, la voiture est orange également. Intéressant, on n'a pas vu de voiture orange jusque-là. Euh, et dernière chose à remarquer, c'est que cette boîte de texte vide, si vous regardez bien, ici il y a une sorte de, de rectangle orange euh, qui veut probablement rien dire. Mais euh, si je ne dis pas de bêtises, ce rectangle orange a relativement la même taille que la vitre arrière de la voiture ici. qui a elle-même ah oui. une texture un peu chelou. Ah oui. Et donc, moi, ma théorie sur le sujet, c'est que c'est un bug visuel. Et également, c'est toujours Mais pas terminé. Mais elle va rester avec... là pendant quelques, quelques épisodes. Oui Cette vidéo est sortie le 31 octobre 2018 pour Halloween. Et ah ouais. la description de la chaîne a été changée en « Enregistrement d'un jeu vidéo ». Ouais. Voilà. Ok. Ok. À, à savoir à que euh, oui en effet Dark. En général les censures sont assez visibles c'est aussi pour ça que je ne pense pas que c'est une censure. Euh, à savoir que cet épisode va plus ou moins être le début d'un nouvel arc entre guillemets de la série euh, mais il va avoir la particularité d'être est-ce euh, qu'il n'est pas sorti plus proche de 15 que de 17 Parce que pendant longtemps on s'est demandé si c'était pas la, la, le dernier épisode de PetScop ça. Euh... Tu te souviens de cette époque ou pas Ouais, 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 oui, vite fait. Parce euh, qu'on qu théorisait que, euh, dix, justement, dix il était arrivé des choses au rive la 17 est sorti près de Pâques. Ouais, ouais à Pâques. Quand il quand y a eu la, la fête de tu vois, le, tous les épisodes de Pâques. Après, ça va être l'arc euh, de Pâques, on va y venir. Ouais. Donc, ouais, celui-là est sorti plus proche, on pourrait dire, du hmm. précédent, oui. Que... Alors que, thématiquement, je dirais qu'il s'inscrit plus avec les suivants. Mais ouais. bon, ouais. voilà. C'est juste pour vous donner du contexte général sur les dates de sortie, etc. Bon, euh, le son strident risque de commencer sous peu. La musique s'arrête. Ça va au niveau du son, je pense que ça va. Euh, le texte va s'afficher plusieurs fois, pour le moment je ne vais pas m'arrêter. Vous en faites pas. On va le laisser dérouler, c'est important. <laughs> ouais, on va y venir euh, rouge 13. J'avais déjà oublié. Non, moi je pas oublié malheureusement. Non, non je... tu m'aurais demandé d'y réfléchir, ça me serait revenu, mais... Euh... Je m'attendais plus à le voir ça. Là, je suis en train de me rappeler de, de, de plein de détails horribles qui n'ont pas de sens. Il y a énormément de <laughs> choses à dire. Ah oui, j'avais oublié que j'avais cette histoire-là. Attendez. Euh, je vais essayer Attendez. de régler. Non, parce que vous devez avoir les, euh, les sous-titres un peu coupés. Je vais vous régler ça pendant ce temps-là. Euh, ça va être euh, ça. Tac, voilà. Excusez-moi. On va laisser tourner l'épisode, on va revenir sur les textes après, je pense. Un épisode qui se ressent, celui-là. Merci Doc Burgel MP4 à nouveau pour ton client. Y a un saut temporel ici, tiens. Un cut, ouais. Prochain son pour les alertes, oh l'horreur. <laughs> <laughs> ah oui, c'est pour ça qu'il y a un cut. Non je te suis pas, je sais pas de quoi tu parles. Pour le temps qui bouge là-dessus, non Ok, fin de l'épisode. Bon, <laughs> bon. Bienvenue dans la galère. <laughs> Et vous pensiez que c'était difficile, Petscope? Non, vous aviez Vous avez ouais, encore rien vu. Difficile. Vous avez vraiment encore difficile. rien vu. Je... On dit pas ça pour rigoler. Vous avez rien vu. Vous allez comprendre la douleur là. <laughs> bon, beaucoup de choses à dire. Euh, bon, déjà le texte. Premièrement, où on est. C'est toute la question. J'y réponds pas pour le moment. Enfin, comment on est arrivé là, etc. Le ouais. texte. <laughs> ça m'a retiré les sous-titres parce que j'ai relancé la vidéo. Oui. Alors. Incroyable. Aucune entrée de contrôleur n'a été détectée depuis un long moment. Famille, voisin, police ou quiconque, laissez la console de jeu allumée. C'est intéressant parce que ça fait référence à, euh, à une thématique qu'on a déjà eue précédemment avec euh, laisse la console oui. de jeu allumée à la fin de Petscope euh, 13. Ça être ça. Oui, et aussi précédemment euh... avec Toulouse. Et Toulouse. Qui dit. Euh... Euh... Il dit directement n'étant pas la. Sinon, ouais. euh, si, il dit, dit étant la PlayStation. Non, mais il dit que Marvin fait mal. Euh... Quand la PlayStation ouais, est il... allumée ouais. Ouais, ouais. Appelez le numéro de téléphone fourni. Et je dois faire remarquer que le numéro de téléphone fourni, on peut partir les sous-titres, euh, est censuré. Cependant. Mais. <laughs> je sais plus exactement où il Se trouve que ce numéro de téléphone, qui donc supposément est censuré par euh, la famille et propriétaire, euh, ne l'est pas pendant une ou deux frames à un moment de la vidéo, ce qui nous permet de voir que c'est un numéro ou les mâles, du moins, je sais plus, qui est de je sais plus quel état des, état des États-Unis. Le, connecti le Connecticut. Je savais plus si c'était ça au Colorado. Très bien. Ça commençait en co. <laughs> <laughs> Donc voilà, le Connecticut. Admettons, ça sert pas à grand chose, mais, euh, mais voilà. C'est pour ça aussi qu'on dit que euh, les censures sont un peu grossières. Même si là il y a une ambiguïté sur si c'est pas euh, Tony, le créateur de Petscop qui s'est foiré, j'imagine, mais il y a toujours cette sorte d'ambiguïté. Donc bon. Euh... Tac tac tac. Alors qu'est-ce que vous dites dans le chat Je crois que c'était le garage au départ. Où j'ai vu cet épisode. Oui, c'est dans le garage. Qu'est-ce que tu voulais dire euh, Je te coupe parce que l'ange ouais. Noshi a résolu Pescope, en fait. Il a, il a trouvé que c'était une puce qu'on doit implémenter dans notre colonne vertébrale. C'est vrai Ouais. Bon, bah voilà, on a terminé. Mais super. La... Eh ben, merci d'avoir suivi. <laughs> non. C'est bon, c'est le moment où moi et Anzul, on se barre avec l'argent des abonnés. Bon. Alors. Euh, si je dis pas... si attends, on va avancer parce que je vais, on, on, on va dire ce que c'est un petit peu. Il y a le bruit de buzzer, évidemment. Euh, L'écran qui passe au orange. Le orange, c'est la pire co co couleur de tout de tout PetScope à cause de cet épisode <laughs> et des suivants. C'est la couleur de l'horreur, le orange, hein. d'accord. Ouais, c'est ça. Quand tu un... vas en enfer, c'est la première vrai. chose que tu vois. Euh, J'aimerais l'autre écran. Est-ce qu'on est peut avancer un peu L'épisode qui ça. ne se rend pas compte qu'on veut voir un truc précis. Voilà, donc, merci. Euh, voilà. voilà. Moniteur de okay. rodage, chambre fantôme, chambre de test. Burn-in Monitor, Ghost Room, Testing Room. Alors, qu'est-ce que c'est que c est, c est, c est cette merde-là Là, on peut dire une chose individuellement sur chaque élément de cette composition. Aussi, <laughs> mais on va y venir juste après. L'idée semble être que la personne qui joue, qu'on va supposer être Paul, et ça semble être vrai, d'accord donc Paul n'a pas touché à la manette depuis un certain temps. On ne sait pas pourquoi. On y viendra peut-être plus tard. On ne sait pas pourquoi. Ok. Euh, ce que fait le jeu là, c'est qu'il active une fonction qui est euh, liée plutôt aux anciennes télé, qui est euh, comment dire un. Euh, ça doit se dire moniteur de rodage en français, du coup, j'imagine. Euh, mais en tout cas, euh, le problème c'était que si tu restes trop longtemps sur euh, une image fixe sur une vieille télé, euh, ça finit par s'incruster plus ou moins l'image dans, euh, dans l'affichage de la télé, ce qui abîme l'écran en fait. C'est ça l'idée. Et, euh, et donc, ça, tout, tout, tout ce dispositif de euh, l'écran qui n'arrête pas de bouger, du son. Qui, euh, qui arrive en permanence, c'est pour, euh, pour justement que, euh, que la télé reste active, mais euh, ne s'abîme pas, en gros. En surface, du moins. Si on va plus en profondeur, cependant, il y a quelque chose en prenant ça qui est assez gênant avec le laisser la console de jeu allumée. Et, euh, et le fait d'appeler un téléphone, etc. Il y a un petit peu le sous-entendu que... La personne qui a designé cette partie du jeu, supposément Rainer, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, savait qu'une telle chose pouvait arriver. Que le joueur, pour une raison ou une autre, euh, s'arrêterait de jouer en laissant le, la, la console comme telle à un moment ou à un autre. Et, euh, et que ça nécessitait d'appeler ce numéro de téléphone qu'on imagine être celui d'un Rainer à nouveau. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Enzoul. Je ne sais pas. Mais j'imagine que le quel... numéro de téléphone, gar... c'est. Un service à Garalina, peut-être. Peut-être, euh, ou, ga... ou, ou Garalina, oui. En tout cas, euh, les développeurs du jeu. Quelqu'un en charge de euh, cette situation précise. C'est le carré à côté de la télé. On vient à, à, à cet écran juste après et à ce qu'il compose. Ouais, ouais. Euh... <laughs> Donc voilà. Ce n'est pas le moment, ok, ça fait déjà suffisamment peur. <laughs> en y allant ouais. à nouveau, on surpasse on peut se dire que, en effet, euh, Rainer aurait prévu ça, parce qu'on sait après tout que Paul a déjà laissé le jeu tourner sans y toucher pendant un certain temps. Supposément, même euh, pendant un long moment, il n'éteignait pas le jeu. Et on ne sait pas s'il éteint même le jeu de temps à autre. De façon à euh, ne pas perdre l'endroit où il était arrivé, parce qu'il ne savait pas y retourner. D'accord Et, Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte choses. que ça sauvegardait, donc, euh, donc j'imagine qu'il le fait moins, mais voilà. Rien qu'au début avec la porte, on sait qu'il y a des choses qui se passent des fois quand t'attends juste. Il y a eu cette thématique-là avec Belle aussi, Lange, tu as raison. Euh, avec le fait que Belle ait laissé la console allumée pendant 17 ans. Donc voilà, euh, il y a un petit peu tout ça, mais le, euh, le, le fait de, euh, de bien appuyer sur le fait de laisser la console allumée, et euh, que ça semble être plus ou moins grave quand même, parce que... Euh, voilà, il faut vraiment appeler Reiner dans cette situation. Euh, fait penser que quelque chose de grave est arrivé, mais de grave de prévu. C'est ça qui est assez étrange. Ouais, ouais. Ok. <laughs> ça, c'est le premier mystère de, 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 des choses. Ensuite, on a le Dorito Dayal. En haut à droite. C'est vrai qu'il est là. Ouais, oui, 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 mais je sais pas. je... Bon, je euh, pas y je chose, pas il y a cette chose, on y reviendra je un sais moment. Pas. Ok, je ne sais pas pourquoi il est là, mais euh, ce, ce, cette chose est présente. Euh... Ou alors c'est pour indiquer que. C'est pour indiquer que. Euh... C'est Paul. Non, mais je ne sais pas. Mais... Plusieurs <laughs> choses. On nous affiche ici euh, ce qui semble être une salle vue de dessus. Euh, si vous ne la voyez pas, en fait, cette salle va avoir plusieurs meubles. Ici, on peut reconnaître un lit vu de dessus. Euh, ici. Je vais revenir ici. Euh, ça, je crois que c'est censé être une chaise. Une chaise, oui. oui je pense. Ici, euh, une télé. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Et si, je vais revenir à cet objet tout de suite. Ici, ça semble être, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, le piano à aiguille. Ou du moins, la façon dont on l'a représenté sur les écrans de chargement. Avec okay. le piano Une vu dessus, de PlayStation. Un, un tabouret devant euh, pour en jouer, juste des traits qui seraient les aiguilles en question. Et là, au dessus, euh, l'espèce de truc avec le cercle et la manette de PlayStation devant. Et ça, c'est peut-être la PlayStation vue de dessus ou quelque chose de ce genre-là. Euh, même si j'aurais mis des coins à la PlayStation vue de dessus. Mais c'est vrai que, euh, comment dire, le couvercle d'une PlayStation, ça ressemble à ça. Attendez. Euh... Ou alors, c'est un moyen de représenter. Voilà, c'est euh, un... le, 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 le couvercle d'une PlayStation Et rond. Un cercle. Ou ah un oui. cercle, tout simplement. Ah oui. ouais. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à y voir une PlayStation, mais c'est peut-être pas ça. Parce que c'est vrai qu'il y a un point noir au milieu. Est-ce que c'est le haut Est-ce que tu crois que c'est le haut étrange Ouais, je viens de penser que. Pas ouais. le haut, mais le, le, le point là. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon. Je sais pas non plus. Donc, voilà. Et, dernière chose intéressante. Pour ah oui. euh, le layout, cette image. Alors, si vous, pliez, si vous plissez très très fort des yeux, vous arriverez à voir ce que c'est que cette image. Moi j'arrive à le deviner. Oui. Euh, ça me voilà. semble être le séjour de la maison, avec le sol un peu jaune. Là, il y en a la cuisine sur le côté. Euh, ici, le coin qui part là sur le côté vers la salle de bain. Et là, il y a quelque chose au milieu que j'imagine être l'avatar de Paul. Mais sans trop en savoir plus. Euh, dernière information, elle est un peu dans le noir, donc ce serait peut-être plutôt la maison dans les phases 1 et 2. Je sais pas trop. R rien que. Euh... Mon hypothèse okay. sur le sujet, c'est que c'est soit l'affichage de la télé qui nous est retransmis à côté. Soit. Ah, pas bête que tu... ouais. Ouais. Soit c'est-à-dire que. Comment dire Paul serait sur une partie annexe du jeu ici. Et il pourrait revenir sur cette partie principale où il se trouve là. J'en sais rien. Non, je préfère l'idée de l'affichage de la télé ou les deux, ou les deux, à vrai dire. Euh, mais ça va avec une autre théorie qui viendra beaucoup plus tard, ça. Donc Après, j rien si marre. tu veux le... si tu veux encore suivre autre interprétation, ouais. ça pourrait être un moyen de. Parce que là, la question qu'on fait qu'éviter, mm -hmm. notamment parce qu'on n'est pas sûr de, de pouvoir répondre, oui. c'est euh, qu'est-ce que c'est la ghost room mm -hmm. Et... Euh, tout bêtement, une autre interprétation, ça pourrait être que cette image de la maison c'est un moyen de nous confirmer que la ghost room a un lien avec la maison slash se situe dans la maison. Quelque chose comme ça. Je sais pas. d'accord je, je sais pas si je suis d'accord avec ça parce que je ne pense pas que la ghost room je se situe dans si la maison. Je ne sais pas si je suis d'accord moi-même avec ça. Un parce je... que sachant qu'il y a le needle piano, pour moi oui, c'est euh, le sous-sol de l'école. Oui. Et puis il y a un épisode futur aussi où ouais. clairement... Euh... Ou, oui, euh... ou euh, supposément ouais. Euh, mais par contre, il y a une chose que je l'avais jamais interprétée comme ça. Testing ouais. room, euh, salle ah de oui. test. C'est ah peut-être oui. plus la salle du testeur. Ouais, 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 la ouais, chambre ouais, du ouais. testeur. Ouais. Ce qui serait intéressant à nouveau avec toute l'hypothèse que je vais avancer plus loin avec euh, l'idée d'avoir le jeu sur la télé dans Et cette salle. Le fait... Et puis, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le fait. Euh, que... Le gris est censé être la chaise, oui. Je ne oui, sais pas si tu te rappelles, mais le fait que la Ghost Room ait clairement un lien avec l'école, je ne sais pas si mmh. tu te rappelles dans quelle pièce plus précisément, mais c'est clairement un truc lié au, au développement. Mmh. Donc, euh, tu, tu tiens, tu tiens peut-être quelque chose, ouais. Une euh, mmh, dernière chose toute bête que je ne crois pas, ou alors c'est quand j'ai bugué euh, que tu n'as oui. pas mentionné, c'est le point rouge, tout bêtement. Non, je ne l'ai pas encore mentionné. <laughs> D'accord. Le <laughs> point rouge. Euh... Alors, plusieurs choses sur le point rouge. Déjà, il fait des bruits... Est-ce que je suis fou ou est-ce qu'il fait des bruits d'oscilloscope Moi, je... je croirais que c'est le Dorito-Dayol. Non, non, parce qu'il clignote en même temps des, des, des bruits. Parce que c'est trop irrégulier pour être des battements cardiaques. Mais ça ressemble ou à un compteur gégère <laughs> Je sais pas, un truc euh, ou du morse Je sais... Ah du morse Ça m'étonnerait parce qu'on peut pas faire du des points longs, des points courts avec ça. Enfin. Euh, Est-ce que... Mais bon, en tout cas avec lignote. Ouais, ouais, en fait, dans ma tête, c'est euh, le bruitage que j'associe à un compteur GGR, en fait. Genre vraiment. Mais bon, ça n'a aucun rapport, c'est pour ça que ça m'étonne. Mais euh, ok. Bon. Euh, le fait est que ce point rouge, surtout sachant qu'il bouge plus loin dans l'épisode, si je retrouve... Pas encore... Pas encore. Ici, il a bougé. <laughs> Me semble représenter une personne. Qui se déplacerait dans cette salle, donc. Et donc il va s'asseoir sur la chaise, en face de la télé. Et donc c'est intéressant, qu'à a okay, commencé sur le lit. Il y a tout le monde qui te frappe dans le chat pour te dire. D'accord, ok. Un ok, ok, non mais autant pour moi. Spectrogramme, <laughs> tout court, ok. Non mais je lis des bêtises alors, autant pour moi. Vachement différent. Ok, ok. Non mais dans ma tête c'est comme ça que je l'ai retenu donc c'est pour ça mais euh, vous avez probablement raison. Oui donc ce point rouge ça me représente une personne. Ça peut être le, qui... la longueur des silences entre les euh, le Morse peut-être. Puisqu'il est sur le lit et puis ensuite fait, il va sur la chaise. C'est vrai ça Dark. C'est vrai que les disques sur le lecteur de la PS1 font un peu ce bruit là maintenant que tu le dis. Mais là j'utilise vraiment ma mémoire là, oula. Là. Peut-être. Mais bon. Non, moi j'ai aucune idée ce que ça peut être ce bruit. Je sais pas. Bon, il <laughs> y a ce bruit et ça clignote. Et ça représente une personne. Supposément Paul. Peut-être. 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 En plus, il est rouge. On y viendra. En plus, il est rouge. En plus, il, il est rouge. Si, non, même pas peut-être d'ailleurs, Enzo. Avec Petscope 23, sûrement. 24, je sais plus. Mais bon, pour le moment, peut-être. Et il y a le Dorito d'Aiol. Si et y a le Dorito d'aïeul, mais euh, on y viendra au Dorito d'aïeul. <laughs> Ou peut-être que les battements du point ne veulent strictement rien dire, les pièges existent. Peut-être, je ne sais pas. Je... Après, c'est pas. pour moi, ça a un sens, mais c'est pas parce que ça a un sens que comprendre son sens est obligatoire à comprendre le sens général. Euh, ça peut être euh, ouais. un indice qu'on comprend pas et puis euh, on va essayer d'y arriver sans quoi. <laughs> Euh, peut-être anaskai. Oh, enfin bon, euh, voilà, je sais pas si j'ai grand chose à ajouter sur cet épisode. À part que euh, on est resté avec cet épisode-là pendant six mois et rien d'autre après, et qu'on ouais, a cru ouais. que c'était la fin de nos vies. Voilà. Triste OK Paul. Viens... Quelqu'un a dit triste dans je... le chat. Je viens d'avoir une pensée folle, mais je peux en parler que, euh, que dans, dans, dans 25 milliards d'épisodes. Euh, okay. Au pire, je sais pas, je le mentionnerai peut-être pendant, ouais. pendant la pause. Garde -le, garde le en tête et au pire on le mentionnera peut-être pendant la pause en, entre euh... nous peut-être et on verra. Faut pas être pourquoi faut pas éteindre un... pourquoi les potentiels inconnus qui pourraient tomber tu dois appeler le numéro même la police et eh bien, c'est toute la question. <laughs> <laughs> Est-ce qu'on parle maintenant parce que c'est maintenant que cette théorie a commencé à vraiment ouais. prendre de la ouais, vitesse la qu'on avait au moment où. Bon. Au moment où on a vu cet épisode. Ouais, ouais. Alors, ça va être un peu perché sur le moment, d'accord. Euh, depuis, bien avant cet épisode-là, à nouveau, il y a une théorie qui euh, était relativement courante dans la communauté de Petscop, euh, qui était celle que Petscop allait aller, et d'autant plus avec euh, Marvin et Belle, qui semblent plus ou moins conscients, euh, que Petscop allait aller dans la direction que le jeu pouvait... Aspirer des gens entre guillemets. Euh... Et donc, sachant qu'on a eu cet épisode un petit peu, on s'est demandé si c'était pas le dernier épisode pendant six mois. C'est un petit peu le moment où cette théorie a vraiment explosé, c'est-à-dire que on a commencé à voir dans cet épisode une potentielle confirmation de ça. Et voire même, ça va aller plus loin avec les épisodes suivants, mais bon, on verra. Euh... Euh, je pense surtout aux descriptions, de... enfin aux, aux messages dans l'écran de pause. Euh, on, on va y venir tout de suite dans Pescope 17. Euh, et donc, euh, on y voyait, dans cet épisode, euh, Paul qui se faisait finalement aspirer par le jeu, pour une raison ou une autre. Donc son esprit entrait dans le jeu, quoi que ça veuille dire pour euh, lui physiquement, d'accord euh, Et même peut-être qu'il pouvait ressortir après, j'en ai aucune idée. Hein. Et donc, supposément, cette salle aurait été une représentation de, entre guillemets, l'endroit où se trouve l'esprit en question. Le point rouge aurait été euh, Paul dans le jeu, et ensuite il se déplace dedans, et il a une espèce de réplique de chambre, depuis laquelle il peut jouer au jeu. Et de là, il rejoue au jeu de façon normale. Je ne sais pas si c'est super clair ce que je dis. En gros, cette salle imiterait un petit peu... Euh, le monde réel. Depuis cette salle, tout comme depuis la salle depuis laquelle il joue normalement, Paul pourrait jouer au jeu, tout en étant techniquement dans le jeu. Et ça s'associait à tout un tas de choses, euh, par exemple le fait qu'on se posait des questions sur où se trouve la machine qui sert aux Renaissances, euh, est-ce qu'elle existe dans la réalité, est-ce qu'elle existe seulement dans le jeu euh... Pourquoi Marvin veut faire des renaissances dans le jeu Ouais, voilà, que... totalement. Et, euh... et est-ce que j'ai perdu Enzo Allô Non, 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 non d'accord. Dire... Je viens de parler. Oui, 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 t'as <laughs> dit alors que, et j'ai cru que... Je ah oui, pardon, si... je voulais ouais. dire alors que Marvin essaye de faire des renaissances euh, dans le jeu, par exemple. Enfin, genre, euh... Ouais. Ah, non, non, d'accord, je vois. Non, mais j'ai coupé, oui, oui, oui. Hmm. C'était euh, alors que bah, c'est un jeu, quoi. Ouais, 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 on... non mais c'était alors que 3 petits dire... points c'est juste que je savais pas ah, si t'avais voilà. coupé ou, euh, ou si c'était ah ouais. la vraie fin de ta phrase euh, here I come. non pas, pas Iraicom, stop <laughs> vous savez que quand mais... on a les gens qui ont la rêve de, des derniers épisodes de Petscop quand, je, quand on a lancé l'appel euh, là euh, avec Enzoul je lui ai dit je suis prêt il m'a dit Iraicom et il a lancé l'appel et depuis je suis traumatisé <laughs> Euh, vite fait, Hurak Marvin ne veut pas faire renaître Tiara. Je ne sais pas. Euh, Peut-être que tu mélanges à cause du fait qu'avant on parlait de Tiara à la place de Lina. Oui. Parce qu'on a gagné l'information que c'était Lina depuis. Mm. Marvin n'a pas l'air intéressé par Belle slash Tiara. Ouais. Euh, pas spécialement. Et du aussi. Euh, on leur dit du coup pour la théorie de l'aspiration, notre position un peu maintenant euh, où, où... Ma position maintenant, c'est que je ne sais pas. Ma position maintenant, c'est que je crois plus. Mmh. <laughs> non, euh, ouais, je, je suis davantage pour... Euh, je crois que Hype, il est encore plutôt attaché à cette hypothèse. Ouais. Je, je suis plus sur la place du... Euh, il n'est pas aspiré, et ça représente autre chose. Euh, et il euh, y, y a plusieurs idées qui correspondent à cette autre chose, qui ont déjà été, euh, qui ont été déjà abordées, mais qui sont des hypothèses qui portent moins sur le fait d'être connecté au jeu, quoi, euh, et plus à des, à des affaires qui se passeraient dans la vraie vie. Enfin, la vraie vie de, de Paul. Du coup, ça voudrait dire que Marvin et Belle auraient joué au jeu, euh, oui, dans, dans, dans l'hypothèse de l'aspiration de l'esprit du joueur, ça voudrait dire que Marvin et Belle auraient joué au jeu, et qu'ils seraient dans le jeu, maintenant. Et donc, ce serait aussi pour ça que Belle joue depuis 17 ans, euh, ce serait pour ça que... Euh, que je sais pas, que Marvin peut encore communiquer avec nous, enfin, voilà. Euh, mais Enzo, pour te répondre plus directement, est-ce qu'on n'irait pas sur le sujet qu'on avait mentionné euh, en privé en off juste après le dernier live parce que j'inclus c'est je sais ah pas ouais, si tu vois de quoi je parle. Tu peux ouais ouais ouais. Je crois que tu, je crois que je vois oui. En gros je suis pas forcément pour dire que cette théorie est valide d'accord parce que je peux pas la prouver. Je peux juste dire qu'il y a des choses qui marchent bien avec cet euh, angle de lecture là. Ouais, ouais. Euh, notamment dans les euh, deux trois prochains épisodes qui vont arriver. On va y venir. Oh, <laughs> tu vas avoir après, beaucoup de choses rien, à dire, même après, un, même un après en, peu, en vrai, peu, ouais, ouais. même peu après peu, peu. Euh, avec le e justement. Mais euh, comment dire euh, Je suis pas non plus pour. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit que j'étais pas pour dire qu'elle était valide. Littéralement... Je suis pas non plus oui, pour voilà. la jeter complètement. C'est-à-dire que, au final, la conclusion que je trouvais vachement intéressante, à laquelle on était arrivé la dernière fois avec Enzoul, après le dernier live, en en discutant un peu plus longuement, c'était que... Euh, et, et du coup, toute... Euh, je, vais, je vais reprendre à zéro. Au début de cette série de revisionnage... Non, 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 c'est surtout que je vais, je vais reprendre plus tôt. Au début de cette série de revisionnage, je vous ai dit que... Euh, ou du moins à un moment, au moment où ça a commencé à jouer je vous ai dit que j'essaierai de voir dans ces revisionnages s'il ne pouvait pas y avoir une double interprétation de Petscop, d'accord euh, Que si Petscop n'était pas fait pour pouvoir être interprété euh, surnaturellement et euh, non surnaturellement, ok euh, Ma conclusion là-dessus, que je peux déjà faire, euh, c'est que je ne pense pas que euh, Petscop puisse être vu entièrement comme n'étant pas surnaturel. En particulier parce que l'explication du moulin me semble être clairement qu'il y a du surnaturel. Voilà. Et que, et que c'est un, un point central. Après, peut-être que sur certains sujets, oui, on peut le lire comme ça, etc. Et donc, du coup, après le dernier live, j'en ai discuté un peu avec Enzoul. Et euh, on est arrivé plus ou moins à quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Qui est l'idée que peut-être que... Il y avait quelque chose quand même dans cette idée de chercher une double interprétation, qui était que je ne pense pas, jusqu'à preuve du contraire évidemment, que euh, Petscope doit se lire avec euh, une grille de lecture stricte, euh, dans laquelle euh, chaque truc aura du sens et fonctionnera parfaitement. C'est-à-dire que euh, Petscope ne doit pas être lu, ici avec l'exemple qu'on avançait là en disant euh, le jeu peut aspirer des gens, et d'un coup tous les éléments de Petscop s'expliquent, d'accord Et il n'y a aucun contre-argument Je ne pense plus que c'est comme ça qu'il faut lire Petscop. Et là où l'idée de la double interprétation est intéressante, c'est que je pense que Petscop, euh, au fil de ses épisodes, suggère différentes hypothèses euh, de ce qui s'est passé et que, peut-être, le fait même que ces hypothèses soient suggérées, même implicitement, est volontaire. Et, euh, sans qu'elles soient valides, pour autant, euh, sert à... Euh, comment dire... sert à euh, comprendre euh, Petscop dans son entièreté. C'est-à-dire que, euh, pour synthétiser tout ce que je vous dis là, Petscop ne doit pas être lu avec une seule grille de lecture il vaut mieux appliquer toutes les grilles de lecture qui suggèrent, en gardant en tête qu'aucune d'entre elles n'est entièrement valide, et euh, l'addition de toutes ces grilles de lecture ensemble nous donne une vision globale de, de tout ce que Pescope dit. Je, je vais me permettre d'ajouter. Ouais. Euh, le tout, bien sûr, en s'efforçant de euh, trouver une... Une explication cohérente, hein. c'est-à-dire que oui, tout, euh, tout. on doit toujours tout. aborder la, que la question de ce qui se passe dans Pescop avec l'angle du théoricien. Mm. C'est pas parce que tout n'a pas forcément de sens évident ou que tout n'entre pas dans un modèle euh, théorique que euh, on doit s'arrêter de chercher euh, à comprendre les, les événements qui se produisent. C'est ça. Et euh... d'autant plus que si je l'inclus dans ce que je dis là, en faisant ça. Euh... Euh, si on trouve pas une, une théorie globale qui résout tout, en tout cas, euh, ça nous augmente en tout cas les chances de trouver des grilles de lecture qu'on n'avait pas encore trouvées. Il faudrait aussi qu'on précise qu que l'idée qu'il n'y ait pas une unique grille de lecture pour comprendre Pleskope est très grossièrement euh, une idée véhiculée par euh, Tony, <laughs> disons-le comme ça, euh, par le, oui. la, la production de l'œuvre. Euh, qui euh, lui-même s'efforce de ne pas, en fait, euh, d'essayer de, de, de dire que euh, chacun a son, a son interprétation, euh, ce genre de choses. Euh, et notamment, euh, à ce niveau-là, je dirais que Nightmare Masterclass avait été très visionnaire. Oui, mais justement, on en avait parlé la dernière fois, et ouais, ouais. que dès les premiers épisodes, il avait compris un peu mieux que personne euh, qu'il fallait analyser Petscope davantage comme une œuvre d'art que comme un puzzle. Et oui. euh, qu'on n'a pas nécessairement envie, même si on est évidemment dans une série de théories, et on cherche à expliquer les phénomènes, on n'a pas envie de tomber dans le travers, de vouloir euh, percevoir entièrement Petscope comme un puzzle à des endroits où il essaierait de, 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 de provoquer des, des effets artistiques. Non, totalement, Anaska, c'est justement ça qu'on dit, c'est que euh, ces lignes de lecture doivent être quand même cohérentes au sein d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si je te dis... Euh, L'IRPETSCOP comme quelque chose de surnaturel, c'est une grille de lecture, et c'en euh, est une. Euh, voire même, il y en a plusieurs selon jusqu'à quel point tu mets le surnaturel. Le surnaturel en lui-même doit être euh, cohérent avec lui-même. C'est-à-dire que. Euh, enfin, je sais pas, euh, tu peux pas inventer des, euh, des effets euh, soudainement. Je, comment dire euh, Voilà. Et après, je voyais plus haut combien il y aurait de ces grilles de lecture. Euh, c'est difficile à dire, euh, mais euh, autant que de grosses théories, enfin de grosses hypothèses d'interprétation qu euh, qu qu qui sont suggérées par l'œuvre, euh, en particulier, bah, justement, euh, le fait que euh, rien de ce qui se passe soit, ou le moins possible, soit surnaturel, c'est une grille de lecture. Et c'est une, une grille de lecture qui existe malgré tout, mais elle fait que, justement, comme je le disais, elle ne peut pas marcher sur la totalité. Mais c'est justement ce que j'avance, c'est que ces grilles de lecture ne marchent, aucune d'entre elles ne marche sur la totalité de l'œuvre. Euh, elles servent à expliquer certaines parties et seulement leur partie à elles. Et euh, du coup, cette idée qu'il n'y a pas de surnaturel, elle sert beaucoup au début, en particulier, euh, parce que justement, Petscop joue avec le genre de. Euh, de euh, du jeu. Euh, de, de ce jeu que j'ai trouvé, <laughs> qu'il a nommé lui-même, je te rappelle que c'est le nom du genre maintenant, euh, Enzoul. Hum <laughs> <rire> <rire> euh, non, du genre de, euh, de la creepy pasta façon Ben euh, et donc et donc il y a toute cette question qui reste pendant un certain temps et qui parfois revient même hein, euh, dans les derniers épisodes de est-ce que ce que j'ai face à moi dans, euh, dans la série euh, est possible ou est-ce qu'il y a du surnaturel qui joue est-ce que le jeu euh, est conscient de choses etc euh, une autre grille de lecture, ça peut être eh ben, justement cette idée de l'aspiration. On peut avoir comme grille de lecture... Ouais. Je considérais même que c'est une grille de lecture, ça, même si j'en vois pas forcément les limites, euh, mais parce qu'elle n'est pas confirmée, quoi. L'idée que Paul est Enfin euh, ouais. euh, voilà. Je... Si, si, si vous voulez un exemple très précis où, euh, qui permet de... En gros, ça fait que toutes euh, vos interprétations sont valides. C'est ça l'idée, si, en gros. <laughs> si, si, si vous voulez un exemple très précis où, où euh, une seule grille de lecture ne fonctionne pas, ou un seul modèle théorique ne fonctionne pas, mm -hmm. euh, vous pouvez regarder par exemple euh, Marvin. Vous ne pourrez jamais expliquer tous les phénomènes en disant euh, Marvin est aspiré dans le jeu, Marvin est une IA, Marvin joue en multijoueur. Ouais. Euh, par contre... Euh, Marvin, enfin, euh, Eman euh, utilise plutôt euh, a des comportements. C'est le mot que je cherche là. Euh, Marvin a des comportements qui peuvent tantôt faire penser à l'un ou à l'autre. Exactement. Euh, c'est parce que, et eh bien, euh, tout euh, t -t toutes ces interprétations en fait révèlent quelque chose euh, de ce qui se passe dans l'œuvre, euh, mais aucune n'est complète entre guillemets. Attends que c'est pertinent. Euh, Lange quand même. Oui vas-y. Euh, tu voulais dire quelque chose par rapport à, à, à l'ange Tu peux y aller Non, je ah, disais <laughs> que, que, toutes vos interprétations sont valides tant qu'elles sont pertinentes et qu'elles ont des preuves jusqu'à ouais. un certain point et qu'elles ouais, ouais, euh, ouais, euh, ouais. ne sortent pas de nulle part ou n'ont pas des, euh, des contre-arguments de partout, quoi, euh, disons. Euh, mais là, là, là où je voulais aller pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que, au fond, ça nous ramène, euh, ça nous ramène à, à la question de ce qu'on cherche dans Petscope qui est que euh, je ne crois pas que euh, le mystère de Petscope entre guillemets ce soit de résoudre comment le jeu fonctionne. Enfin je je crois que c'est ouais. un mystère ouais. de base, mais je crois que c'est justement ce genre là qui fait que ce mystère n'est jamais résolu. Et c'est pas le but de Petscop de, de donner une réponse définitive. C'est là, euh, là que euh, le face-à-face -face surnaturel, pas surnaturel euh, se jouait pas mal. Et il a plus. C'est pour ça que je l'utiliserais plus tellement comme ça. C'est pour ça que je considère que euh, pas surnaturel est une grille de lecture. Mais euh, la grille de lecture surnaturelle n'existe pas. Il y en a tout un tas. Il y a plein d'interprétations possibles de euh, qu'est-ce qui est surnaturel, jusqu'à quel point ça l'est, etc. Mais euh... Euh, ça, nous ça nous ramène du coup à euh, cette opposition entre les deux. Et euh, je ne crois pas que le but ce soit d'expliquer comment chaque événement a lieu euh, à chaque seconde, mais plus ce que je dis, quoi. Est-ce que la série je voulais également mm. euh, répondre à deux questions. Ouais, mais euh... qu'est-ce qui est... mais mais il n'empêche pas par contre non pardon. Le but n'est ouais, ouais, ouais. pas de répondre à toutes ces questions, mais se poser ces questions est important pour arriver ouais, à ces ouais. différentes grilles de lecture. Il faut juste être conscient que je ne pense pas qu'on trouvera la réponse définitive. Je pense qu'on trouvera des réponses. Et ces réponses sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Voilà. Euh, ouais, je voulais répondre à ce passé sur deux questions. Mmh. Euh, la première, elle est de Ouraknos qui dit euh, du coup, Tiara slash serait juste un essai de renaissance euh, comme une bêta-testeuse. Je ne sais pas si, je sais pas si le... Le, le, le parallèle avec le terme est pertinent. Par contre, oui, visiblement. Euh... Reiner a essayé une a essayé euh, une renaissance sur Belle. Après, on ne sait pas vraiment à quel point, si c'était pour comprendre comment la mmh. renaissance fonctionnait. On sait pas Il avait déjà dû savoir. c'est pas... une question. Où il y a beaucoup d'inconnus. Sachant que par rapport à ça aussi, euh, euh, ouais, on a totalement oublié avec l'idée de l'aspiration. Euh, Reiner dit bien à Belle dans ce cadre qu'il l'a mis dans le jeu. Ouais, non, il l'a dit. Non, 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 enfin, non il l'a mis dans, dans la machine, l mais il lui a la la laissé. Il lui a laissé un slot dans le jeu. Ouais, ouais, ouais. ouais. En tant qu'enfant. Ouais. ouais. Et d'ailleurs, même ouais, pas vrai, en tant qu'enfant, on y viendra, parce que je crois que le slot en question, c'est pas un slot d'enfant. Enfin, pas vraiment. Je, je crois euh, que c'était comme... prévu que ce que soit. Ouais. C'est pas comme ça que je l'interprète. C'est pas comme je ça que tu l'interprètes. C'est une question d'interprétation. Ok. Pas de souci. Euh... Euh... Et la deuxième euh, question, alors mmh. je suis désolé, pas... je ne sais pas qui a... qui a posé la question. Euh, mais euh, c'était quelqu'un qui disait, euh, est-ce que les autres œuvres de Garalina, par exemple le Nifty, mmh. avaient un lien avec ah. l'histoire de Petscop Et la réponse est non. Euh, Tony a confirmé sur Twitter que euh, ses précédents travaux mmh. n'avaient pas de réponse à Petscop en oui. eux, même si comme tout auteur, il lui, de main, faire ouais. des... il lui est permis de faire des références. Donc, par exemple, quand il y a l'histoire de préfet euh, Nifty. Euh, c'est probablement un, une référence que Camille et Tony, puisque Nifty c'est aussi le nom d'un projet précédent mm. et on sait qu'il avait euh, les perso certains personnages comme Kerr, euh, Marvin en tête plutôt tôt et qu'ils étaient même dans de précédents projets ouais. Il y euh, comme a parlé Tenters, par exemple mm. euh, que je conseille de lire euh, c'est un, un travail qu'il avait fait pour un concours euh, qui, est qui a vraiment une ambiance un peu, un peu bizarre euh, et je mais je le conseille de lire comme une comme une lecture, pas pour un, comme pas comme un truc pour trouver des réponses à, à Petscop, euh, juste parce que c'est intéressant. Mmh. Euh, oui non et je voulais mettre un mec quand même à ça. Euh, il est pas impossible aussi à nouveau que comme tout auteur, même si ça ne contient pas de réponses à Petscop, ça, ça contienne ça des thèmes qui pourraient être proches. Enfin, C'est-à-dire que c'est une personne. Je, je, les, les, ouais, les, ouais. Les, les tweets qui lui importent euh, ne changent pas euh, d'un jeu à l'autre, disons. Enfin, euh, comment dire. Donc ça pourrait. Je ne sais pas parce que je n'ai pas vérifié moi-même, mais c'est pour ça que ça pourrait être intéressant de le faire quand même. Initialement, j'étais pas parti pour parce que, parce que justement, il a dit que ça n'avait pas de rapport avec Petscop. Mais euh, on peut quand même éventuellement. C'est pas impossible. Euh, J'en sais rien. Il y a euh, une évolution de, euh, des thématiques dont il parle ici, euh, euh, et peut-être des amorces de ces thématiques dans ses œuvres précédentes. Peut-être. Possible. On verra. Chapeau Magique demande un lien à Enzoul. Oui, je suis en train de le chercher. Il est en train de le chercher. Très bien. Bon. Ça c'était Petscop 16. C'est le bazar. C'était une longue parenthèse, mais c'était important quand même. De, de le euh... Ton idée de faire rentrer l'esprit de quelqu'un dans le jeu, ça pourrait expliquer le fait que Petscope soit la, mach... soit la machine pour faire la renaissance. Euh... J'ai mis le, je mets le lien de Tapers dans le chat. Ok. La renaissance se fait via Petscope. C'est pas impossible en jouer C'est pas fou. Trop drôle. Bon, d'accord, ok. <laughs> On lien parce qu'elle est. Enzoul, ça s'est pas censuré ton lien Ah ouais Ouais, non. je crois que ça s'est censuré ton lien. Envoie-le-moi euh, en MP, je vais le retransmettre. Oh mais, heure, mais désastre. Quel... quel désastre Quel désastre Enzoul se fait ban. Ça va être euh, ça va être chaud plus tard pour euh, euh, pour. Euh, Voici le... tes peurs, mesdames et messieurs. Le Master Plan, euh, hype. Hein ah non, mais tu posteras juste. Master Plan euh, Non, pour le signe. Euh, je le posterai, ouais, j'imagine. Ouais, oui, non, mais en fait, si toi, ça marche visiblement. Hmm. Ça va. Parce que je passe au-dessus de tout, moi. Donc, ouais. Euh... Écoutez, on a à peu près fini avec cet épisode. Euh... Le problème, c'est que je suis en train de réfléchir que je ne sais pas si on fait une pause tout de suite, mais on va être particulièrement sur... long sur l'épisode suivant. Peut-être après l'épisode que... suivant, justement. Hein. Ouais, c'est l'idée que j'avais en tête, mais je te rappelle qu'il y a la liste ouais. des démos dans cet Et épisode. Bah au... Et bah, au pire, on fera deux pauses, tu vois. On fera trop plus. Donc, je serais bien pour non. faire une petite pause maintenant parce qu'on va être long ouais. sur l'épisode suivant. Ouais. Et pour pas vous couper au milieu de Petscope 17. C'est pas le bon épisode que j'ai mis, ça. On m'a menti, c'est pas Petscope 17, ça. <laughs> Qu'est-ce que c'est que ça Attendez, hum. je cherche le vrai. Ça doit être lui. Ouais, 13 minutes. Après. Non, Petscop 17, on va passer du temps euh, Plus long que les 40 minutes Non, quand même pas, mais euh, bah, sachant qu'il ne dure pas 40 minutes, quoi. Mais disons que on va passer beaucoup de temps en pause. Voilà. Et comme ça, ça me permettra à côté de préparer 2-3 trucs que j'aurai à vous montrer. Euh, avec cet épisode là. Ah ouais. donc, Mais oui, voilà, non, oui, voilà es, que j'ai pas que j'ai pas sorti on a sur le être moment. Long sur un épisode de deux minutes. Bah, euh... Après Petscope 16, on a beaucoup de choses à dire parce que justement, on a une histoire avec Petscope 16. J'avais prévenu que ce serait, ouais, on a une histoire. On, 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 on a, assez... a dû théoriser <laughs> sur rien du tout pendant des mois et des mois, donc bon. Euh... J'ai prévenu sur Twitter que ce serait euh, l'apocalypse. Oui, et ça l'a été. Oui. Euh, mais en même temps, on a surtout pris beaucoup de temps pour faire la parenthèse sur un peu comment on aborde les et je pense que c'était important de, de clarifier ça. Vous inquiétez pas. On a comm... ouais. quand, quand on a commencé les MBT, euh, on n'avait pas tous les épisodes et on pensait que probablement tout arriverait à tenir dans l'interprétation de l'aspiration. Mm. Et petit à petit, on s'est rendu compte que euh, nos rêves n'étaient que des désillusions. Euh, ça arrive souvent dans la vie. <laughs> Euh, et c'est pas grave, c'est duré dans un sens, c'est plus drôle comme ça. <laughs> ouais. Euh, oui, et donc, disais vous inquiétez pas, l'épisode qui nous prendra le plus de temps sera PETSCOP 21. Euh, alors. Ouais, non. non. <laughs> Est-ce qu'il faut qu'on le... Oh, je je t'en parle après. D'accord. Bon. Euh, du coup, on fait une micro-pause et on revient juste après. Est-ce que si on se fail pas et je coupe euh, le micro? Bon bref, à tout de suite, on va être rapide. Heureux! J'ai repris un peu plus tôt que ce que je pensais que je faisais. Oh, <laughs> J'ai mis Enzoul euh, en mode. Voilà oh laquelle là, veut m'apprendre euh, Twitch, il veut m'apprendre plein de trucs sur le fait d'être modérateur. Ah ouais? C'est bien le moment. Aïe, aïe, aïe. Bon! On était en train de discuter euh, de choses dont on parlera plus tard. Avant ça. Ouais, c'est pour les grands. Concernant euh, cet épisode, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon assis ah, ah ouais, je vous montrerai ça après. Ok. Ok, ok. Alors, est-ce que, euh, est que vous êtes bien assis dans vos chaises Est-ce qu'il y a toujours une chaise Est-ce qu'il y a... <laughs> c'est un petit margoulin celui-là. <laughs> euh, parce que Petscop 16, on s'est bien marré. Ouais. Là, on va parce vraiment en fait... se marrer. Même si Petscop 17 est ce qui ressemble le plus à un euh, speech d'exposition. C'est vrai. Euh, il s'avère aussi que c'est l'un de mes épisodes préférés. Euh... C'est un bon épisode, ouais. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi Tony a utilisé le système de la PS1, par préférence ou pour une... Je pour crois, une... crois que c'est par préférence, plutôt qu'autre chose, à vrai euh, à dire. Par préférence et pour, euh, pour tout simplement faire un vieux jeu, hein, euh... Ouais. C'est que il n'allait pas le. Enfin, voilà, c'est dans la tradition de ce genre-là de, euh, de, 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 de faire une creepypasta, de faire euh, un jeu possédé sur un vieux jeu. Ce serait euh, moins classe sur. Euh, je sais pas, moi. Le dernier Spider-Man. J'en ai aucune idée. <laughs> le remake de FF7. Encore que bon, vu que c'est un remake, il a des fils de vieux jeux. Allez, peut-être. Est-ce que tous tes épisodes de ne sont pas tes épisodes préférés Ah de enfin, quelqu'un Paul Girl dans l'école. <laughs> Transforme hum. pendant le trajet. Euh... On ne sait pas. <laughs> on a oui. essayé de trouver des trucs la dernière fois. Euh... Mais on ne sait pas trop, pour être honnête. Boom. Girl! Bon. Girl, oui, girl. Et Zou, crie fille, comme ça, là, encore. petscop di... 17. Il m'énerve. petscop 10, attends, non. Azou, tu es éclaté. petscop 17. Ouais, Azou est éclaté, t'as encore rien vu. Alors, ouais, vas-y. Euh, petscop 17, "c'est correspond binou. à la saison un peu qu'on appelle de Pâques. Donc, je vais vous expliquer. Nous, c'est formidable. On... C'est formidable. Pack, voilà. Ça faisait six euh... mois qu'on n'avait pas eu d'épisode, rappel. Ouais, et... On se dit, il y a Petscom 17 qui sort, Plus, wouh même. trop bien. Et Ouh. après, on voit Petscom 18. Et après, dans la même journée, on voit Petscom 19, 20, 21. Et donc voilà, c'était vraiment la, la voilà. fête. Mais, il y a eu 4, 5, euh, 5 épisodes ce jour-là. Il faut jour savoir que peu avant, 18, 19, et par peu avant, 21, je veux dire 5. 3 mois avant, mm -hmm. en janvier, ça avait été tivé euh, C'est janvier. Vrai. Description... Mais on s'en est rendu compte après coup, non Non, 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 euh, on savait. non, on savait. Oui, on savait, on, savait, ouais, on savait. La description avait changé pour. Euh, quelques, quelques enregistrements de PETSCOP. D'une certaine manière, les enregistrements possèdent le pouvoir de ramener les morts à la vie. Euh, C'est un peu effrayant. Euh, nous cherchons actuellement du contenu caché. Puis, euh, vers la venue du coup de, de Pâques, le 2 avril, la description a légèrement changé en quelques enregistrements de PETSCOP. Et d'une certaine manière, les enregistrements possèdent le pouvoir de ramener les morts à la vie. C'est un peu effrayant. Nous avons fini notre longue recherche d'Easter Egg. Enfin, euh, d'œufs de Pâques. Mm -hmm. Mais euh, Easter Egg ayant ici, du coup, un double sens. À la fois les œufs de Pâques et euh, le terme Easter Egg qui veut dire clin d'œil. Ouais. Enzo, l'es-tu toujours là Oui. Ouais. Non, tu t'es juste arrêté là. Ok, non. oui. Ok. Non, non, je... Ok. C'est tout Oui. Ok. Pourquoi c'est intéressant parce que euh, Pâques, à nouveau, ça a du sens euh, par rapport au thème de la Renaissance. Parce que c'est ça, je dis pas de bêtises, Enzoul. Hein. Non, non. La... <laughs> Enzoul convient de... moi. J'ai besoin de toi. C'est la Renaissance du Christ. <laughs> oui, la, 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 le Christ. La, la, la résurrection. Ouais, la ré... Oui, c'est la, oui. la Renaissance, quoi. C'est ouais. la résurrection. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça aussi, probablement, que ça joue dans la thématique. Oui, il est bon lui. De quoi, euh, Dark, Dark Mais bien sûr, penser, mais on va y effectivement. venir. Effectivement. Effectivement, ah oui, l'avatar. La la ah oui, non, l'avatar avait changé, mais il avait la, changé de jour même, photo, non La photo de profil, enfin, ah avant de la chaîne, non, elle avait de la changé avant. Ouais. Avait à ce moment-là changé pour euh, un œuf de pack. Euh, Et c'est pour ça qu'on oeuf... euh, s'y intéressait particulièrement à cette dernière phrase sur les autres packs. Pâques, ouais. Enfin, ouais un modèle, y. un modèle d'œuf de pack in game. Et oui, ça, euh, ça va avoir de l'intérêt, euh, Zim, euh, beaucoup de 7. <laughs> 77 777. Est-ce que t'es Enzoul Wow. Non, Enzoul et les 7, c'est toute une histoire. Bref. On va y aller Ouais. C'est parti. Bienvenue dans Petscop 16. <laughs> c'est faux Dark ce que tu dis. Je précise juste ah, Attends, je mets les sous-titres. Pause, oh, pause Déjà pause <laughs> oh non, on a 30 000 ah choses à dire là-dessus Ok, premier truc à remarquer avant qu'on parte dans de longues tirades sur ce qu'il y a marqué à l'écran Pourquoi j'ai pas de sous-titres sur ce texte Je les ai en italien, tant pis, on va partir en italien La stanza fantasma e una nave in bottiglia <laughs> <laughs> euh, euh, Je ne sais pas en penser. on va le faire Premier, euh, euh, premier truc que j'ai à vous dire euh, 394 pièces C'est cohérent Ok. Parce que 394 pièces, c'est le nombre de pièces que Paul a à la fin de Petscop 15. Donc ça nous confirme qu'on est bien après Petscop 15. Ok. Et 394, c'est le nombre auquel il arrivait à chaque fois quand il allait en démo. Et je vous rappelle qu'à chaque fois, il redescendait parce que ça sauvegarde pas son, sa progression en démo. Jusqu'au moment où supposément, il a inversé le monde normal et le monde de la démo. Et de là, il a gardé les pièces. Et on arrive à 394. C'est magnifique. Donc niveau timeline, on est bon. Peut-être. On espère. Voilà. The Ghost Room is a ship in a bottle. Alors, comment est-ce qu'on traduit ça euh, La Ghost Room, du coup, la salle fantomatique, euh, je ne sais pas. Euh, ouais, ouais, la salle, est, euh, est, un est un bateau en bouteille. Alors, un les bateaux bateau en, en bouteille, bouteille, vous voyez ce que c'est euh, C'est les bateaux en bouteille. C'est littéralement... Euh littéralement euh, ce que ça dit quoi euh, tenez attends je sais pas je sais pas pourquoi j'ai pas cherché direct ici voilà des bateaux en bouteille c'est cool pourquoi est-ce qu'on nous dit ça pourquoi est-ce qu'on nous dit Bonne ça quai. Bon alors, euh, notamment avec ce qu'on a dit à la pause, c'est oui. bien. Je vous tisse des trucs que vous n'avez pas pu entendre. Euh, moi, je pense euh, que c'est dans le sens, euh, c'est un objet réel qui est représenté euh, dans le jeu euh, sous une réplique. C'est intéressant. Il y a de une la idée même façon qu'un qu bateau dans façon. une bouteille est un bateau dans la vraie vie, mais mm -hmm. représenté euh, dans un objet plus petit. Il y a une idée de réplique Donc, de toute façon, euh, sachant ouais. que. Enfin, euh, déjà, rappel, la Ghost c'est la salle qu'on a vue dans l'épisode précédent, hein, dans Pescope 16. Si vous ne suiviez pas, euh, dans l'idée de euh, l'aspiration de l'esprit du joueur, euh, la théorie de l'aspiration, euh, ça allait dans ce sens-là aussi, cette idée d'un de, 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 de bateau en bouteille. Euh, C'est-à-dire que du coup, on reproduisait ou on mettait quelque chose de grand, de très large, un bateau donc ici euh, l'esprit humain, l'esprit de Paul, dans quelque chose de plus petit, une bouteille, un conteneur. Euh, et donc on pouvait aussi voir cette métaphore comme ça. Le truc c'est que c'est une métaphore, donc l'interprétation est mmh. assez ouverte. Euh, tant qu'on ne nous l'explicite pas. L'idée de cage prison, peut-être aussi. Oui, navire, par pardon. Ship veut plus dire navire que bateau, mais bon, vous comprenez l'idée. Je comprends rien de cette fois, sauf que c'est un mystère. C'est un, un puzzle. Car on n'a pas de sens. Qu'il y a plusieurs pièces dans ce genre-là, comme une collection de bateaux en bouteille. C'est pertinent. C'est pertinent. pertinent, tout à fait. Sachant que euh... c'est vrai. Voilà. <laughs> c'est pertinent parce que c'est vrai, il y, a, il y en a plusieurs, on y viendra. Euh... Et puis peut-être sur le reste de l'image, euh, on n'est pas en démo. On n'est pas en démo. On n'est mm. pas en démo. On est dans la vraie vie. <laughs> on est dans la vraie vie. Voilà, on, euh, vie. on va continuer. Intrigant. Option. Oh non. Sound test. Un sound test, c'est là où il y a les différents sons du jeu. Ouais. Voilà. On. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais attendre. Il y a beaucoup de sons dans le jeu. Mais euh, vous pouvez déjà observer qu'il y a certains sons qui sont en point d'interrogation. Genre, euh, Paul n'y a pas accès. Et on, su on présuppose que, euh, parce que ça semble être le plus logique, que ce sont les sons que Paul n'a pas encore rencontrés dans son, dans, dans son Playflow. Cardi dit bye bye. Cardi... oh. dit oh oh. Bye bye. vos oreilles à nouveau. Même si de façon moins violente. C'est pas pleur, euh, cry, c'est euh, cri. Non, si. Si c'est. Enfin, pas dans ce sens-là. Non. Oui. Oui, pardon, oui. C'est pour ça que c'est pas clair. C'est que c'est à moitié un faux ami, selon le contexte. C'est plus les cris des animaux, euh, genre euh, les cris des Pokémon. Bye 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 Pourquoi Marvin apprend le second mouvement du septuor à Care, Parce qu'il le sait pas Non, je sais pas, je sais pas de quoi tu parles. Bon alors là les gens qui voient Petscop pour la première fois se demandent mais qu'est-ce qu'il fait Imaginez-nous le 1er avril. Euh, non, c'était pas le 1er avril Pâques. <laughs> le Le <avril> <laughs> Pipeline quoi. <laughs> Ah, t'inquiète pas, Nelson, on a déjà oh planté. Je... <laughs> Le orange Pause Il okay, pause, pause. Euh, y avait. Trois... Y avait... Trois... Non, pas 365. 365. 268, bye bye. 268 hein, Je crois, je peux chercher ça. Cherche ça. Il idée... y a une histoire de 365. Ah ouais J'en suis sûr et certain. J'ai cherché juste nombre de bye-bye sur Internet en anglais, je pensais trouver. Ouais, non, 366 bye-bye et 4... Euros. 366. On est donc euh, une année bisextile. Intéressant. Quoi et Pourquoi tu réagis euros, pas On va dire 4... Non, mais ouais, je... Bien sûr que les gens ont compté. Et je, je crois assez... même que j'ai vérifié. Honnêtement, <laughs> non, je crois non, même que j'ai vérifié. Mais... Non. <laughs> F in the chat. Je peux pas me fier aux gens, il a fallu que je vérifie quand même. Oh ben je bon, sais. je sais plus si j'avais trouvé exactement ça, mais il y en a tellement qu'avec euh, la marge d'erreur, on va dire que c'est ça. Et d'autres gens ont dû vérifier, très probablement. Donc bon, on le saurait si c'était pas ça. Bon, bon, en pourquoi tout cas, F euh, il a Ah, parce que j'ai souffert. Il y a, a 666, un... t'inquiète, j'ai mes sources. En tout cas, ça ressemblait un peu à un code, quoi. C'est un code, euh, manifestement, que parce que ça a activé quelque chose à la fin. Et ça permet d'activer ça. Cet écran. Ça a activé quelque chose, attendez, euh, bougez pas, je le remets. Oups. Ah oui, carrément. Il y a eu un bruit de, ah. de, de validation après vrai. le oh, oh. ». Ouais. Donc après, voilà. Il euh, y a un code. Comment est-ce que cette personne connaît ce code J'en sais rien. Euh, qui est cette personne? Je sais, on va y venir. Euh... Écran orange. Et donc, ça lui fait accéder à un, euh, ce qui semblait être un menu secret. Ouais, euh, quelqu'un dit la main représente quoi La main oh. qui tient une boule représente la main de Pen, un animal qui euh, est sourd et qui joue de la musique, si je ne me trompe pas. Oui. Non, pas qui joue de la, non, la, il joue de de la musique, mais qui est associé à un, à un puzzle de musique. Euh, euh, qui est sourde. Oui, alors si, elle, elle est sourde. Est sourde. Si, si. Mmh. Alors qu'elle est sourde, sourde et elle est associée au piano. Donc, euh, donc à nouveau, c'est particulièrement cynique de la mettre dans un soundtest, test, mais pourquoi pas? <laughs> Elle n'a pas autant de C'est vrai qu'il y a une histoire sur mmh. le nombre de doigts de Pen. Tu as totalement ouais, raison. Ouais. Euh... En tout cas, la boule blanche est la même. La boule blanche Je m'y remets. De... Non, parce que vous le voyez peut-être pas, vous l'aviez peut-être pas remarqué, mais Pen a 6 doigts à chaque main. 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> qui est particulièrement ouais. perturbant une fois qu'on s'en rend compte et on ne sait pas si ça a un sens mais c'est vrai qu'ici elle n'a pas les six doigts. Donc peut-être que c'est une erreur, j'en sais rien. C'est pas clair à nouveau. On retombe sur C'est C'est un pensées. animal euh, d'evencare. Euh, tu voulais parler des musiques toi Je voulais pas non. Tu... Je non, vais attendre la pet Track D'accord, d'accord. Okay. Euh, je vais attendre la Petscope Soundtrack. Sachez que, je vais le dire maintenant cependant, vous avez vu qu'And Paul est passé devant chacun des noms, des trucs. Je vous tease, on peut déterminer ce que sont chacun de ces effets sonores avec la Soundtrack. Et je l'ai fait. On va y venir après, d'accord Plus tard. Bon. Euh, on arrive à un menu spécial du coup avec trois options euh, tous les enregistrements all recordings euh, room impulse que je ne saurais pas traduire euh, impulsion de salle impulsion impulsion de salle <laughs> <Tous rire> éjection de salle tous les enregistrements euh... et, et euh... Euh, extra en gros est ce qui va dans un peu, euh, je, je spoil déjà, hein, mais mmh. tous les enregistrements, ça va dans le thème des euh, enregistrements qui peuvent ramener à la vie euh, tous ces genres de bêtises. C'est vrai, c'est vrai que pour rappel, marrant. dans la description, il y a eu euh, les, les enregistrements peuvent ramener à la vie d'une certaine façon. Bon. <laughs> Pulsation, euh... de Pulsation de salle. Pulsation de salle. T'as les sous-titres Non, il a pas les sous-titres sur sous Si, sous si, j'ai les sous-titres d'activer normalement, mais c'est vrai que je ne les vois pas beaucoup. Mais en merci Rouge13 pour tes 100 bits à nouveau. Tiens, pour avoir ouais. déterminé tous les sons. Merci beaucoup. <laughs> eh, t'as vu que. Attends, t'as vu que c'est différentes formes à côté des options du menu oui, Genre là, c'est un rond. C'est les mêmes que dans le sound test. Nguyen, c'est les mêmes les que, dans... que dans le sound test. Ok, d'accord. <laughs> <laughs> oh, non, mais là, il y a déjà vu dire. Plus oh là. non mais... <laughs> Bon, on est dans Room Impulse. Il a choisi Room Impulse. très bien. Euh, comment dire Pour décrire rapidement ces trois options, euh, extra, c'est la plus facile à, expli à expliquer. On va y venir euh, dans cet épisode Non Non, pas dans cet épisode, dans le suivant. Je sais plus. Je sais plus du tout. Bref, c'est la plus simple, c'est des extras. Ok, on va y venir. Euh, la première, euh, tous les enregistrements, elle est facile à expliquer aussi parce que euh, parce que parce que spoiler, ça va être toutes les démos. D'accord Room Impulse, c'est une galère pas possible, d'accord Parce que c'est quelque chose d'assez similaire à tous les enregistrements, mais c'est pas exactement ça, et je saurais pas exactement vous dire jusqu'à quel point, pourquoi c'est pas exactement ça, qu'est-ce que ça signifie, comment ça marche. Bien. Première chose que Paul doit faire dans, cette, dans ce menu, il doit choisir une salle. On a ici du coup les noms des fichiers. Des salles, le, le, la façon dont elles sont appelées normalement dans les fichiers du jeu, supposément. La première, c'est Anna Offic Office, j'imagine. C'est le bureau d'Anna. C'est là où il euh, y a eu. C'est à l'entrée du sous-sol du New Maker du Plane, là où le téléphone a sonné et qu'il y a eu le premier euh, qui a quitté euh, la chambre. C'est là, euh, donc c'est. Euh, comment Cave C'est ça que ça veut dire ouais. si On arrête. Euh, je crois que c'est la salle juste à droite. C'est celle où sont les escaliers par où Paul est entré. Et c'est intéressant qu'il parle de cave parce que... Non, je sais plus. J'ai peur de dire une non, bêtise. C'est pas intéressant. Test, euh, <laughs> test de tri. Euh, on y viendra plus tard. Ouais, gift plane, ouais. c'est le gift plane. Vous le reconnaissez, il y a l'arche bleue ici. Grave, j'imagine que c'est la tombe de Mike. Tombe de Mike. Holloway, ouais. c'est... Holloway 1 je ne sais pas lequel c'est. Est-ce que c'est celui où il euh, où y a les trois tableaux Slash 4, 3. Euh, le fait qu'il y ait 366 bye-bye sert euh, peut-être. J'en ai aucune idée. Euh, après, est-ce qu'il descend pour qu'on envoie d'autres Oui. hallway 2. C'est pas celui derrière la tombe de Mike, ça Ou bien. C'est pas clair c'est les, euh... les couloirs du New Maker Plane en tout cas euh, house maison bah c'est la maison vous l'avez reconnu et vous remarquerez immédiatement d'ailleurs si vous êtes malin que c'est la même image ici que celle qu'il y avait en tout petit dans la Ghost Room dans l'épisode précédent avec la cuisine sur le côté tout en noir euh, tac et Paul enfin son pas avatar si est ici pareil pour eux mais perso je ne vois pas l'image avec euh, tu ne vois pas l'image euh, la maison dire. et hallway euh... t'es décalé avec moi D'accord. Ouais, eux, eux, ils le crois. voient parce qu'ils voient exactement mon écran, mais on doit être décalé. Formidable. Euh, si je fais ça. Euh, si, c'est ça. Anna Office. Et là, tu les vois Ouais, 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 ouais. ouais. T'es à ouais. combien niveau temps 2,18 2,18. Ok, bon. Euh, house Bath, c'est euh, Bathroom, c'est euh, la, ouais. la salle de bain. House Gara, c'est. Ah, Gara, Gara Lina. Gara. Euh, c'est le fait. garage. Euh, level 1 Room, c'est Evencare. Et c'est là qu'on va avoir le premier nom dans les fichiers d'Evencare. Evencare, Evencare s'appelle Level 1. Euh, donc c'est l'entrée Care. Ensuite là, on a... Alors, les noms sont trop longs à nouveau, donc euh, il faudrait qu'ils se mettent dessus pour qu'on les voit défiler. Ah oui, mais sauf qu'il ne va pas descendre plus que ça. Quel petit coquin. Euh... Attends, je vais remettre. Oui, euh, donc j'imagine que c'est Room 1, Room 2, etc. Ça, c'est le couloir juste à droite de la salle d'entrée. Etc. Bien. Il va cliquer sur House du coup. Junèvre, mais non, merde. Ah, ça arrive <laughs> si tôt. Oh non. Oh là là. <laughs> C'est vraiment l'épisode de la dépression. Hein. <laughs> Bravo, Paul, tu m'as mis en dépression. <laughs> Bon, euh... alors là on peut voir, euh, il peut interagir avec, j'allais dire deux paramètres. Oui, il un paramètre. Avec un paramètre mm. pour l'instant. Voilà, il s'appelle Gêne. Gêne. Et on va dire et... que ça dit gentil. <laughs> bout, ça veut dire gentil. Ouais, ça veut dire euh, Génial. Veut dire, euh... Génial. <laughs> euh, génie. Génie, euh, génie. oui. Mais un... Tu Le sais, en vrai, Génie, ce serait le malin, paramètre génie oui. peut aller de 1 à 15 le paramètre génie il, il va malin, de 1 à 15 oui. Ouais. Euh, ouais. alors euh, alerte euh, important ouais on ouais. va pas on va pas s'étendre dessus maintenant mais important il se met en gène 10 et il lance ce sur quoi ce qui se passe attends on a raté est-ce qu'il y avait ah, un écran de pause intéressant on propose ça veut dire génocide ah oui le <laughs> génocide 15, 10 dans l'histoire de l'humanité non c'est le même message de pause ok et donc, non, une fois qu'il un la lance, vous voyez que le jeu se remet, va se remettre en plein écran, et boum D'ailleurs j'aime bien le fait que... Euh, comment euh, Ce petit flash plage blanc, je ne sais pas ouais. si tu l'as vu, c'est ouais, le ouais, même que celui qu'il y a quand euh, Paul se... Enfin Kerr se prend la porte. Ah ouais C'est exactement le même. Ah c'est marrant. Euh, écran d'entrée, de, euh, de, de, de chargement de la maison, si je dis pas de bêtises. Et bienvenue. Ah, ben bah, vous voyez, on a dit qu'on en reparlerait. C'est vrai que le Dorito Dayal fait le même bruit. Tu as raison. Oui, bah oui. Que je Mais dit. il tournait pas tout à l'heure. Oui, non, il tournait pas. C'est bizarre. Euh... Peut-être qu'il essayait de le tourner et que ça faisait le bruit par contre. Et d'ailleurs, coup... je disais une bêtise la dernière fois c'est celle-ci, Explore Mine. Bon, euh... non, on va les laisser dans leur connerie avant. Ouais, on va, Attends, on va, on va vous laisser vous dépatouiller avec ce qui se passe à l'écran, démerdez-vous. <laughs> on va les laisser un petit peu réfléchir. tant de pyramide. C'est une très bonne musique, cependant, en effet. Ouais, ouais. Donc à part ça, on est dans la version de la maison de euh, l'anniversaire de Caire. Mais ça, vous l'aviez déjà remarqué il y a des hommes pyramides partout. Pourquoi pour <laughs> lui il y a le bruit des pas alors que les autres il n'y avait pas À moins que j'entende mal. Tu t'entends mal. J'entends mal, je pense. Enfin, t'es muet, t'es soif. Ah lui il bouge pas, t'es muet. Comme peine. <laughs> Comme peine. <laughs> bon, c'est bon, on arrête la, la mascarade ou. <laughs> non, non, moi j'aime bien les laisser <laughs> porter. Non. non, on arrête okay, la mascarade. Ok. 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 okay. <laughs> Mais le truc, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment leur expliquer sans avancer plus On peut hein. leur expliquer, ouais. Non, mais on peut dire dans de gros détails, peut-être. Peut en plus gros, là ça. où je disais que ça ressemblait un petit peu au... à toutes les démos, qu'on qu n'a qu pas encore vu cette option-là, de voir toutes les démos, mais ça ressemble un petit peu. Parce que pour toutes les démos aussi, il va y avoir un choix d'options de gêne, d'accord, déjà. Sans qu'on sache ce que c'est que les gènes, encore une fois, mais on va y venir. Euh... Mais euh, là, ce qui se passe. C'est que supposément, la façon dont on l'interprète, c'est que ce que vous voyez à l'écran, c'est plein d'enregistrements de mouvements différents de différents, euh, pas forcément de différents joueurs, peut-être d'un même joueur à différents moments, d'un joueur qui manifestement à la troisième personne du moins est représenté par une pyramide, ce qui fait penser à Paul, mais je suis pas sûr, mais je vais y venir. Euh, c'est pas clair, il y a deux interprétations, on va y venir. Euh, et donc, pour le moment, on va dire que c'est Paul. Ok. On a tous ces enregistrements du joueur de Paul. Et donc, la personne qui est actuellement en train de sélectionner dans le Room Impulse va sélectionner l'un de ces enregistrements parmi tous ceux qui vont être visibles. Vous voyez, il peut mettre son curseur. En tournant ce truc en bas, c'est trop qu'on surnomme le Dorito Dayal, parce que ça nous... Pourquoi, pourquoi, ça, pourquoi on appelle ça le Dorito Dayal Parce euh... qu'ils ont, qu ont des têtes de pyramide. Ah oui, oui parce qu'un pa qu deuxième surnom de pyramide Head, de, euh, de, de l'avatar avec la pyramide rouge, c'est euh, Dorito, ou Dorito Man. Et du coup, c'est un Dayal, ça. Euh, ouais, on sais un, comment, je sais, sais cadran, pas comment, on euh, le ouais, un cadran et en français. Et du coup, du coup, il le surnomme le Dorito Dayal. Un curseur. Un, un curseur, peut-être. Oui. Euh, pourquoi pyramide égale Paul Parce que c'était la façon dont Belle voyait Paul dans Petscope 12 à travers euh, le miroir, entre guillemets, de la Quitter Zone. Et on savait que c'était Paul parce qu'il faisait exactement les mêmes mouvements et au même endroit. C'est pour ça qu'on dit que Petscope 12 se passe en même temps que euh, Petscop 10. Bon, il y, y a des gens qui ont deviné ce que, ce que ça voulait dire, Jeanne, évidemment. Euh, J'avais pas remarqué jusque-là, c'est marrant le, le, le chapeau de fête. Bah, parce qu'on est. Qu que... est euh, parce que ouais, doit, ouais, euh, non, moi, oui. de mon point de oui. vue, à chaque fois que après la personne qui sélectionne ici en ouais, ouais, choisit sûr, un, non, mais je vais, je vais elle dire, se met un à être cet enregistrement en première personne. Et donc, à partir de là, elle le voit euh, comme si elle le jouait, quoi. Et est-ce qu'elle le joue C'est une question. Tiens, il est derrière la télé. Non, je crois, je crois pas qu'il le joue vu ce qui se passe après. Ouais, mais d'un autre, co... ouais. Je, je... autre côté, ouais. D'un autre côté, est-ce que c'est écr... vraiment un enregistrement ce qui se passe après Il est dans un écran qui s'appelait euh, enregistrement. Ah. Je crois non. Où il, il y est en a un qui sort place. là et qui rentre. Il y en a qui sortent, hein. Euh, on le voit un petit peu. Lequel vas-tu sélectionner Allez, celui-ci. Allez. Le... Tu lances, Attends, je suis en train de voir un truc. Le garage est ouvert. Ah oui c'est normal dans cette, euh, dans cette version. Oui. Ok, on sort. Il en a sélectionné un. Écran... Hein. Écran avec la chaîne. Euh, on va y venir sur pourquoi la maison est en version anniversaire. Et en sortant d'ailleurs, en sortant il faut qu'il sélectionne. C'est un peu comme s'il avait changé de salle. C'est intéressant d'ailleurs pourquoi. <laughs> ouais. Ah oui pff... ah oui ah <laughs> oui. On va attendre un peu, mais là il y aurait déjà un truc à dire. <laughs> ah ben si ça y est j'ai des sous-titres. Ça tombe bien parce que c'est vraiment le plus important là. <rire> <rire> Vous avez vu que cette personne a fait un pas en arrière. Hein. Salut. Réveille-toi plutôt. Tu es libre. Tu es libre. On ouais. a déjà entendu ça. Voilà. Euh, je te remercie. Je veux que tu reviennes sur tes pas. Je vais le mettre en tutoiement parce que je pense que cette personne sonne tutoie, même si c'est pas clair. La route s'arrête ici, ça me tue. Tu as vu ça ouais. ouais, 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 ça s'arrête net. La, la, la route s'arrête ouais. net. <laughs> la, famille, la famille, comme d'habitude, veut savoir ce qui t'est arrivé entre le 10 et le 12 novembre 1997. Ça devrait déjà vous donner un indice sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'on en a parlé la dernière fois. Le 10 19 novembre 1997, tu t'es enfui de l'école euh, de ton père et le 12, tu es arrivé chez toi. La question est où étais-tu le 11 et qu'est-ce que tu faisais là-bas J'espère te guider vers cet endroit avec un sort que je vais commencer maintenant. Son maudit, tiens. Ça, ça s'appelle Son Maudit, ce truc. Tu es une fille nommée Carrie Mark Tu es née le 12 novembre 1992. Pause. Non, j'ai fait l'erreur. Non. Euh, mais tu sais pourquoi ça s'appelle Son Maudit Oui. Parce que c'est un sort. Que plus... Non, ah c'est un il que va plus revenir dans la ce phrase, son. Il dit Est-ce que ça existe une malédiction Oui, ou... bien etc. sûr. Oui, mmh. oui. Ouais. Attends, je, je croyais qu'on en était plus proche. J'avance un peu. Ok. Donc, comme vous l'auriez déjà, com déjà compris, on parle de Kerr. On a ici pour la première fois son nom complet. Kerr, c'est son surnom. En vérité, elle s'appelle Carrie. Et son nom de famille, c'est Mark. On le savait déjà, le nom de famille de Marvin ou pas non. 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 Non, on le saura un peu après. Mais on suppose qu'il s'appelle Marvin Mark. donc. Ok. Euh, elle est née le 12 novembre 1997. Et donc, euh, ça correspond, parce que, souvenez-vous, elle a quitté l'école le 10 novembre, ça correspond à ce qu'il y avait sur le calendrier dans Petscop 11, et ça correspond à ce qu'on nous dit là. Le 11, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, et justement, c'est à ça que va servir cette séquence. Et le 12, euh, du coup, c'était son anniversaire, et c'est le jour où elle est rentrée, et donc c'est pour ça qu'on est dans la maison en version anniversaire. Parce que, supposément, la séquence qu'on est en train de regarder là se passe autour de ça. La famille, donc supposément les mêmes personnes qui montent les vidéos de Paul, si ce groupe n'a pas tellement changé depuis, et je ne pense pas, euh, veut savoir ce que Kerr faisait le 11. Je reste comme ça parce que je sens que je vais refaire pause. Une mère nommée Anna, ça y est, on a enfin son nom, on l'appelait déjà Anna on dans les. Déjà spoil, mais euh, ouais, ouais, on l'avait déjà spoil, mais le voilà. Mère de, de Kerr, donc la personne qui parle en bleu, s'appelle Anna. Un père nommé Marvin, une tante nommée Jill, un oncle nommé Thomas et un cousin qui s'appelle Daniel. Gardez ça en tête. Je sais à quoi tu penses. Est-ce que, ce... Est -ce que ces déclarations ont toujours été vraies ou est-ce que je t'ai maudit c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'il a dit que du coup, il utilisait une sorte de sort. Et là, il parle de malédiction. Et on a eu un son maudit, en effet. Tu as raison. Les, les, les gènes... Je, je sais que vous arrêtez pas de parler des gènes dans le chat. Euh, on va y venir après, d'accord <laughs> 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 euh... Et donc, et c'est donc, pour ça que j'ai un doute sur est-ce que c'est vraiment un enregistrement qu'on regarde Ou est-ce qu'on ne peut pas l'interpréter comme... Euh... Rainer du coup, parce que je suppose que c'est Rainer mmh. qui parle, euh, qui est en train de sonder l'esprit de Paul pour chercher des mémoires non, bon, de Kerens. Je, je pense qu'en fait Paul a sélectionné l'enregistrement et que maintenant il est en Petit train coup forcé coup rapide de, de, de jouer quoi, de le voir ouais. se dérouler. Hmm. Ouais, je pense. Je, je, je pense, quand même, mais euh... et c'est là, même... là que c'est intéressant. Attendez, c'est là que c'est le plus intéressant, pardon. C'est qu'il y a un autre enjeu là, à la question que je viens de poser c'est que si on est en train de regarder un enregistrement de Caire, ça signifie que supposément, d'autant plus avec la façon dont les gènes vont fonctionner probablement, on va y venir après, euh, ça veut dire que tous les avatars qu'on voyait ou presque avant, les avatars avec une pyramide et dont celui-ci qui avait une pyramide aussi à la place de la tête, sont Caire. Or, on sait que la pyramide re représente déjà Paul. Et si Paul et Kerr sont représentés par le même objet euh, au niveau de leur avatar en troisième personne, déjà c'est la seule fois où on voit ça, à part le double Paul, mais euh... <laughs> on arrête de <laughs> parler du double Paul. <laughs> euh, et, euh, et donc ça signifierait que... Enfin, c'est un énorme argument pour dire que Kerr est Paul. Et Paul. Ouais. Et on veut repartir sur cette grille de lecture-là. Mais même là, le fait qu'ils disent euh, est-ce que, est... est -ce que ces faits ont toujours été avérés enfin, mm. Est-ce que euh, ça va totalement, ça part déjà euh, totalement du principe que la personne ne serait pas quelqu'un euh, qui ferait euh, du genre à prendre immédiatement ses, oui. ses déclarations pour vraies Et euh, sachant que c'est tout le temps Paul qu'on voit jouer au jeu, et... on peut faire le lien, c'est Paul qui l'entend et. Euh, c'est Paul qui euh, voit dérouler devant lui que. Euh, mais Kerr euh, a vu ça aussi, non Qu'il euh, est Kerr. Euh, oui. Et, et mais, que c'est pas forcément intuitif. Mais, pour mais ça me semble intéressant parce que supposément c'est euh, un replay de quelque chose qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que peut-être que rainer peu après le retour de Kerr, a fait jouer à la demande de, famille, de la famille Kerr, euh, de façon à euh, sonder sa mémoire, entre guillemets. Euh, de façon un peu étrange. Mais c'est intéressant justement que seulement à Kerr, sans prendre en compte Paul, Rainer dit est-ce que ça a été, toujours été vrai ce que je suis en train de te dire Parce que ça sous-entend déjà que Kerr est une personne qui questionne son identité dès ce moment-là. Et ça sous-entend pe que peut-être euh, soit par renaissance, soit déjà par, euh, par transition, voire même si les deux vont ensemble, les deux ensemble. Euh, que Caire est déjà en train de, euh, de changer, entre guillemets. Une telle chose existe-t-elle Une malédiction qui change votre passé Et d'ailleurs, ça bon pose bien. une autre question, et qui pour moi pourrait mener à une autre grille de lecture encore, euh, qui est que, je pense, et qui est peut-être même encore plus intéressante si on l'explore, mais je ne sais pas si... Je pense pas que la série d'Explore assez pour qu'elle soit aussi intéressante, mais elle l'aurait été en concept, en tout cas, euh, qui est celle que... La théorie que Kerr et Paul, je la considère quasi comme validée, personnellement. Mm -hmm. Mais il se pourrait euh... que ce soit pas le cas. Il se que pourrait que ce soit pas... Enfin, ouais. oui, c'est ça. Oui, pardon. Oui, tu entends ouais. comme ça. Et ce serait un peu... Que... La grille serait du coup davantage... Est-ce que c'est euh... vrai Rainer essaye de montrer à Paul qu'il est Kerr, mais en fait, il ne l'est pas. C'est-à-dire que quand on dit, quand on dit euh, Kerr et Paul... Euh, C'est-à-dire, euh, ouais, que, que, que Paul est un homme trans, etc. Euh, on, en fait, tout ce qu'on prouve, c'est que le jeu dit que Kerry est Paul. On prouve pas que c'est vraiment vrai. Et là, le jeu pose peut-être cette question. Le jeu pose peut-être par extension la question de... Est-ce que le passé que je suis en train de te vendre est vraiment le vrai passé que tu as eu Et c'est assez flippant parce que ça sous-entend aussi que le jeu pourrait... Peut-être, parce qu'il le dit en mode innocent, en mode oh est-ce qu'une telle chose existe hein, Je me le demande. Mm -hmm. <laughs> ça sous-entend que oui, un petit peu, peut-être. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, oui, ça, ça, la, la, la question que le, mm -hmm. le, 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 le jeu pose, c'est est-ce que c'est vrai mm. Arrête de penser. Et pire que ça, il lui dit d'arrêter d'y réfléchir juste après. Ouais. N'y pense plus. Pas important. <laughs> Je trouve intéressant qu'il parle en jaune également. Parce que ouais. ça sous-entend que euh, en effet, le lien qu'on a fait aux couleurs, c'est pas forcément que la personne qui parle, enfin, la personne parle en sa couleur. C'est peut-être aussi que quand un texte est lié à la personne, il est de sa couleur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Euh, oui. ouais. Après, c'est un peu aussi ici comme s'il si utilisait mais comme si la voix de Kerr pour ouais. lui rappeler les Kerr, quoi. Ouais, c'est un peu comme si... Et puis même de la façon dont le texte s'affiche, c'est-à-dire que c'est quand, euh... quand même une boîte de texte de côté, je ne crois pas qu'on ait ça souvent... On l a... Non, on n'a ça dans aucun autre Est-ce que ce n'est pas le... la même avec le conseiller Sauf que gra... j'allais dire, ouais, Grave Robber, je crois. Ouais. Ouais. C'est vachement important, intéressant. Parce que peut-être si qu'on pourrait faire un lien entre euh, ouais, mm. ce, ce moment et le conseiller. Oui, en tout cas, c'est... Enfin euh, voilà. Euh, moi, je pense que l'idée, c'est que euh, la personne qui parle ici, peut-être Rainer, euh, probablement Rainer, euh, se, se place comme euh, une voix dans la tête de Caire, en fait, un petit peu. Mm. Tu as été kidnappé et tu as passé cinq mois à étudier dans une école primaire abandonnée, à étudier la musique, supposément. Et ça va peut-être avec l'idée que Marvin, qui donc est à l'école, mm -hmm. euh, pourrait être un professeur de musique. Tu t'es enfui, pleurant, honteux ou honteuse, euh, couvrant ton visage. Tu étais aveugle à un moment donné. Ah non, tu étais aveugle je... ouais. à un moment donné en blanc. Ouais. Genre il n'est pas sûr veut... de lui, il dit quelque chose. Enfin, ouais, je sais ouais, pas. pourquoi est-ce qu'il se met en blanc pile juste pour ça Est-ce que c'est parce qu'il dit quelque chose Enfin, c'est-à-dire que s'il si était vraiment clair, euh, il saurait exactement le moment ou est-ce que c'est son sort entre ouais. guillemets qui, qu a qui est pas si fort coup... que ça Je sais pas. Peut-être peut que non, peut-être que justement ce qu'il cherche c'est ce moment donné aussi. Ouais. ouais. Et donc c'est l'inconnu dans, 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 dans ce qu'il dit. Euh, tes mouvements ont cessé de faire sens. Ouais. Quelqu'un dit pourquoi le perso se déplace en marchant en arrière C'est la première. C'est le Moonwalk. Et pareil, c'est en blanc ça. C'est vrai. C'est vrai. Donc, donc, pour moi, c'est totalement qu'il est en train de conjecturer des choses. Et que là, il, son savoir ne concorde pas avec celui de Kerr. Euh, ses connaissances. Euh, oui, pardon. Ce, ce passage-là, on l'appelle de façon assez amusante le, moon, le Moonwalk. Euh, mais euh, en gros, c'est parce qu'au début, il a dit euh, Retrace your steps euh, reviens sur tes pas. Et que supposément c'est... Enfin euh, voilà. Moi dans et la façon dont je vois les choses, c'est que mots. en effet, la famille a demandé euh, à, ce que, euh, à ce que via le jeu, euh, Rainer investigue ce que faisait Kerr ce jour-là. Euh, et qu'il a mis en place ce mode de jeu un peu spécial où, euh, où euh, je sais pas, il exploite un petit peu euh, la mémoire de Kerr pour euh, qu'elle qu 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 remonte, euh, remonte sa piste. quoi. Se cogner contre les murs et les portes, esquiver les, es les obstacles invisibles. Euh, trouve le moment, pardon. Ouais, justement, il cherche le, mo il cherche le moment. Ouais. Quand es-tu égaré ah. sur la route hmm. Cut. Oh. Une fille a disparu ici. Je ne vais pas couper ici, je vais vous la mettre entièrement, cette séquence. L'histoire raconte que ton papa était assis sur un banc avec un gâteau d'anniversaire, essayant d'attirer... Euh... Pas des enfants, essayant de l'attirer à, à, à la maison. À sa maison, d'ailleurs. Au lieu de pancartes filles disparues, il a installé des pancartes euh... Euh... filles d'anniversaire, proposant un gâteau pour euh, l'anniversaire. Pour la fille d'anniversaire. Ouais. Bien sûr, euh, la fille d'anniversaire n'est jamais revenue à la maison. Euh, à sa déception, à son plus grand désarroi. Quand j'ai appris cette histoire absurde, j'ai passé beaucoup de temps à creuser. Creuser. Ouais, creuser. Double sens. Double sens. Euh, finalement, j'ai découvert ce qui est vraiment arrivé à cette fille. Tu veux savoir Demande. Demande. Attends, mais c'est... Mais oui, mais il va, il va tourner. Je prends des notes. notes. C'est ça. C'est pour ça, demande. Oh, c'est énorme. Donc là, vous devez faire un parallèle avec Paul au début de Petscop 11 qui tournait, euh, qui faisait des ronds un peu au pif dans le New Maker Plane et qui cherchait la maison. Mais du coup, est-ce que... Attends. Mais attends, mais j'avais même pas capté ça comme ça. Ouais. Tu te souviens quand Paul a fait ça Il l'a fait deux fois. Ouais, ouais. Une première fois, il a eu euh, le texte prompt, comme ça, enfin le... le, le, ouais, le, ouais, ouais. le, le... Euh... Et il a dit non, je dois pas faire suicide. il l'a fermé. Et ensuite, il a continué, il a eu tout le, tout le voiture. Tout le roue, ouais. Ça veut dire que le premier, c'était l'endroit où on est est-ce que ça veut dire qu'il a raté ce qu'on est en train de voir là, ouais. à ce moment-là Ouais, ouais, ouais. C'est énorme. C'est juste énorme. Imagine, il aurait pu voir ça. Je <laughs> jamais fait le rapprochement. C'est excellent. Tu avais proposé ça Eh ben, GG, parce que. Si, 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 si on parle de la même chose. Parce que je sais pas de quand date le message, j'ai pas fait gaffe. Euh, des tas de choses. Il se passe des choses assez euh, ouf en ce moment. Que lui, lui est-il Pas que lui est-elle Arrivé. Il prend du temps à écrire. Hein. Oui. Mais on joue avec le rythme et l'ambiance là. Donc, euh... Ouais, ouais. C'est important. Recul d'un pas, non. Ça y est. Au début, t'as l'impression que tu sais ce que c'est. Ouais, ouais. Et puis, en fait, non. Et puis, petit à petit, tu te rends compte que, surtout là, qu'est-ce que <laughs> c'est que ce truc Pareil, euh, chapeau magique. Ouais. C'est si simple, mais c'est si efficace. Pause. Lina Leskovitz, rose. 1968-1977, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'avaient pas vu. D'ailleurs, oui, ils ne l'avaient pas vu. 9 ans, en effet. Ouais, oui, oui. oui. Non, mais il y a quelque bon. chose à dire sur ça, oui. oui On bien a bien. beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses Alors, demain, à dire. Alors, 2 ans, en effet, j'avais jamais réalisé. Euh, au début de Petscope 11, du coup. Supposément, Paul est passé par là et il aurait demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et il aurait eu la tombe également. Cette tombe... Évidemment, c'est de, de là qu'on tient le personnage qui s'appelle Lina. Exactement. Dont on vous parle depuis deux lives. Et Cette tombe est donc la fille du moulin. En, en, vous avez vu son visage sur la tombe euh, Elle a disparu donc, quand ils étaient enfants. Elle avait 9 ans. Ou du moins quand elle, elle était enfant. J'imagine si elle est plus jeune qu'eux. Mmh. Et ils ne l'ont pas vue. <laughs> Alors, ils ne l'ont pas vu, il y a plusieurs choses à dire. Mais il y a même plusieurs sens, on pourrait dire. Il y a plusieurs sens. En gros, on peut le ra rapprocher à deux choses, et je le, rapprocherai, je, je le raccrocherai plus à la première. Euh, le premier truc auquel on peut raccrocher ça, c'est euh, l'idée de... du Shadow Monster Man. Mais le truc, c'est qu'on viendra. Pourquoi Non Ouais, on peut pas. Exactement le truc, c'est que le Shadow Monster Man temps. nous permet pour le moment de voir des choses qui jusqu'à présent étaient invisibles. On n'a pas tellement vu l'inverse. Mais thématiquement, il y a un lien et on va y revenir. Le deuxième lien, et qui au final n'est pas forcément si, élo si éloigné que ça, c'est avec l'accident de la voiture. Ils ne l'ont pas vu, donc ils l'ont renversé. Et en fait, c'est lié au Shadow Monster Man aussi, mais on reviendra à pourquoi. Ouais, ouais. <laughs> ouais, mais je pense que c'est pour ça que justement, il a mis une phrase à double sens. Oui. Parce totalement. que la voiture, tu la joue sur un tout Euh... Merci Taylor TV. Donc, oui, le visage qui, est, qui correspond à celui. Euh... Donc, c'est comme ça qu'en fait, on déduit que le personnage qu'on appelait Les avant. Les sourcils, euh... ça choque que toi. Enfin, le personnage qu'on croyait être Tiara, que Marvin euh, voulait oui. ramener. Il n'y a pas de euh... sourcils, justement. C'est euh... normal. C est, c est... Oui, c'est normal, bien sûr. Non, non euh, Anaskai euh, qui disait dans le chat. Ah oui. Euh, c'est quand on apprend oui, mais... que c'est euh, l'INA, puis c'est en effet le visage qui apparaît dans le moulin. Mm. Et c'est le visage qui euh, amène à la section de la Child Library où euh, Rainer parle euh, de Thierry dans la tête et euh... qui a disparu ouais. d'un moulin. De ça, justement. Tête, Et où il y a notamment une image avec euh, un gâteau. C'est euh, vrai, un gâteau un et gâteau un banc. Qui, qui, on avait toujours interprété dessus que c'était un P. Oh, il Mais faut en que fait, je le remette. Que Attendez, je vous le cherche. Un 9. Je vous le cherche. Parce qu'il faut que je vous et le mette de... absolument. Et devant, en plus, il y a mm. une fenêtre avec un banc. Et là, vous avez entendu l'histoire. Voilà. Justement, le moulin dans l'histoire, du coup, c'est qu'en fait, Lina Leskowitz, c'est la fille du. C'est la fille qui, était... qui est du, du moulin. Euh... Euh... Oui, et non, pardon, je te disais sur les. Ah, j'ai un thème code. Okay. Euh... Sur les. Excusez-moi, attendez, je vous le mets. Ah non, c'est pas Petscope 11, je suis complètement bourré, d'ailleurs. C'est lequel 7 C'est Petscope 9, 6, je pense. 9, comme ça, 8, 9. Non, 7. 9, tu as totalement raison. Ouais, je sais pas. Mais... D'ailleurs, c'est dans 9. Non, tu je vois pas, le lien au Pets... niveau du chiffre <laughs> Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est Petscope 9 Oui, c'est Petscope 9. Un ah ben peu parfait, mais en plus, c'est même... Voilà, euh, c'est ça. Et je vais avoir autre chose à remarquer justement dans cet épisode-là. Vous voyez, là il y a un gâteau, il manque une part, et ça, à l'envers, c'est un œuf. On l'avait toujours interprété comme étant un P. Et de l'autre côté, vous avez un banc avec une part de gâteau et un moulin avant, jaune. Ah ouais. Et c'est mis de telle manière que le neuf est à l'endroit quand on regarde depuis le banc. Tout ça est super important, d'accord je, 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 Plus tard, mais c'est super important. Ok. J'ai autre chose à faire remarquer avec cette salle c'est que son écran de chargement, est ce qu'on va le voir, est ce qu'il était juste avant, oui, juste avant, était une pièce, comme ça. Est-ce que vous la voyez bien Cette pièce-là. La même qu'il y a pour, euh, pour ah oui, euh, les points de chat, d'accord Cette tombe, la forme au-dessus. C'est la pièce. Et souvenez-vous qu que la, la fille la dans le moulin... la pièce qui ressemble à un chapeau d'anniversaire, en fait. Oui. Et la fille dans le moulin... Quel épisode est dans le moulin Petscop 6 euh... Je cherche, je cherche, je cherche... Je cherche toujours, c'est pas Petscop 6, je suis nul. Bah non, mais c'est Petscop 9, justement J'y étais stupide <laughs> Voilà. Souvenez-vous que déjà, elle est liée à des pièces. Dans les engrenages, il y a plein de pièces là en dessous d'elle. Et quand Paul va mettre le tout le blanc, euh, ça va retirer toutes les pièces. Et de deux, dans sa forme, mais ça c'est un truc un peu plus avancé, qui aura un rôle plus tard. Sur le moment, c'est un peu extrapolé, mais croyez-moi que ça aura de l'importance plus loin. Sa forme a un peu la forme d'une pièce, son buste. Voilà. On y reviendra <laughs> C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Euh, il y a un dernier de détail Reddit dont il faut qu'on parle. Oui, ah. exactement. Euh, je réavance au texte. Tu peux même le chercher peut-être. même. Je vais essayer. Ah, j'ai euh... entendu, parler... entendu parler vite fait d'Everwood. De... C'est Dark qui m'en a parlé, mais j'ai juste vu le trailer. Écoutez, ça, ça fera l'affaire. Euh... Bien, il y a autre chose à dire. Ce personnage s'appelle Lina leskovitz. Ok. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la façon dont Petscop a été connu. C'est-à-dire que tout, euh, tout, tout, tout le fait que, parce qu'au départ Petscop c'est juste des vidéos random postées sur YouTube, donc il faut bien que quelqu'un les ait trouvées à la base, d'accord Et donc ça s'est passé euh, à la toute base après les premiers épisodes. Euh, je crois entre PetScope 3 et 4, parce que justement c'est là qui modifie la description et qui dit, euh, je suppose que c'est pour vous tous maintenant, ou quelque chose du genre. Euh... Tac. Euh, il dit, euh, comment euh... Il dit, il dit... Euh... Euh, 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 euh... Pardon, je suis perdu. Oui, ça dans la description. C'est parce qu'en fait, quelqu'un sur Reddit a posté le lien des vidéos, ok, et a dit euh, des vidéos d'une d'un jeu mystérieux sur euh, ça c'est euh, PS1, c'est le nom de code de la PS1, PSX si je dis pas de bêtises, euh, d'un jeu de 1997 qui s'appelle Petscope, il y a quelque chose de caché dedans, d'accord. Euh, faites pas attention à cette image, ça c'est parce que c'était le lien vers la chaîne YouTube et donc euh, sur ce screen c'est euh... C'est ouais, ouais, euh, l'icône le, le, euh, 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 ouais, sur le moment de la chaîne, parce que c'était un œuf sur le moment, c'est ce dont on vous parlait. Mais sauf que la personne qui a posté ça, s'appelle euh, user Palescovitz. Notez le Lescovitz dedans, et ça commence par pas. Et le sous-entendu, c'est que rien que ce poste, en fait, a été fait par Tony lui-même dans le personnage de Paul et que Paul, son nom de famille, c'est Paul Leskovitz. Euh, je ne sais pas si le thème fonctionne. <laughs> et donc c'est là qu'il y a une révélation. Et du coup, Paul est de la même famille que... Euh, euh, la Lina en euh... question. <laughs> Fille morte à 9 ans. Voilà. Paul Leskovitz, ouais. La sœur de Paul, peut-être pas, non. Mais euh, quelqu'un de sa famille. Cependant, <laughs> ça nous amène sur un autre sujet, qui est que souvenez-vous que si Paul est le fait que Paul s'appelle Leskovitz implique qu'il a changé de nom de famille. En plus de changer de prénom. Changer de prénom dans une euh, disons que dans une transition, c'est plus ou moins normal. Mais euh, changer de nom de famille, pas spécialement. Parce que souvenez-vous que Kerr s'appelle Karim Mark, pas Karim Leskovitz. Et donc là, on passe sur la théorie de l'adoption de Paul, et ça va être intéressant avec des choses qui viendront plus loin par rapport au personnage de Lina. Voilà. Euh, tac, 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 tac. Oui, pardon. T'es toujours perdu, Anaskai, oui. sur les sourcils. Euh, Lina n'avait pas de sourcils. C'est pour ça que quand Marvin a réalisé que Kerr n'avait pas de sourcils non plus, il a commencé à penser que Kerr était une renaissance de Lina. C'est normal, c'est pour ça. Et de toute façon, l'idée, euh, l'idée comment L'idée de ah oui l'autre euh, oui, solution pardon parce qu'on imagine que suite à l'enlèvement de Kerr, euh, Anna et Marvin se sont définitivement séparés <laughs> l'autre solution c'est que Paul est décidé enfin euh, qu'ils aient décidé de complètement oublier Marvin qui irait totalement avec ça parce que euh, Paul n'a pas l'air de se souvenir de Marvin même si ce serait une partie de sa mémoire qui pour le coup aurait plus ou moins été effacée euh, enfin euh, sachant ce qu'il a, a subi instant. de la part de Marvin il n'a pas l'air de se souvenir spécialement de Marvin, de son existence pour l'instant. Mais tu te rappelles peut-être pas de pourquoi je dis ça. Oui, si, bien sûr, bien sûr. Mais à première vue, la, la, ouais, là, tu ouais. me parles d'un moment où il a déjà accepté ouais, euh, ouais, ouais. autre chose. Ouais, ouais. Euh... Euh... Et donc, euh... et donc, qu'est-ce que je disais Fascinant. Euh... Oui, si. Et donc, il aurait pu prendre le, le, le nom de sa mère, auquel cas sa mère s'appellerait Anna Leskovit, peut-être On peut imaginer ça également. Qui serait pas bête, Mais n'oubliez pas que... Sachant que c'est sa sœur. Que... Sa... Sa oui, sachant que Anna est la sœur de Lina, pour rappel. Donc, Anna s'appelait bien, son nom de jeune fille et bien Leskovitz. Parce que Lina s'est pas mariée et pas changé de nom de famille il y a 9 ans, enfin, je crois pas. <rire> 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 voilà. Euh, et sinon, qu'est-ce que je voulais dire euh, De toute façon, est-ce qu'on en est au point où je sors euh, l'arbre généalogique non, euh, non, pas je encore. Je ne sais pas si tu l'as réformé correctement, l'arbre généalogique. Réformé euh... par rapport à quoi Il était très bien, mon arbre généalogique. Je ne l'ai pas révisé, ah, ah, par ah, contre. Même en contrôlant soundtrack, c'est vrai même en comptant la on Soundtrack Je crois. dedans, il y a des informations plutôt euh, intéressantes. Il bah, n'y a pas les adoptions, c'est euh, un arbre généalogique, euh, génétique, entre guillemets. Ah, d'accord. D'accord. Bah, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que <laughs> je veux Trop <laughs> bien. Non, tu peux, ouais. Bon, euh, oui, non, non si, c'est ça que je voulais dire. Euh, l'idée de l'adoption de Paul, n'oubliez pas cependant que ça irait parfaitement dans l'idée de euh, la comparaison animaux-humains. Et justement, elle va revenir exactement pour cette raison-là. Mais... Euh... Cette idée-là. Mais voilà. Non, c'est... Non. Même dans ce jeu-là, ça ne marche pas. <laughs> ah ouais. Fiancé, à la limite. Ça va, je crois que là, on a tué Lina. Enfin, euh, plus qu'à... On, on a ah ouais. tué Lina On a dit tout ce qu'il y avait à... Non, et puis vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Lina, parce que... <laughs> croyais pas que ça va s'arrêter là. Hein. Grossièrement, l'INA, lina c'est Gaster. Moonwalk. <laughs> L'INA c'est Gaster. Jill, de l'avant-dernier épisode où on entend Paul, ce serait sa nouvelle mère. Euh... Alors, si c'est pour ça que je pourrais sortir l'arbre généalogique, j'ai pas envie de vous faire une grosse pause maintenant. Je vais voir après. Écoutez. Euh, Jill, c'est la tante de Kerr, génétiquement. En, en tout cas, euh, et donc, euh, c'est soit la sœur d'Anna donc une troisième sœur, enfin euh, une deuxième sœur d'Anna mais euh, troisième de la sororie euh, soit, euh, soit, 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 soit euh, une est, sœur de Marvin. l'ange la tu vas me le chercher par euh, Quoi Par la nuque, et tu vas lui dire de, que, que c'est pas bien. Il a mis lesco au lieu de lesco ah oui C'est bah ouais. <laughs> ouais, la traduction officielle. Les escaliers, d'ailleurs, bon bah, on les voit très mal, là, pour, pour, pour les gens. Mais ces escaliers, sur cet écran de chargement, il faudra qu'on en reparle un jour, Enzo. Ah ouais Parce que je suis pas sûr qu'on puisse déterminer quels escaliers c'est. Mais est. tu vois, là, rien, rien que là, thématiquement, c'est marrant qu'ils montrent les voitures. C'est vrai. Et d'ailleurs, fort intéressant. Si c'est Kerr, Caire aussi jouait avec les voitures. Et s'en allait par là, d'ailleurs. Et fin de l'épisode, c'est ça. Ouais, je, je, je crois qu'elle s'en enfin, va, les qu il, a... il reste 10 je secondes, mais... Euh... Non, ah non, non il non, revient je sais. Non, je, je crois qu'il y a un léger truc sur la fin, mais je dis peut-être des bêtises. Je dis peut-être beaucoup de bêtises. Je crois pas. Hein. Ouais, j'ai dit beaucoup de bêtises. Non. Ok, t'as dit non, beaucoup je de décisions. y a un vie. truc qui vient dans un épisode après. Ok. Euh, écoutez, attendez, je vais chercher. Euh... Non, je ne suis pas responsable des titres de Petco. Ah. Certains, si, non Pourquoi pas, ça <laughs> que euh, Si que vous vouliez la ce truc rouge C'est très long. Ah non, Mais, mais c'est un... le Dorito c'est lié aux hommes pyramides. Les hommes pyramides. Que quelqu'un me fasse un montage tout de suite. Attendez, parce que pendant ce temps-là, Dark m'a envoyé, euh, voilà, la PDP à cette époque-là de la chaîne. La voici. C'était un œuf. Comme vous pouvez le voir, un œuf de Pâques. Mais on va revenir à cet œuf de Pâques. Et qui vole un œuf Non. Mais on n'est pas en charge des sous-titres très non plus, euh, Nanax, tu le sais ça. On a... Moi j'ai, enfin, Hype, je crois qu'il en a fait, mais moi je n'ai fait aucun sous-titre. J'en ai fait et mes sous-titres sont très yes. bien personnellement. Euh, tu peux aller voir <laughs> Petscop 21, il n'y a aucune faute. Il <laughs> y, hey, y a un sous-titre dans Petscop 21, d'accord Fais pas genre, il n'y a rien du tout. Hein. J'aurais pu y avoir une Paul. faute. Ça été alors, pour... ou... alors attends, non, quelqu'un qui... qui est perdu. Oui. Je comprends pas pourquoi vous euh, je comprends pas vous dites que Kerr euh, Ker est Paul. Alors pourquoi vous savez pas si Paul ou Kerr joue, si c'est la même personne Et ben parce que Kerr euh, c'est une personne qui enfin considérée euh, que... si... c'est considéré comme comme Paul hein, à partir d'un certain moment de sa vie. Euh, on... quand on parle de Kerr, on mmh. parle de avant. Oui, euh, alors on oui, parle pardon. Du kidnapping, on parle pas du euh, kidnapping de Paul, je... On parle du kidnapping de Kerr. Je t'avais déjà dit, Enzo, Paul, je, du je pense que je ferai peut-être un micro addendum au, au début du prochain MBT, mais je vais le faire ici ouais. pour, les, pour, pour les lives euh, C'est pas forcément classique pour quelqu'un parce que du coup notre théorie c'est totalement que, euh, que 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 Paul est, euh, est un homme trans du coup, donc c'est pas forcément euh, euh, dans la norme de parler d'une personne trans euh, à l'époque où elle euh, s'identifiait à un autre genre. Euh, comme euh, comme s'identifier à cette époque-là, en gros, on, on, on redconne si vous voulez Je, pour, 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 pour enfin, parler en gamer, <laughs> on redconne. Donc si euh, si euh, si Paul s'identifie maintenant comme un homme, euh, tout le passé on l'appelle Paul, en gros, globalement, c'est c'est un petit peu la norme. Euh, on ne le fait pas ici, tout simplement parce que le jeu ne le fait pas et parce que du coup ça décrit un petit peu mieux euh, le jeu lui-même. C'est-à-dire que comme le jeu présente Paul et Kerr comme deux personnages différents, euh, on les traite comme deux personnages différents dans ce cadre-là. Et il y a quelques cas très 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 très, très euh, marginaux où on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre, parce qu'on ne sait pas si la transition a déjà eu lieu, par exemple, euh, voilà, quel, quelques mois, quelques années après l'enlèvement de Kerr et qu'elle se soit échappée. Euh, à ce moment-là, éventuellement, on utilise euh, on utilise... Euh, Plutôt des pronoms non genrés, mais, 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 mais voilà. Et à cause qui miaule. Mais bon, voilà. Euh, donc, quand on dit qu'on ne sait pas si c'est Kerr ou Paul qui joue, on veut surtout dire qu'on ne sait pas si c'est Paul en 2017 ou si c'est Paul en 97. Voilà, si tu veux que, 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 que je te le phrase ainsi. Euh, Jamie Jna qui dit c'est pas vraiment un. <laughs> je sais pas si on veut aborder. Oui, je sais pas si on veut aborder ce sujet, mais qui dit. Euh... C'est pas vraiment un homme trans car il a été clairement contraint à faire sa transition de façon. C'est une autre question, ouais. Dans euh... notre interprétation, c'est pas. Dans l'interprétation de la chose, ça ne s'est pas passé comme ça. Disons que. C'est une... tout un questionnement qu'on peut avoir sur la question de si, euh... de si en effet il a été contraint ou si c'est quelque chose d'à part, quoi. Euh... Sachant que, bon, jusqu'à un certain point, ses euh... expériences influent quand même. Euh... Je sais pas. Euh, sur la façon dont ça se passe, quoi qu'il en soit. Euh, mais euh, je l'ai été plus ou moins charitable, entre guillemets, dans mon interprétation de la chose jusqu'à présent, euh, dans le cadre où... Enfin, euh, je dis que j'ai été charitable, même si euh, ça peut être lu autrement, euh, dans le cadre où euh, faire de la représentation d'une personne trans en euh, ne représentant justement qu'une seule personne trans, et qui justement ne l'est que parce qu'elle a été contrainte. C'est euh, une représentation relativement peu charitable envers les personnes trans. Et de ce que j'en vois dans les gens avec qui euh, euh, Tony interagit sur Twitter, en particulier je crois qu'il y a une personne avec qui il interagit pas mal qui est non-binaire et qui semble être son ami. Euh, je crois pas que c'est ce que Tony voulait montrer. Après, c'est pas, le... que... pas parce que Paul a été contraint à euh, jusqu'à un certain point du moins à faire cette transition que forcément euh, c'est la vision de Tony que toutes les personnes trans sont comme ça. Euh, mais voilà, disons que il y a toute une discussion très large à avoir là-dessus. Voilà. Euh, pendant ce temps-là, je voulais vous chercher euh, l'arbre généalogique du coup et voir si j'en parle maintenant. Est-ce que je peux en parler maintenant Comme tu veux. Je réfléchis. Si je peux. Je peux, mais il y a un truc qu'il faut que je réfléchisse comment je le justifie et pourquoi c'était ça. Euh, ok. Alors, bougez pas. On va parler généalogie. Maintenant. Alors, euh, où est-ce que je pourrais me mettre pour pas le cacher plus que ça Écoutez, je vais temporairement cacher le chat. Ah, euh, quoique. Non. Non. Non tant pis, je vais me mettre comme ça quand je parlerai des trucs plus à droite. Euh... Voilà. Alors. Pour présenter cet arbre généalogique, je pense qu'il faut que je commence. Euh... Et je suis désolé, Enzoul, tu vas... À moins que... Tiens, je, te... je peux te le redonner euh, sur Discord. Comme ça, t'es pas obligé d'aller voir le live pour le regarder. Euh... Ah ouais. Ah ouais. Euh... Donc, je vais partir de ce qu'on sait de façon sûre. Et après, je vais aller dans mes déductions. Ok. Euh... Ce qu'on sait de façon sûre est ce qui est dit dans cet épisode, justement. Ok. On sait que Kerr, de, de son vrai nom Carrie Marc, a comme euh, mère Anna, et comme père Marvin. On sait que Marvin, du coup, son nom de famille, c'est Mark, supposément, euh, parce qu'on parce qu ne le précise pas plus que ça, et que dans nos sociétés, la position de base, c'est que euh, les enfants prennent le nom du père, et donc si on ne nous met pas un contre-ordre, je considère que euh, je considère que euh, c'est... Euh, comment euh, que, 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 que c'est l'interprétation de base qu'on va avoir, voilà. Surtout que on sait que c'est pas le nom de famille d'Anna, d'ailleurs, donc en fait, confirmé, je sais pas pourquoi je me prends la tête. Euh, Marvin, son nom de famille, c'est marc Anna, son nom de famille, c'est Leskovitz, parce que elle a pour sœur Lina, pour rappel, puisque Marvin a épousé la sœur de la personne qui a disparu dans le moulin, donc si Lina s'appelle Leskovitz, Anna aussi s'appelle Leskovitz, sauf histoire de... Euh de demi-sœurs, etc. Mais à nouveau, on ne précise rien, donc je vais faire comme si c'était le plus simple. Je vais au plus simple. Euh... Donc, Anna Mark-Lexkovitz, née Leskowitz, mariée Mark. Euh... Marié Mark. Euh... Et ensuite, on sait, et c'est là qu'on va partir... Non, attendez. Autre chose. Euh... On sait que Mike et Rainer sont frères. Et si on part dans l'idée que l'un est représenté par Tonette et l'autre par Ronette... Euh, sans partir dans les débats sur lequel est lequel, mais je pense que l'un est représenté par tonette l'autre est représenté par Ronette, parce que après ça doit jouer dans l'histoire de. On nous précise qu'ils sont demi-frères, donc ça doit avoir un sens. Donc j'extrapole que Mike et euh, Reiner sont demi-frères. Ok. Il y a deux inconnus dans ce que je viens de dire. Deux, un, on sait que trois, en vérité. La troisième, la, 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 la... <laughs> la troisième inconnue euh, que je viens d'ajouter, et je vais commencer par elle. Euh, c'est que on nous a dit que Kerr avait comme euh, tante cousin. Jill, je vais y venir, mais comme cousin un certain Daniel. D'accord? J'ai considéré ici que ce Daniel, c'était Rainer. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que euh, 19. dans Petscop 19, c'est plus ou moins ce qui va être sous-entendu. Que Rainer est son surnom, ou son nouveau prénom, j'en sais rien, s'il a changé de prénom, possible aussi... Euh, mais que initialement il s'appelle Daniel et donc que euh, dans la famille, dans la famille, on a plutôt l'habitude de l'appeler Daniel. Voilà. Donc j'ai considéré que Daniel et Mike étaient frères et Et vous remarquerez immédiatement une spécificité, c'est que la scène précédente se passait en 97. On nous a mentionné que Daniel était son cousin, mais pas que Mike était son cousin. Pourquoi Parce qu'en 97 Mike est mort. Donc il est mort en 95. Donc c'est normal qu'on ne précise pas ça. Voilà. Jusque là, ça marche. Les deux inconnus qui restent. La première, c'est... Euh, Jill. On nous a dit que Jill était la tante de Kerr. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait donc deux solutions pour ça. Soit Jill est la sœur d'Anna et Lina. Soit Jill est la sœur de Marvin. Pourquoi j'ai tranché là-dessus c'est là que je ne sais plus. <laughs> euh, pourquoi est-ce que j'ai tranché sur le fait que Jill était une lescovite Parce que... Parce que, parce que, parce que... Oui, et donc vous voyez que Paul n'est pas ici parce que, euh, que euh, j'ai pas mis Paul. J'ai mis Kerr, donc c'est plus un. Euh, c'est basé sur ce qu'il nous a dit dans, dans cet épisode-là, donc euh, c'est donc, donc un arbre généalogique de 97, disons. À nouveau, on n'a pas l'idée de l'adoption de Paul, euh, etc. Alors que l'adoption de Paul, je pense que j'y crois. Kerr, euh, fait... c'est Paul. Totalement. À nouveau, c'est parce que. Comme je l'ai dit plus tôt, quand on parle de Paul97, on parle de care. Parce que c'est la terminologie qu'utilise le jeu. Autrement, c'est n'est pas ce qu'on aurait fait. Ok. Euh, alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Jill ici C'est parce que je crois que c'est par rapport aux alignements de la famille. Il me semble. Il me semble que c'était un peu un raisonnement par l'absurde. Genre, ça peut pas être... Euh... Ah, ou bien un raisonnement... Je crois que c ça c'était quelque chose comme ça peut pas être là sinon. Euh, euh, Répond peut-être au chat. Je vais chercher si enfin euh, s'ils disent des choses, s'ils disent rien et eh ben euh, meuble en nous chantant une chanson. Non, je, je, je cherche ma justification. Euh... Ah oui, quelqu'un disait euh, pourquoi pas Thomas Hammond. Euh, mais je sais pas si. Thomas je vais y venir. C'est qui... le deuxième. Oui. Ouais. ouais. C'est la, la deuxième chose que j'ai à dire. Euh... Non, attends. Non, mais c'est Paul. Kerr c'est Paul. c'est Paul. <laughs> J'utilise deux noms différents, mais j'appuie Kerr c'est Paul, d'accord euh, Je ne vais pas retrouver, je crois. Parce qu'en plus, Discord ne veut pas que je cherche mes propres messages seulement à moi. Euh... À moins que je l'ai noté dans le salon Petscope sur Engouement au-dessus. Si je l'ai noté au-dessus, ok. Sinon, la dernière solution. Sondage hein, si en cours, soit... vous êtes perdu. Est-ce que je réponds oui <laughs> Non, pas Paul... les <Paul> <laughs> Non, je ne vais pas fausser le sondage. Tu connais Sacha Apprécie Persona je connais très peu personne. je connais un peu mais je connais très peu euh, Gilles, j'aurais plus vu chez les marques avec les discovery pages non bah je sais pas je sais pas en quoi ça enfin je ne sais pas en quoi c'est un argument qui fonctionne le fait qu'elle obtienne discovery pages après pour moi c'est l'histoire de famille c'est aussi très lointain hein, donc euh... Ah, là, plus que Hype là, 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 là. Oui, ça va. Hype, c'est le type de la famille. Ouais, 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 ouais. Je trouve plus trop, honnêtement. Il aurait fallu que je recrose la question. Parce que là, je parle de Belle. Et t'as pas essayé de chercher dans nos MP Non. Mais en fait, là, je suis dans un bloc de Mais texte je où je suis sûr que j'en parle. Le problème, c'est que. Je sais pas exactement où j'en parle. Je suis tombé sur un pavé géant où tu parles de ça, je crois. Ah. Euh, C'est que j'ai relu les explications de mon arbre et ce pourquoi je disais que Jill n'était pas une marque, mais une me ouais. Pour faire simple, si tu veux que Jill soit une marque, Lina ne peut pas être... Ah oui. Ah oui, oui. C'est par rapport à Mike. Euh, oui. Mm -hmm. euh, je peux spoiler le Petcop 24 ou... <laughs> euh... Je coupe ton son en deux secondes. Dis-moi. Pourquoi Totalement, tu as raison. Ok. Totalement, totalement. Ok, je vais remettre ton son. Je vais leur expliquer euh, dans des mots plus simples. Oui. On t'entend à nouveau, ouais. Enzo. Euh, alors, écoutez, la raison pour laquelle Lina est ici, on l'a. Non, euh, Gilles, tu veux dire. non oui. Gilles. Gilles est ici. Pardon. C'est que dans Petscop 24, on va nous fortement nous sous-entendre que Lina est la tante de Mike. Voilà, je vais le dire directement. On va nous dire que Lina est la tante de Mike. Et Lina ne peut pas être la tante de Mike si Jill est la sœur de Marvin. Parce que Jill, supposément, c'est la mère de Mike. À moins qu'il y ait une sœur encore en plus et qu'on la connaisse pas. Mais euh, voilà. Voilà. Euh, et donc euh, et donc voilà et donc c'est pour ça que de façon sûre et certaine pour le coup, en effet, c'est très très pertinent euh, euh, ce, cet argument là et merci Enzo de l'avoir retrouvé du coup parce que j'étais paumé euh, Jill est bel et bien ici et donc euh, est sœur avec Lina et Anna deuxième problème celui là par contre je sais comment euh, je sais pourquoi je le résous euh, on avait Thomas on sait que Thomas est l'oncle de Kerr. Euh, D'accord Vous pouvez voir cependant, et je vais me changer de côté de façon à ce que vous le voyez, euh, tac, vous pouvez voir cependant que là, du coup, étant parti sur l'hypothèse que Mike et Rainer étaient euh, demi-frères, j'ai considéré qu'ils étaient quand même liés à la famille parce qu'on sait que tous les deux font partie de la famille, j'imagine, ce que Rainer appelle la famille. J'ai considéré que du coup, ils, étaient, ils avaient tous les deux comme mère Jill et comme ça, ils étaient le plus proches possible de Kerr, etc. et de Marvin. Euh, et donc, ça veut dire que Jill a eu euh, euh, un enfant avec deux personnes différentes. Ok. Le problème avec Thomas, c'est que je suis d'accord que Thomas est l'un de ces deux. Là, d'accord dont un des deux dont le nom de famille est Amande, parce qu'on sait que Mike s'appelle Mike Amande et on ne connaît pas le nom de famille de Daniel/Reiner. Le problème, c'est que je ne peux pas dire lequel des deux c'est. C'est-à-dire que techniquement, c'est celui avec lequel Jill est sur le moment, j'imagine. Donc ce serait plutôt lui, ce serait plutôt le père de Mike, parce que Michael est plus jeune que Reiner, donc j'imagine qu'elle a été avec euh, le Amande après. Mais on pourrait argumenter que lui, techniquement, est l'oncle aussi. Surtout que juste avant, on nous parle de Daniel, justement. On nous parle pas de Mike. On nous dit Jill est ta tante. Euh, Thomas est ton oncle. Euh, Daniel est ton cousin. Donc, on nous parle plutôt de cette partie-là de la famille. Ce serait bizarre de nous parler de ça, comme ça, là, le cercle que je fais. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas tranché. Par ailleurs, Pendant que le chat euh... est toujours sur la même question, mais. Euh, par ailleurs, oui, on peut prouver que, euh, que, que Reiner fait partie de la famille, hein, pour ceux qui se posaient encore la question. Mmh. Euh, tout bêtement, parce que sinon, ça causerait un contresens par rapport à Petscop 20, euh, puisque ça impliquerait que, euh, pour le dire vite fait, Reiner a connaissance de choses que seule la famille euh, est censée connaître. Donc si Reiner ne fait ouais. pas partie de la famille, alors euh, <laughs> il, il, lui un, il lui manque un savoir... Contre -sens. Et donc l'enjeu un petit peu de cette arbre généalogique aussi, c'est de réaliser que Jill, du coup, elle est liée à la famille. Ça semble être la personne qui représente la famille avec un F majuscule euh, jusque là. Et donc on vient de faire le lien que Rainer était son fils. Et donc ça peut euh, nous indiquer des choses sur euh, l'historique des euh, alliances entre guillemets euh, morales de Rainer. Voilà. Bien. Je crois que c'est bon concernant ça. Est-ce qu'on passerait pas à Petscop 18 Petscop euh, 18 oui. qui pour le coup Non, c'est la merde, Petscop 18. Pas. Attends, c'est pas le bon ça encore, je cherche le vrai. Les version 20. mon père et Paul. Ah oui, d'accord. Soit 18, soit oui, 18. Oui, non, Petscop 18 c'est facile. Petscop 18 c'est facile les amis. On va okay. on va refroidir un peu vos cerveaux, ça vous va Allez. Tiara n'est pas dans l'arbre, Non, Tiara, on en reparlera plus tard. Tiara, belle, euh... Et belle on même, même Paul pas être... en vrai, même Paul du coup. Belle post la euh, post euh, possible adoption. Là, là ouais. à nouveau, je parle de Paul euh, récent, voilà. Euh, euh, donc voilà. Sous-titres par Horio Prisco. J'ai pas fait attention si t'avais dit pour les sous-titres précédents. Si. Euh, Langue. Il ah, zut. Pardon, ben, elle... ils ont dû, euh, ils ont dû s'afficher dans le ah, chat Pardon, euh, non, je... quand on parlait. Yep. Alors, euh, pardon oui, oublie pas les sous-titres, tu veux dire oublie pas de tu t'as totalement raison. Tous les enregistrements, room plus, tweak en plus, ouais, extra stuff, pourquoi pas, tweak en plus. J'aurais juste mis extra, mais euh, ouais. <laughs> Allons-y. Ah, c'est une commode. Ouais. Alors. Bon, déjà en gros, gros les en extra France, stuff, le ça va consister en euh, des. Comment dire euh, Différents modèles, etc., qui datent du développement de Petscop, euh, Et qui donc vont nous donner des informations sur l'évolution du développement. Euh, et donc, on commence dès la première page avec euh, historique du Guardian, plutôt que histoire du Gardien. Le Guardian, du coup. Euh, on a, déjà, on a déjà utilisé ce terme un petit peu euh, par, euh, parce qu'on a l'habitude de l'utiliser maintenant. Mais du coup, c'est le nom officiel euh, de l'avatar de, 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 du joueur. J'allais dire de l'avatar de Paul, mais de l'avatar de n'importe quel joueur. Et donc, euh, le voilà. Et vous pouvez... Non, je vais dire autre chose avant. Pourquoi Guardian Important. Parce que Guardian, en anglais, ça peut aussi désigner euh, le responsable légal. Et donc, utiliser le terme de responsable légal avec quelqu'un qui, dans le jeu, euh, va être quelqu'un qui va collecter des animaux et les adopter, à nouveau, ça a un double sens. Euh, et si, justement, j'y viens, deuxième chose, Tenchir, euh, le sprite en haut à droite, si je pas de bêtises, c'est celui-ci, c'est celui qui est utilisé. Euh, quand Paul revient en arrière près de Girl si vous vous souvenez bien. Pourquoi c'est ce sprite-là qui est utilisé euh, Mon hypothèse, c'est que c'est une erreur. Du coup, tu passes mmh. D'accord, Enzo. C'est ouais. que c'est que euh, il avait dû prévoir l'animation de retour en arrière du temps où ce sprite était utilisé et euh, il l'a pas remodifié ensuite. Peut-être. Ou bien pour des raisons obscures, ça va pas chercher le bon fichier. Voilà. C'est pas Newmaker son nom Non, Newmaker c'est le nom qu'on lui attribuait par défaut quand on savait rien. <laughs> en gros, tout comme on appelait euh, Lina Tiara. Euh, on appelait le Guardian Newmaker. C'est quelque chose de séparé. À part si tous les joueurs sont des Newmakers, auquel cas c'est peut-être lié. Ok. Je n'annule pas complètement la possibilité ouais. que que Guardian était censé être New Maker avant que Tony se dise que c'était un peu chaud d'utiliser mmh. ça. Peut-être, peut-être. C'était pertinent sur le moment. Ok, donc ça c'est la première page. Historique de Ember. A la base c'était un rond. <rire> <rire> euh, bon, pas grand chose à dire ici, à part que le chapeau et les dernières choses qui lui ont été ajoutées, on a dit que le chapeau on l'avait déjà vu sur Girl. Euh, et on le reverra autre part, à vrai dire. Mmh. Historique de Rendis, pas grand-chose à dire. Ok, il va vite. Historique de Tonette. Initialement, Tonette n'avait pas de pas cassées. Intéressant. Donc il était juste sans faire en fait représenté euh... en bonne santé, ouais, un animal. Donc, ah oui, non, ça enfin, je sais pas pourquoi c'était un satellite à la base. <laughs> Pen était un satellite, puis t'entends Foodnik. Ouais, passer à autre chose un petit peu, ça ira euh, sur, euh, sur la question de Kerpol, on a tranché, ça va, on a compris. Euh, voilà. La boule est la dernière chose qui lui est ajoutée. Je sais pas. Je sais pas trop pourquoi. Je... elle a perdu ses jambes mon... en effet je sais pas pourquoi elle ça est, est devenue un parapluie le... un peu De au son. <laughs> mesdames Quoi et messieurs nous l'avons inventé je vous présente non, oui, je... Hudson tu le vois pas Enzoul je ah, un Oui, oui j'ai mon ordi qui a des petits, des petits ah d'accord t'as des petits soucis <laughs> Hudson oui, mesdames et messieurs mmh, voilà mon animal préféré Hudson est <laughs> non, euh, pas, ouais. un animal qui manifestement n'a pas atteint euh, cette version du jeu ou alors peut-être qu'il était censé être dans le niveau 2. Ou peut-être qu'il était censé être dans le niveau 2. Il est très beau. Il y a une autre chose à remarquer. Alors il y a deux autres choses à faire remarquer avec Hudson. Euh, première chose, ça va vous sembler très très tiré par les cheveux pour le moment, mais petit à petit que je vais commencer à associer plein de trucs avec ça, et c'est Enzoul euh, qui est, qui, qui est friand de ça également. Coucou, euh, coucou. <laughs> <laughs> euh, vous allez commencer à comprendre pourquoi je le fais. Euh, on associe potentiellement Hudson à Lina, telle, euh, dont, la, dont on a vu la tombe dans l'épisode précédent. Ouais. Dans euh, nouvelle, justement avec théorie, le, uh, euh, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'avaient pas vu. Et donc c'est un animal qu'on ne voit pas. Pour le moment, ça vous semble tiré par les cheveux. Euh, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se lier à ça par ça. Ok. Deuxième chose à remarquer. Euh, non, j'aurais dû rester en plein, plein écran. Dans ses yeux. Est-ce qu'on part direct là-dessus, Enzoul Et est-ce que tu es d'accord avec ça Ce qui se passe dans ses yeux Est-ce que tu vois, de quoi je veux parler Qu'est-ce qui se passe dans ses yeux Il y a un rubis. <laughs> Souvenez-vous de non, ce que, que vous orange. venez de voir dans les yeux Sur le t-shirt de Paul, c'est possiblement un symbole oh, lié. Non, 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 tu rigoles. Non. Non, 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 il y a le trait fait. en moins. Il y a le trait en moins, mais c'est surtout par rapport à ce qu'on va dire. Peut-être qu'il faut qu'on parte là-dessus ouais, dans Petcop 21. Euh... Mais, mais là, c'est théorie, voilà. ouais, théorie du complot. Voilà. C'est théorie du complot. Il a les yeux révoltés. Mais <laughs> c'est intéressant si on lit ça à l'INA, j'imagine. Ouais. Ouais. Peut-être. Mais là, c'est vraiment théorie du complot. Voilà. Après. Ouais. Je oui, pense... Il vit oh, autant. Ouais. Alors ça, c'est très drôle. Par contre. <laughs> C'est à dire que Wavy canoniquement qu 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 juste Wavy la flaque d'eau. Ouais. C'est à dire que Wavy est de l'eau donc euh, il peut se transformer en forme euh, condensation et en forme <laughs> les phares de la voiture les phares de la voiture c'est une c'est une interprétation intéressante aussi parce que ça ressemble à des phares de voiture carte une du carte gift plane absolument belle euh, absolument la carte réalisé. du gift et... plane qu'est ce que c'est <laughs> Est-ce Est que la maison où... rose c'est even, even Care, je pense. Et ouais. donc ça c'est le tool, le Et les zone là... level... fait les niveaux, genre le building fait work Zone, peut-être. Ah. Ouais, euh, vient de vous spoiler un nom qui vient dans... beaucoup plus tard. Okay, non, non, non dans on l'a vu passer, on l'a vu passer dans le Sound Test techniquement. Ouais. Euh, dans le Sound Test, ce qui se passe, c'est que au tout début, quand les noms défilaient, euh, vous avez peut-être, enfin, on, on pouvait voir les noms des différentes zones. Euh, et donc il y avait euh... J'allais dire mid factory, mais rien à voir, c'est un autre sound test, non, Ça, ça. C'est dans Undertale. <rire> <rire> Working zone. La maison. Et et la je vais maison, me mettre en plein écran cool. parce que la maison. Et je vais juste me reposer et vous allez regarder fixement la maison avec moi. Et ça va être magnifique. Et on va passer un excellent moment tous les deux. Les, tous, tous les euh, 200. <laughs> Le Gift Plane, c'est la partie de base du jeu. Il est la musique s'estompe. Ah, c'est vrai, ça. C'est presque interchangeable. C'est que Even Care, c'est une partie du Gift Plane, parce que c'est la seule partie qu'on voit en jeu. Enfin, c'est la seule qui est complète. Mais supposément, il était censé y avoir d'autres niveaux. Ah, est-ce que vous l'avez vu Continuez de regarder la maison. C'est pas une faute. Il hein. y avait vraiment quelque chose à voir. Hein. <laughs> Regardez-la bien. Regardez-la bien. La première maison sans oh porte ni fenêtre. Vous l'avez vue <laughs> Elle zoome de quelques pixels toutes les ah ben... je sais pas combien de secondes. Faint voice of a child Hein Quoi T'as ça dans les sous-titres, là Elle a oui. zoomait là. Oui, Tu l'as vu ça. Parce que dans Petscop 20, oui. Mais je me souviens pas dans cet épisode. Son à fond J'entends rien du tout. Tu l'as toujours là Non mais dans le sous-titre, je l'avais. Je vais mettre les sous-titres anglais. Je vais mettre les sous-titres anglais. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. Oui Oui, en effet. Je sais pas si vous avez pu l'entendre. Taisons-nous. Eh Ouais, je Pour moi, elle a dit c'est logique vu que c'est la maison, mais euh, ouais. Bon, of a ouais. child, on est d'accord quel enfant ça doit être. Oui, oui, bah oui, c'est clair. Enfin, euh, Évidemment, euh, parce qu'il n'y a jamais non. que sa voix à elle. Ah oui. Euh, ah dit, ah oui peut-être. J'ai dit qu'il y avait cinq épisodes euh, à Pâques. J'ai pas dit qu'ils étaient tous de qualité. Oui, voilà. Hein, euh... <laughs> oui. J'ai pas dit. Qu'est-ce euh, qu qu'on fait ans, cet épisode globalement C'était la fin de l'épisode, à part ça. Hein. Ouais, et à chaque fois, c'est pas la grand chose. Qui un à part, à part Hudson, j'ai pas grand chose à faire. À part euh, la maison est chelou. Euh, euh, Guardian, 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 Guardian. Guardian, quand même. Ouais. ouais. Voilà. Petscop 19, sans plus tarder. Est-ce que c'est le vrai Petscop 19 ça, ça me met pas de nom de chaîne ici. ce que c'est celui les Ça a l'air d'être le vrai. Chemin. Et donc, oui, c'était une commode à côté d'Extra Stuff. Ouais. Je sais pas trop quoi en faire. il me semblait pas qu'il y avait de le... sous-titres à traduire quand je l'ai fait c'est étrange, ouais, Orio, je sais pas peut-être qu'elle y était dans le gift plane je sais pas je sais mais pas, en effet, euh, bah, c'était peut-être un oubli de, 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 de... Euh, cool, ils, ils étaient peut-être pas là parce que c'était peut-être un oubli de Tony tout simplement, parce qu'on l'a entendu très légèrement il y avait en effet une toute petite voix d'enfant euh, donc peut-être que Tony a oublié, donc vu que tu l'as pas vu dans les sous-titres sous anglais, t'as pas pensé à aller voir jusque là parce que ça dure juste un tout petit peu T'as entendu le loup, le renard et la belette Ouais, je pense que tu as raison. Ah, bah justement, sous-titre de. C'est possible aussi qu'elle ait dit Carrie, son prénom. être tout et n'importe quoi en vrai. Mais c'est intéressant qu'on entende euh, Carrie dès ce moment-là, qu'on entende Kerr. Hmm. Ok. Bien. Petscop 19 C'est là que ça se corse. Si c'était pas assez corsé pour vous jusque-là. Hein. Attendez, pardon. Hop. Non, je vais oh. faire pause immédiatement. <laughs> J'ai un arrêt cardiaque. Hein. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend la fin de l'épisode pour parler de ça ou. Est-ce qu'on attend la fin du monde <laughs> <laughs> Est-ce qu'on attend de laisser défiler ça et ils observent Ouais, on va au moins les laisser observer. Non Écoutez, euh... deux secondes. Deux secondes. Demandé je vais à Pondé d'aller me chercher de l'eau parce que euh, ça va être un speedrun. Euh... Ah <laughs> euh... Ce qu'on va faire... C'est qu'on va simplement vous décrire en surface ce qu'on voit là, déjà. Et après, je vais sortir les tableaux, etc. Et on va commencer à théoriser sur ce qu'on voit. Les tableurs Excel. <laughs> ok. Alors, pour faire très simple. Déjà, là, on est dans... Euh... Comment ça s'appelait euh... J'ai déjà oublié. All recordings. All recordings. Tous les enregistrements. Ce qu'on va avoir là, s'appelle... Euh, la liste de toutes les démos de toujours, okay <laughs> ou du moins celles qui sont actuellement dans, dans, dans le jeu, euh, vous allez pouvoir voir différentes choses. Euh, ici, vous allez avoir le titre de la démo. Certains vont avoir des titres, certains vont avoir des titres automatiques, donc avec auto- et ensuite euh, une chaîne de caractères. Euh, sur la gauche, ne pas sous-estimer, vous allez avoir une carte mémoire ou un disque. Euh, ça décrit supposément euh, la façon dont la démo en question, l'enregistrement, est stocké. Certains vont être sur le la format, carte mémoire, d'autres vont être sur le disque lui-même. Ok euh, La plupart vont être sur le disque. Là, vous en voyez que sur la carte mémoire, mais je vais venir à ce qu'on peut déduire de tout ça plus tard. Et sur la droite, vous allez avoir la gêne, et ça va descendre. C'est-à-dire que euh, ce qu'on va observer, je crois qu'il va faire toute la liste là, je ne sais plus exactement. Je vais dire immédiatement ce qu'on va observer. On va partir de 15, on va descendre jusqu'à 1, euh, en allant de, de, de 1 en 1, où certains vont être sur la même gêne, mais, euh, mais à chaque fois on ne sautera pas de chiffres. Euh, donc on fera 15, 14, 14, 14, 13, 13, 12, 12, 12, 12 11, 11, etc. jusqu'à 1. Euh, et ensuite, on repassera à 15 pour recommencer le cycle. Okay Des cycles comme ça, il y en a 3. Et gardez en tête le mot cycle. C'est moi qui l'invente, mais c'est le terme que j'utilise pour décrire ça. Ce que j'appelle un cycle, c'est un passage de 15 à 1. OK Il y a trois cycles. Il y a trois passages de 15 à 1. OK. Et... On euh... pourrait peut-être de... dire un titre de... Ouais. Dernière chose. Il y a trois cycles. Il y a trois enregistrements qui vont s'appeler Family. Ici, on est sur Family 3. Euh et c'était trois enregistrements enfin et de la même manière il va y avoir que trois enregistrements en gen 15 donc au début ou à la fin on va y venir de chaque cycle donc au début ou à la fin de chaque cycle vous allez avoir euh, un family donc family 1, family 2 et family 3 voilà et merci à chapeau magique pour euh, son sub OK voilà maintenant vous on avez est dit, parti on va parler un peu du format du nom et de la génération Maintenant, toutes ces informations vont changer. Ah non, pas maintenant. Ah Paul oui. Il commence par là. Et là, il y a un facteur qui s'appelle rotation de démo, pour le dire vite fait. C'est est-ce euh, oui, que si, pardon, ça joue oui, est à l'écran titre en tant que démo ou pas C'est si ça. On peut le, si on sélectionne off. Est-ce qu'il est, -ce ça reste qu est dans la rotation des démos, quoi, tout simplement Donc, Paul a sélectionné un enregistrement auto en gène 14 Il peut sélectionner de changer la gène, quoi que ça veuille dire. À nouveau, je dis pas ce que c'est que les gènes. Parce que je ne sais pas totalement non plus. Mais. <laughs> euh, et démo rotation, c'est ça. Il fait retour. Alors, vous y me promenez pas, il descend. C'est juste qu'à chaque fois qu'il descend. descend en ouais. bas, euh, ça change d'écran, entre guillemets. C'est-à-dire que a... l'écran ne monte jamais que trois enregistrements à la fois. Et donc il descend euh, Voilà, les trois suivants, les trois suivants. Euh, as mis les, les trois suivants. J'ai peut-être pas mis les sous-titres, non Mais je crois pas que qui que ce soit ait fait les sous-titres des noms des gènes. Chapeau magique, Rich. Encore merci. <laughs> il descend, il vous monte tout. Beaucoup d'auto. Et pof Family 2. On a fini un cycle, ce que j'ai appelé un cycle. On passe de 1 à 15, on a un family. Tu l'as vu, celui-là Quoi T'as pas fait attention, Anzul. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Ouais, <laughs> ouais, Il continue son périple dans la liste. Et je vais pas refaire pause tôt, donc euh, on est parti. Sachez que j'ai des choses à dire sur tous les noms qui vont passer. Ok Les autos, un peu moins, mais sur tous les noms qui vont passer, j'ai des choses à dire. Donc, euh, quand, on, quand je vais sortir mon tableau où j'ai commencé à interpréter tout ça, on va avoir énormément de choses à dire. Et j'avoue que j'ai pas encore. Ah, là, on a beaucoup de noms. On est passé dans le, le troisième ou premier cycle, selon la façon dont vous le comptez. Euh, le troisième cycle qu'on a vu à l'écran en tout cas. Et là, toutes les démos sont nommées. Avec des noms de personnes. Sauf celle-ci, tiens. Hein. Intéressant. Et celle-là. La plupart sont nommées. Écoutez, j'aurais de con ce que j'ai dit. Et la première, sort de test. Cependant, elle est suivie. Attendez, pardon. Alors, je vais faire un commentaire immédiat. Euh, sur le nom de ces démos. Supposément, le nom auto, c'est le nom que le jeu donne automatiquement à, euh, à l'enregistrement à qu'il a fait, d'accord Comme on vous l'a dit, tout ça, c'est des démos, d'accord Donc, euh, en vérité, ce que chacun de ces enregistrements contient, c'est les enregistrements des touches qui ont été jouées et éventuellement la salle dans laquelle ils ont été joués, d'accord euh, Et donc, après, le jeu les rejoue tout simplement. Euh, ce que ça veut dire, c'est que le jeu en génère automatiquement, supposément, un petit peu tout le temps. Et après, il, en... après, euh, il semble qu'il y en ait certains qui aient été renommés. Et on suppose que ceux-là ont été renommés directement par Rainer, parce qu'il a décidé de les garder. D'accord Et c'est là aussi que va se jouer toute l'histoire de quelles démos sont sur le disque. Parce que du coup, si elles sont sur le disque, elles sont dans la version. Euh... Il n'est pas fini, mais vous me comprenez, fini entre guillemets, du jeu. C'est-à-dire que Rainer a fait Merci le choix bien. que ces démos étaient dans le jeu et s'affichaient à l'écran titre. Euh, et donc, il en a supposément supprimé certaines. Parce que vous voyez que la suivante, c'est test 5. Ça implique qu'il y a eu un test 4, test 3, test 2. Et peut-être que sort test et test 1, mais peut-être qu'il y a un test 1 aussi. Donc il en a supprimé certaines. Euh, il en a renommé certaines, etc. Euh, mais une fois qu'on passe dans les autos, on arrive dans des démos qui supposément n'ont pas forcément été, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, choisis, éditorialisés par Rainer, voilà. Paul va lancer Sort Test, la plus... Le... Oh, j'allais dire la plus ancienne démo, la démo la plus au fond de la liste <rire> <rire> Qui n'est pas dans la rotation d'ailleurs, de base. Et on pour se demande pourquoi pour C'est tête... <laughs> parti. Ah oui, on constate que c'était. Il était encore dans la même salle. Donc on peut constater plusieurs choses. Sortest, c'est aussi le nom d'une la... salle qu'on avait vue un peu plus tôt dans euh... dans euh... le Room Impulse. C'est une démo qui semble-t-il sert à trier différents éléments, vu son nom. Et vous pouvez voir que c'est l'ancienne, c'est une ancienne version du Guardian qu'on voit là. Et donc, supposément, on est en plein développement du jeu et euh, quelqu'un peut probablement, Rainer, est en train de tester les déplacements et, euh, et, euh, et cette fonction de euh, les collisions et cette fonction de, de tri. Euh, Paul accède à ce menu en utilisant un cheat code, plus ou moins, dans le fameux test. Dans le euh, ferme test. Oui, dans le ferme test, oui. Qui est lui-même dans les options. Donc voilà. Et donc vous pouvez voir d'ailleurs que du coup... Euh... Le sens des collisions était parfaitement respecté. C'est là que je suis peut-être d'accord sur les gènes qui peuvent représenter... J'y viens plus tard. J'y viens plus tard. Mike 2. Supposément c'est une démo où Mac joue du coup. Un ancien écran de chargement qu'on n'a jamais vu actuellement. Donc euh, il, est, il est plus dans le jeu aujourd'hui, je pense. <laughs> Ma salle préférée. <laughs> et Mike commence dedans. C'est très intéressant ouais. ça. Ouais, ouais. Et elle n'est pas dans le jeu fini, dans mes souvenirs. Si euh, alors vous pouvez voir qu'il manque certaines choses, d'accord, dans cette salle. Déjà il euh, n'y a pas la porte sur le côté. Elle pas, hein. euh, et ouais. ensuite il y a certaines choses qui sont différentes. C'est-à-dire que je crois que cette salle ne contient plus que la table. J'ai une bêtise. Je ne sais plus. Je crois que euh, le tableau n'est plus là. Et. Euh, euh, le tablier, le... tu voulais dire non, non, non pas euh, tablier. Le... Je... Et ouais. peut-être. Non, toujours non, pas. Le... Je sais pas pourquoi j'essaye dans mon cerveau. Le... Bon, euh... ça et ça, c'était pas là, d'accord euh, le, le chevalet, le chevalet. Le tableau n'est pas là, je crois, et le chevalet non plus. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Enfin, Merci beaucoup. J'ai le souvenir que cette salle ne ressemblait pas. Euh, à vous voyez également, pardon, je ne l'ai pas fait remarquer qu'il manque un petit peu toujours des, euh, des animations oui. au Guardian, et qu'il n'y euh, a pas de collision sur les murs, et que euh, Mike peut aller un peu où il veut. Il entre dans une salle, en dessous, et du coup, il y a la salle de Randy, c'est dans une ancienne version. C'est a la commode. Il y a la commode, en effet. Hey, hey, le voilà. L'avatar de la chaîne à cette époque. Un œuf. Quoi L'un des eux était dans le jeu de Daniel et c'est pour ça que je vous disais que Rainer est probablement Daniel, parce que du coup Mike appelle ça le jeu de Daniel et que jusqu'à présent on nous a caractérisé ce jeu, même si à l'époque où alors attendez, pardon, plusieurs choses à préciser. Si c'est bel et bien Mike qui joue, ça veut dire que on est avant sa mort, supposément. Oh, Donc mort. on est avant 95. On sait que Rainer a commencé à euh, créer Petscop pour, pour Marvin en 96. Cependant, ça, me, ça va nous amener à une nouvelle euh, ligne de théorie, euh, et qui s'avère probablement vraie, qui est celle que Rainer n'a pas commencé Petscop pour de vrai. Il a repris un jeu qui était déjà plus ou moins en, dé en développement, et qui était plus ou moins innocent à ce moment-là. Et donc Mike teste le dit jeu, qui est devenu plus tard Petscope euh, en 95 donc. Donc on pourrait supposer que même euh, c'était, que même euh, Rainer n'est pas vraiment Garalina, entre guillemets, euh, que Garalina c'était plus l'organisation qui développait le jeu, enfin la, la, le, le, le producteur qui euh, qui qui, qui, qui euh, je cherche le nom le développeur le développeur qui produit qui crée le jeu euh, avant le jeu innocent le jeu de surface avec euh, euh, le Give plane euh, even care etc mais euh, étant donné qu'on nous a toujours caractérisé ce jeu comme étant le jeu de Rainer et qu'on nous parle jamais de qui, qui que ce soit d'autre euh, on suppose que Daniel non, mais euh... et Rainer. Ouais. non je triche je triche Surtout que Daniel ne revient jamais à part ça. Innocent avec cet avatar, écoute, euh, c'est comme ça. <laughs> hein. Ça se trouve, dans le monde de comme ils auraient vu Crash Bandicoot et ils auraient trouvé ça effrayant. Bon, je sais pas, c'est euh, un gamin euh, vert avec euh, des cheveux rigolos, c'est tout. Oui, et puis voilà, on est à l'époque de oui. la PS1, tout est, tout est effrayant. Tout hein. est moche. Ça s'avère la commode. Et euh, oui, l'un des œufs dans le jeu de Daniel. Oui. Oui, l'un des œufs est dans le jeu de Daniel. Alors, ça, ça suppose que... Euh, Est-ce qu'il y a une phrase suivante Quelle phrase ah, injuste ouais. euh, En gros. As-tu ah, trouvé oui, ouais, voilà. tous les œufs dans ouais. le bureau Voilà. En gros, ça suppose que cet enregistrement a été pris un jour de Pâques, un dimanche de Pâques. Euh, et que... Euh... Et que, en gros, Mike, les, les, les différents développeurs, j'imagine, euh, ont caché euh, des œufs dans le bureau, voilà, de peut-être Garena, du développeur, euh, et que Mike devait les chercher. Et donc, c'est injuste, parce que oui, Daniel oui, oui, a caché oui, oui, son enfants. œuf dans le jeu. Pas. Ce à quoi j'ai une petite objection. Ah ouais Pourquoi est-ce que c'est des textes in-game Alors qu'il lui parle à l'oral. Ouais, ouais. Ça peut peut-être aller dans l'idée qui va plus ou moins euh, se développer ensuite de euh, le jeu représente des choses qui se passent réellement. Peut-être. Peut-être qu'alors, cette salle est censée être un bureau. <laughs> Je ne sais pas. Avec de l'herbe. <laughs> le premier bureau avec de l'herbe, jamais. Il <laughs> faut des plantes vertes dans le bureau. Avant de trouver des animaux, il fallait récupérer des œufs. C'est intéressant comme idée. Ouais, ah, alors, Kerr, déjà on est sur quelque chose d'un peu plus récent. Et on voit que Kerr fait n'importe quoi. C'est important par la suite. Ouais, enfin là elle fait n'importe quoi pas comme je veux. Ouais. <laughs> C'est pas n'importe quoi que tu as l'habitude d'aimer. Je sais pas je si j'aime l'autre n'importe quoi. Hein. Belle, d'ailleurs. Belle. Vous ouais. connaissez ses noms jusqu'à présent hein. Very smart. Ouais. Petscope Kid very smart. <laughs> Pourquoi je dis ça euh, Tira nous a été décrite par Tool comme Petscope Kid very smart. D'accord. Euh, Belle. Plus tard va être une rena... va tenter d'être enfin Rainer va tenter que ce soit une renaissance de Tira. Et du coup le fait que ce soit elle qui résolve l'énigme va dans ce thème-là de elle est très intelligente. Il y a un parasol, il n'y a plus le parasol ensuite. Attrapé. Ouais, Recording playback. Y a pas la tombe. De euh, main, tout fait. ça c'est normal pour une démo. Page. À nouveau, rien d'étonnant. Par contre, et on va quoi, avoir là, la description... C'est quoi là, la, la description euh... Euh, le, le message de la pause ouais. Recording playback. Ok, Ok, ok. Comment des mots, quoi. Morandi, c'est une fleur. Oui, et donc c'est aussi là qu'on va avoir l'indication de. Euh, de c'est comme des démos, quoi. C'est que justement, la recording playback, etc. Ça fonctionne exactement pareil. Morandi, c'est une fleur. Première fois qu'on a la description de Randis. Si c'était pas obvious, Randy c'est une fleur, oui. Il. Pas it. I. Intéressant. Ouais. Remarque, c'est censé être un animal, malgré le fait que c'est une fleur. Admettons. <laughs> un animal de compagnie, et généralement, c'est euh, personnifié en anglais. Ok. Euh, il n'a pas besoin d'eau, euh, mais... Non, il a besoin d'eau, mais pas autant que qu'il pense. Tu ne devrais pas t'en inquiéter, ou t'inquiéter. Alors, si tu considères Rendis, euh, c'est plus si tu considères adopter Rendis. Euh, tu devrais également... Oh non, j'ai fait, fait, dit... fait la bêtise, j'ai fait la bêtise. <laughs> Bougez pas C'est parce qu'en fait, le bouton play est juste à côté de la barre. C'est pas ma faute, je jure <laughs> Allez. Allez, belle. Allez. Merci. Non, j'ai failli refaire la bêtise. Là, je me serais tapé. Allez, on arrive, on dit c'est une fleur. Capté. Oui, pardon. Si vous considérez adopter en... enfin si vous pensez adopter Randis, vous devriez également adopter Wavy. C'est intéressant. Parce que du coup, on nous a dit que... Ah attends. Wavy sait comment faire des... Enfin, euh, tromper Randis. Hmm. 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 Mais pareil, oui, si Wavy sait curve, euh... ça marche. On marque qu'elle s'est évader. Elle sait comment tromper. Parce que Randy, on reste dans l'idée que c'est Marvin. R Randy, on reste dans l'idée que c'est Marvin, d'accord euh... Je suis toujours ét... euh... tiraillé entre et n'importe quoi. Tiraillé, tiraillé entre l'idée que Wavy ce soit Kerr ou que ce soit directement Lina. Parce que Lina s'est trompé Marvin. Je suis désolé, mais par rapport à ce dont on va parler plus tard, c'est exactement ouais. ça. Ouais. C'est pas fort. Un point pour. Euh... Et après, euh, Marvin a besoin de Lina, on est bien d'accord, mais pas autant qu'il le pense. Intéressant, parce que Wavy c'est l'eau au final. Euh... Si tu prends Marvin, tu devrais penser à adopter Lina également, peut-être. Ça, ça marche aussi avec Kair. Ouais, le truc c'est que la description de Wavy me fait davantage penser que c'est Kerr. Oui, mais sauf que Kerr, je pense que c'est peine. <laughs> Encore une fois. <laughs> mais moi, je pense pas que c'est Pen. Qu -ce qui... <laughs> mais c'est qui peine alors Je sais pas, je sais pas. Faudrait que je revois Est-ce ce que c'est qui... Paul Mais peine je pense pas qu'on ait de raison particulière de l'associer à Kerr hein. outre la couleur, évidemment. Mais... quelqu'un qui joue mal de l'instrument. Enfin, quand, oui, quand bah, je te dis Kerr je. Alors tira, pour tira, le coup, de tira. Tira. Allez. Ouais, mais pour le, pour <laughs> le coup, euh, quand je dis Kerr là, là, là concernant les animaux, quand je dis Kerr c'est Kerr Paul, d'accord C'est Paul. Ouais. Je fais pas de distinction entre les deux euh, sur la petite Fioi en tout cas pour le moment. Ah est-ce que Pentecosté Ah Wavy Justement. Wavy est, est un nuage. <laughs> en <épais>. effet. <laughs> Mais est-ce que c'est de l'eau Il a peur de tout. Il a surtout peur de geler. le bon, genre au masculin d'ailleurs. D'après lui, euh... Non, je suis désolé, c'est Lina, hein. Non, moi je te dis c'est avec les trois états. Je suis désolé, c'est D'après lui, il n'est jamais la même personne pour plus de quelques secondes. Ou bien c'est Mike. Non, ça peut et... pas être Mike. Non, ça peut et pas être Mike. Fait... Et avec le fait de Freeze, en plus, il y a le fait que son sprite... Glitch. Elle a peur de geler, par contre, c'est vrai que Kier euh, gelait dans sa chambre. Ouais. Mmh. Oui. Et il y, le... y a le sprite de Caire NLM qui glitch aussi. Donc Freeze, dans notre ouais, sens. Ouais, ouais c'est pas bête. Surtout que, justement, c'est quand personne ne l'aime, genre, vraiment, tu es vraiment... Ouais... Mmh. Euh... Donc, d'après Wavy, il n'est jamais la même personne plus, que... plus de quelques secondes. Ça, c'est une claire référence à la Renaissance, d'accord Je pense qu'on ouais. est tous d'accord. Oui, probablement, Nalax, je suis d'accord. Non, mais bien sûr, mais Kerr n'est pas sourde. Non, non, c'est plus pour représenter le fait qu'elle ne sait pas jouer de l'instrument. Ah, ah, on va voir James. James <laughs> Alors, vous ne connaissez pas James, je vous présente James. Non, le plus drôle, c'est Fidel dans les fruits. Non, c'est Amber. Ouais, alors... Je les a, spoil, un, mais, glauque, mais, mais euh, je le sais. Glauque. Bon, bah, il comprend pas. Ouais, James, c'est <laughs> un peu stupide. Mais il y a plus stupide que lui, vous en faites pas. <laughs> C'est là aussi qu'on arrive sur les dés. Ah, la file. Attendez. Euh, <laughs> juste avant. Alors, on va y venir quand je vais ouvrir le tableau également. Mais euh, juste avant, on a eu Mike qui jouait, on a eu Belle qui jouait, on a eu Kerr qui jouait. Là, on a euh, comment James qui joue euh, mal, qui est un peu stupide. Euh, le sous-entendu avec tout ça, c'est que c'est que des enfants qui jouent. D'accord. Voilà. Parce que, parce que les personnages qu'on connaît, bah, ils étaient jeunes à cette époque-là. Et euh, les autres, euh, voilà. Euh, voilà leur, euh, leur niveau. <laughs> oh. Ok, et ça c'est le pire, peut-être. Genre c'est effrayant. Non mais c'est vrai, c'est effrayant. <laughs> J'ai Je... <laughs> appris. Ember quoi. Belle. Non, Belle c est, est intelligente. N'oubliez pas, Belle est intelligente, elle va encore résoudre l'énigme. Boom, direct. Belle 3, le code qui passe derrière les notes du PC. Et, même... et, et elle a eu tous les animaux à part tonette. C'est là que je vous dis que Belle, euh, Petscop Kid Very Smart. Et fin de l'épisode. Mmh. Ça, di qu ça disait Paul, quelque chose ton, à mal. la fin Deux secondes. Oups, attends. Alors que Paul est adulte. Uh -huh. Non, ça dit rien d'autre après. Ok. Elle a réussi à avoir Ronette en on plus. On continue vrai, jusque ça, quand, quand en... Enzoul Non, Ronette. Euh... Petscop 21, Faut non être, euh... Comment On va jusque Petscope 21 ce soir. Ouais, ouais. Ok. Je sors pas le tableau. La tout la prochaine tout fois, on va. Je de... sors pas le tableau tout de enfin, suite là, parce que je. Déjà. On va finir par le tableau, écoutez. Parce que Petscope 20 va me servir. Et que tant qu'à faire, autant faire Petscop 21 avant. Alors, euh, pour vous le décrire globalement, ce qui va se passer dans les épisodes à partir de là, et est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause avant On va faire une petite pause avant, finalement. Euh, euh, si ça ouais, te va. Je, je voulais Vraiment petite, petite pour le coup. Euh, mais ouais. euh, the bébé Je vais, parler bébé, de, je vais introduire si je les autres épisodes bien. ensuite. The mmh. euh, euh, bébé, bébé ouais. Qui disait, euh, en, en IA, on peut appeler les évolutions des IA des générations. Est-ce que Petscop pourrait être une IA qui apprend euh, avec les outils du jeu une euh, avant Petscop à représenter ce qui se passe dans le monde réel dans le moteur du jeu, euh, c'est grosso modo la théorie de MatPat, euh, que on n'aime pas vraiment ouais. pour les arguments qu'elle utilise. Euh... Ouais. <laughs> après peut-être que après euh, j'ai pas de doute qu'il y a peut-être des, des inspirations quelque chose de euh, voire proche en tout cas, une façon de lire Petscop mmh. avec de l'IA, mais euh, voilà. Bah euh, ou tout simplement les évolu... Enfin, la théorie dominante sur les gènes, c'est euh, celle euh, de. Comment De. Ah Je vais m'y retrouver. Ouais, que, euh, que ça représente l'évolution du jeu. Euh, c'est pas si loin que ça non plus, de cette théorie-là. Et même si je suis pas forcément d'accord avec cette. Théories là, voire pas du tout. Euh, Est-ce que je veux bien l'inclure dans ce dont je parlais plus tôt sur les, sur les grilles de lecture Peut-être. Peut-être que je veux bien l'inclure euh... comme étant une grille de lecture valide. Euh, Enzoul ne nous a pas parlé de crowd 64. Écoutez, si vous voulez, à la toute fin, <laughs> on fera <s> ça en <laughs> fait un bonus. J'avais prévu d'en parler à, à la pause. J'ai tort. De Aïe. quoi J'ai tort sur Mais quoi, si... Analax si... Si vous voulez euh, la toute fin. Parce que t'étais pas là Et... quand je parlais des différentes grilles de lecture, je crois. Azarms dit. De... Quoi que je t'en ai défi... peut-être parlé à côté, sur les gènes. As... As as arms venir. dit... Euh, est que vous on y viendra avec, avec le tableau. Avec Matt ouais. Pat, un peu sur certains sujets ou pas du tout. Je serai alors malgré tout ce que je peux dire de lui, je serai très honoré de parler avec Matt Pat sur certains sujets. Ouais. <laughs> non, ça n'est pas arrivé. <laughs> pas encore. Mais euh... <laughs> est-ce qu'il fait toujours ça, Matt Patte ce que fut un temps, ces épisodes, c'était pas forcément lui qui les écrivait. Il, euh... Euh, non, il volait les idées, ça c'est différent. Ça, non, non, pas... non, c'est pas de ça que je <laughs> te parle. C'est qu'il euh, avait, euh, avait différents Moi, auteurs de, 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 de scripts. Il avait des auteurs de scripts qui s'y connaissaient peut-être un petit peu mieux que lui sur les sujets et qui lui écrivaient ouais. au moins une première ébauche. Et ensuite, il a fini le script, je crois en se renseignant lui-même et euh, en partant de cette base T as des connaissances en vieux MatPat euh, je le sais pas. parce que je sais plus qui c'était mais il y avait eu un drama à une époque avec quelqu'un dont le script n'avait jamais été pris ou quoi et que MatPat l'avait plus ou moins ghost je sais plus ah il ouais. y, y a eu un drama comme ça à un moment à ma connaissance c'est arrivé qu'une fois donc bon on oublie euh, mais voilà je sais plus avec qui c'était et sur quel sujet c'était je sais plus du tout oublié euh... Mais voilà, tum, tum. je sais pas du tout, euh, Alice. Surtout que je me connais absolument pas en, en Satorni, justement. Mais bon, bref, je disais ça parce que Enzo, vas-y, fais-toi embaucher par MatPat Il m'a même pas dit non, il a juste dit, je... il a rien dit, ce qu'il veut dire, je vais y réfléchir. Enfin, de la justice du vrai monde. Euh, t'as pas fait un post sur le reddit de PetScop concernant les gènes si totalement totalement euh, et je suis toujours d'accord globalement avec ce post et, euh, et les gens sur le reddit de Petscope n'étaient pas d'accord parce que c'est pas leur vision des choses <laughs> mais, euh, mais je suis totalement toujours d'accord avec ce que j'ai dit là et ça me semble extrêmement pertinent mais bon passons euh, après je dis pas que mon interprétation est parfaite je dis que mes critiques de leur interprétation euh, sont valides pourquoi des gens croient que je suis en train de renaître Quoi <laughs> Mais. Avec tout le contexte, Enzoul. <laughs> Quand je vais monter la VOD, Et quelle horreur d'ailleurs. Euh... Oui. <laughs> euh, je vais essayer d'encore plus la raccourcir que la dernière fois parce que trois heures, ça, ça, ça fait beaucoup, mais bon. Euh... Je vais juste mettre cette, im... cette cette phrase sans contexte, Enzoul. Pause du coup, oui, pardon, on traîne à. Pause, et et après, je vous introduirai euh, ce qui se passe euh, dans les épisodes suivants. Euh, on se retrouve tout de suite, vous pouvez continuer de poser des questions, etc. On remontera et on les chopera au passage. Voilà, à tout de suite. Re... Re Re. comme disent les jeunes. Euh, ouais, on était en train d'en parler pendant la fin de la pause là. Euh, Ta question futon 84. Enzoul a un petit peu répondu. On va y revenir un peu plus loin. Et Belle est l'enfant le plus intelligent. Bravo. Vous avez même pas mis Enzoul. Enzoul Kid very smart. C'est toi qui fais des sondages d'ailleurs, du coup, j'ai l'impression, ouais, parce que c'est sympa. Ouais, ça voilà, doit être avec ses pouvoirs de maudit avec ses pouvoirs magiques, ok. Parce que je devais pas, c'est quoi la commande C'est point euh, d'exclamation Paul et deux L non, quelque chose de genre Paul. <laughs> Paul <laughs> euh, parce que je crois, je crois là. que je l'avais pas, euh... ok, ouais, je crois que je l'avais pas avant d'être affilié, donc ouais, c'est pour ça. Avec un slash. Ah oui, avec un slash, je suis bête. Point d'exclamation, c'est avec, euh, avec Nightbot. Okay, avec cool. toutes ces tombes, on est vraiment dans une nécropole. C'est incroyable ça, Enzoul. <laughs> Il ne devrait pas <laughs> nous faire. Euh... C'était pas un, un stand-up. <laughs> 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 ok, ok. mais très sympa. Euh... Alors, on va reprendre. Avec tes deux derniers épisodes, et puis après, je sortirai mon tableau de la mort. Euh, J'espère que vous êtes chauds, il se fait tard, et euh, c'est le moment où nos cerveaux vont le plus griller. On n'ira pas jusqu'à la fin cette fois-ci, du coup, mais, 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 on ira jusqu'à la fin la prochaine fois. Et c'est ça que j'aurais dû te demander en offenzul, c'est est-ce que tu penses qu'on pourrait terminer la semaine prochaine Le jeu. que tu sais qu d'avance pense être en mesure. Et eh ben je vous le reconfirmerai. Après, euh, mais voilà, je, on verra. je reconfirmerai après. mais... 18,27 sur 20, tabla Genzoul. Et eh ben, incroyable. Ah ouais Petscop 20, c'est le bordel. J'aime bien Petscop 20. J'aime bien Petscop 20. Ouais. C'est la fin de ma phrase. Ouais, ouais mais il y a encore des choses à dire, ouais. ouais. Bon. Alors oui, euh, ce que je voulais dire euh, pour contextualiser un petit peu les épisodes qui vont suivre là, c'est que un petit peu tout ce qui va suivre, jusqu'à un certain point du moins... Il euh, y a certains petits. Euh, comment dire Il euh, y a certaines petites exceptions. Euh, mais en gros, ça va être Paul qui, depuis ce menu qu'il a ouvert euh, euh, avec un code, du coup, est toujours en restant dans ce menu. Et donc, j'appuie bien que Paul, euh, in-game, est toujours dans le garage. Euh, depuis ce menu, Paul va euh, regarder des enregistrements. Et vous voyez qu'au début, il est parti tout en bas de la liste et il va remonter progressivement la liste, d'accord euh, Et on va nous montrer certains enregistrements qu'il regarde. Peut-être qu'il les regarde tous, peut-être qu'il n'en regarde que certains, c'est pas trop. Mais voilà, et il va remonter progressivement cette liste. Donc pour le moment, on est dans le dernier cycle de la liste, euh, que je vais appeler le premier cycle, d'accord Si vous me le permettez. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, et je m'expliquerai plus tard sur pourquoi, je vais euh, numéroter les épisodes. Enfin, euh, non, numéroter les enregistrements qu'il regarde, et les cycles, du coup, les passages de 1 à 15 ou de 15 à 1, euh, en gêne, euh, dans le même ordre que ce qu'il regarde. D'accord Donc ce que je vais appeler le premier cycle, c'est ce qu'on regarde en premier, donc c'est celui qui est tout en bas, d'accord, de la liste. Le deuxième cycle, c'est celui du milieu, quoi qu'il en soit. Et le troisième cycle, c'est celui qui va être tout en haut de la liste. Ok Voilà. Euh, et donc il va remonter progressivement là-dedans, et, euh, et ben on va voir ce que ça donne. Petscop 20 Marvin Qui est dans la rotation Quel des nom. démos d'ailleurs ah, Il y bonne a un idée retour en arrière, c'est rien, regardant. vous, vous en faites pas, il y a eu un micro retour arrière. Et... Il y, y a rien, beaucoup d'experts dans le monde de Petscop. Pourquoi Enzoul, est-ce que ça avance toi de, de ton côté l'épisode Là oui. T'es à combien mmh. 9. 9, 10. 10. 10 pourquoi <laughs> J'ai ah oui, revécu ah oui. plusieurs fois la même scène là. <laughs> oh, Garalina penchée comme ça. Ouais. Ouais. D'ailleurs, euh... tiens, je vais le faire remarquer. Ça me fait revenir 10 secondes en arrière, quand je sais ça, sérieusement. Euh, Garalina, je crois que c'est Nightmare Masterclass qui euh, le... l'interprète un petit peu comme euh, un hamson, Le logo, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Euh, moi, je l'interprète plutôt comme une aiguille d'une horloge. S'il faut le surtout euh, avec les comparer derniers. à quelque chose. Ouais. Mmh. Moi, je. Suis, genre, Ce même, gros je là, un là le je compare à une personnelle. Ma propre. Euh, <laughs> tu boulain. vas tenter d'être euh, différent de tout le monde, Enzo. <laughs> bon, enregistrement Marvin. Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est que vous vous doutez que l'enregistrement Marvin, du coup, c'est Marvin qui joue. Et d'ailleurs, c'est Marvin qui commence à jouer. Je m'étais jamais rendu et compte que les trois titres c'est une route. Oui, c'est une oui, totalement. Tu mets en troisième, d'ailleurs. Bon, ouais. Et c'est pour ça que cet livre. épisode, j'ai tendance à l'appeler le, le play coup de Marvin, parce qu'on va suivre Marvin pendant tout l'épisode. C'est là que c'est intéressant. M. Pourquoi MVM. Pourquoi, Pourquoi C'est une question. Celui qui a la bonne réponse, il a gagné. Non. Ouais, euh, vous avez gagné un cookie, je sais pas. Un euh... cookie, euh, incroyable. Non. Euh, MVM parce que euh, Marvin. Ah, Astro GR 80 là, c'est bon. On oui, parce que Marvin. C'est ça. <laughs> euh, v pour euh, Vin. Vendetta. Vendetta euh, aussi. Terrible <laughs> ça. Les lettres qui font poète. Ouais, poète, poète, poète. On est en génération 6 euh, Genesis, oh, qu'est-ce que c'est que des générations, je ne sais pas. <laughs> oh là là. <laughs> oh, pop pop. Oh, oh, quoi, pas, est... <laughs> euh, quoi que ça veuille dire. On oublie. Ça c'est le même texte qu'au début de Petscop, si je dis pas de bêtises. J'ai pas mis les sous-titres. Au secours. Cette porte est fermée. <laughs> ah oui. Je sais plus, si c'est le même texte même, ça. À la salle du pain. Et le même. Euh... Pas du tout. Pas du tout. Non. Amzoul. Non, tu dis des bêtises. Non, tu dis des grosses bêtises ma cartographie n'est pas bonne. Non, c'est la porte qui mène à la salle par laquelle euh, Paul remonte dans Petscope 9. Ah oui... Euh, la salle du peintre, elle est à gauche de la salle de Kerr. C'est vrai, vrai... Il passe direct <laughs> ici. Enfin, il passe direct ici, il y a eu un cut. Je bien d'accord, il se téléporte pas. Je trouve toujours l'apparence de Ronef profondément gênante. Un peu. Il cherche quoi faire Non, Longtemps. Non, non, il cherche pas, il fait le code. Oui, oui, non, mais oui, mais justement. Il <laughs> cherche quoi faire Recording playback. Oh Normal jusque-là, hein, c'est pour ça que je ne fais pas pause. Oui, oui. Ah oui. oui Oh non Oui Qu'est-ce qu qui, qu 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 qui, qui va pas sur, va cette, pas image sur cette image Go Allez, c'est parti. Qu <laughs> qui trouve en premier Renefs c'est Rondis plus Tonef. Euh, c'est une hypothèse qu'on a eu pendant un certain temps, je ne sais pas trop ouais c'est ça trouvé, c'est que la gauche et la droite sont inversées quand on a vu ça <laughs> pour la première fois <laughs> euh, ce, qui est un euh, thème... ce qui fait référence évidemment à euh, confondre la gauche et la droite et ça du coup toute la question c'est si euh, c'est si en fait depuis le début genre quand Paul joue la gauche et la droite ouais. sont inversées depuis toujours et il, il nous l'a jamais fait remarquer parce que supposément il s'en rend pas compte Ouais, ouais. Ou du moins on nous sous-entend que c'est pas important habitué. pour lui quoi. C'est assez ouf. Et euh, ça va avec tous ces thèmes qu'on sait pas exactement ce que c'est. de nos rotation, jours à la droite et la gauche, ça ne veut plus rien de... dire. La gauche la droite. <laughs> Elle ne pas réagir à ce que je dis. <laughs> J'ai pas entendu, j'étais découvert par ma voix. <laughs> je puis peut-être pas. D'accord. Il appuie sur je un truc pique. qui fait doudou. Je sais pas ce que c'est. peu, mmh. Il fait de la musique à nouveau. On Comme voit ça. jamais graphique. Je crois, euh, je crois pas, non. C'est dommage, on aura jamais fait cop en RTX. Et oui, et donc euh, pourquoi <laughs> Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de, 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 de cut de lui dans cette salle qui galère Parce que du coup, il essayait de faire le code pour accéder au New Maker Plane euh, avec les touches inversées. Et il savait pas qu'elles étaient inversées. Oh, Book of Benjamin Vas-y. Non, il le fait pas. Allez! Il est entré dans le Shadow Realm. J'aime pas ces trucs de gauche et de droite, selon comment on est tourné, ça change tout. Pourquoi il y a Marvin en haut? D'ailleurs, il est passé en blanc, là. Il y a une porte. Pourquoi c'est marqué en blanc? Il y a une. Oui, pardon, attends, attends, attends. Il y a une porte quantique. Oui, 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 oui. Faut qu'on parle de ça. <laughs> Donc là, je sais et si pas je suis pas, que pas que une bêtise, attends, attends j'ai envie de chercher, chercher quelque chose en même temps. De la porte qui est à la fois fermée et ouverte. Oui. Mais est-ce que c'est pas aussi, attends, parce que je crois oh. me souvenir de quelque chose dans la petite oh. soundtrack, j'ai peur de confondre. Attendez, excusez-moi, vous avez entendu. Non, un je coup, crois dans que tu dis pas métisse. Cette image, elle est dans la soundtrack, oui. Non, je non pas exactement. Euh, attendez, je me mets le bon thème code dans la soundtrack euh, qui est donc entre guillemets l'épisode 25. Tac, euh, level 2, donc le thème du deuxième niveau, celui qui n'existe pas, va montrer un endroit très similaire. Euh, je dirais sol, même être le même endroit, même sol, même mur. Juste pas la même luminosité, parce que ça c'est un peu la luminosité New Maker Plain, alors que ça c'est la luminosité Give Plain, euh, tout coloré, etc. Euh, pas de lumière, il euh, n'y a pas de source de lumière dans le dans le Give Plain. Euh, la lumière est. Euh... J'ai pas le mot. Euh, partout. <laughs> je sais pas, bref. Mais je Oops. crois savoir ce que ça veut dire, euh... en fait, et si ça se trouve. Et, oui. et je pense que c'est aussi. Euh, du coup, est-ce que ça ne lit pas ça euh, à l'inversion du monde, enfin, à l'inversion de l'ouverture des portes pensé, et du coup au fait parce que le Velvet, de... ouais, vas-y vas-y, le Velvet Paul n'y va jamais, mais ouais. il a quand même la musique et il a la musique quand il est dans ce qu'on surnomme Hot Care, mmh. euh, qui est euh, la version avec les portes inversées, enfin euh, modifiées en tout cas. Du. 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 Ouais, gameplay. Du Et donc, euh, à nouveau, on a cette même idée de portes qui devraient être ouvertes, mais qui sont fermées, ou qui devraient être fermées, mais qui sont ouvertes, euh, liées à Level 2, du coup. Donc pour moi, il y a totalement voyais, un lien. Je le voyais un peu, peut-être, dans un sens de, plutôt de game design. C'est ouais. que quand tu fais le. Quand tu fais le, le, le code, euh, le jeu essaye de t'emmener dans le deuxième niveau et il n'y arrive pas, et euh, à la place, mmh. il t'envoie au New Maker Plane. Euh, Peut-être. Mais, mais, peut mais bon, en tout cas, euh, et s'il y a bien une idée d'inversion du monde des démos et du monde euh, normal, si cette idée-là est oui. valide, euh, je pense aussi que ça s'associe, enfin voilà, que ça associe la métaphore de la porte et donc la métaphore du moulin, avec ça. Quoi que ça veuille dire. Et puis si en plus de ça, il y a un lien avec les coeurs, ben bah, voilà. Mais bon, bref. Euh... Ne nous avançons pas. Les cœurs. Oui. Euh... Attendez, pourquoi Pourquoi C'est bizarre ça. Ah oui, parce que ça. Ok, c'est bon. Non, je comprenais pas pourquoi j'avais ma barre de tâches et en décalé en plus en bas. Peu importe, mais voilà. Je ne vous la mettais pas d'habitude, c'est pour ça. Ah oui, donc euh, je me mets pas en plein écran parce que je sais que je vais devoir faire pause ici. Donc premier passage de Marvin dans euh, le New Maker Plane. Et d'ailleurs non, c'est pas tout de suite, tout de suite que je vais faire pause. Mais le texte est en blanc d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une logique à ça Ouais, il est, dans le... il est en blanc quand on est passé en mode euh, New Maker Plane. Peut-être, ouais, peut-être, ça devait être ça, ouais, ouais, De la même façon que le texte change. Mm. Quand tu es dans le New Maker Plane, le texte est écrit en blanc. Quand tu es dans Even Care, le texte est écrit en noir. On y vient, euh, enfin. Sun Soldier, je vais en parler avec mon tableau. Auto, ouais. Auto, on a changé de, euh, de démo, mais euh, c'est la suite, d'accord ouais. Si je reprenais, comment dire, si je reprenais la liste euh, de tout à l'heure, euh, vous verriez qu'on remonte. Euh, dans la liste euh, et qu'à chaque fois en gros on regarde la démo suivante et donc ça va à la suite plus ou moins on en saute quelques-unes mais euh, voilà là ce que les monteurs essaient de nous montrer surtout c'est que euh, Marvin se balade beaucoup et se perd voire essaie plusieurs fois peut-être je ne sais pas je t'en prie Dark ça fait se poser la question de qu'est-ce qui cause la coupure des des enregistrements des mots ouais. est-ce que c'est juste quand pause. tu livres le game genre quand tu éteins je sais pas ouais. et justement on est passé en Gen 7 ouais ouais pause <laughs> ah ouais t'as fait pause pilo ouais. ok donc on a monté Gen et supposément, là, ce qui s'est passé même, c'est que euh, Marvin a carrément dû arrêter la console et recommencer. Là, de façon assez sûre, parce qu'il ressort de là, euh, voilà. Et il y a un nouveau message qui y apparaît. Peut-être même qu'il a rendu le jeu à Reiner, qu'il lui a renvoyé ou qu'il l'a mis à jour, je sais pas, pour rajouter le message. Pour si on a envie d'interpréter ça de façon euh, non supernaturelle. Voilà. Parce qu'il peut pas update par Internet un jeu de PS1. <laughs> Donc, bonjour Marvin, ici Reiner. Salut Marvin, tu es libre. Tu es libre. libre. <laughs> Ta -ta tu dois être prudent cette fois. Donc il s'est perdu la dernière fois, comme je pas voulu le dire. Si tu commences à courir dans tous les sens sans but, tu vas te perdre. C'est là que va y avoir le truc génial. Un peu plus loin. Un petit peu après. J'écris ceci le 10 juillet 1997. Et Kerr est toujours porté disparu. Et c'est pour ça que je suis contre le fait que rainer ait récupéré le jeu et lui a refilé le disque. Parce que... Il oui. cherche Kerr. Oui. Donc, ouais. le fait qu'il lui donne le disque, c'est un peu chelou, quoi. <laughs> Surtout que après, il va dire que clairement, il n'est pas du côté de Marvin. Il, il la cherche aussi, je crois. Enfin, euh... Voilà. Euh... juillet. Euh, J'ai dit juillet si c'est ça, oui, juillet. Ouais. June, juillet, c'est juillet, juillet, euh, juillet. 10 juillet, qu'est-ce que ça fait par rapport à la note Je peux aller chercher. Non, j'y je, 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 suis déjà, bouge pas. D'accord. Euh, 13 juin, donc c'est un mois après la note. Un peu moins. Ok. Ok. Donc, euh, date assez arbitraire, j'imagine. Nous la recherchons. Ouais, voilà, il la recherche. Le week-end dernier, nous nous sommes presque perdus. Ça, c'est intéressant. Nous nous sommes presque perdus, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ta recherche euh... est plus difficile. Au-delà de ce point, il n'y a pas de repère. Mais ce modèle de bâtiment en briques, bien que grossier, devrait toujours être familier. Hmm. Alors ça, je suis pas sûr. Est-ce qu'il entend par là que c'est une version vraiment encore plus grossière de l'école bah, enfin, Ça fait à référence ça. à un truc lié à l'école, à mon avis. Vu les Quel truc lié à l'école Je ne sais pas, mais lié à l'école. Ouais. C'est un truc que reiner sait et, et commun Marvin, mais que nous n'avons aucun moyen de savoir. Et devrait toujours être familier, ça sous-entend que ça fait longtemps... Enfin, du point de vue Parce... de Rainer, ça fait longtemps que Marvin n'a pas été en contact avec ce type de bâtiment Personnellement, je vois, vois plutôt du cynisme, en fait. Genre, euh, Ou tu bien du dis, cynisme, euh, en effet. Pas... Mais le truc, c'est que, est-ce qu'il est sait que si... Marvin est à l'école Enfin, c'est ça le truc avec la disparition de Kerr, ouais. c'est que... Enfin, vu les bâtiments qu'on nous lit à Marvin, ça me semble assez évident l'endroit où il est pendant que trois mois, quoi. <laughs> je ne sais pas. <laughs> ouais. Mais c'est lié à l'école, ouais, on imagine. Ou bien non, ouais, non. Parce que je, je me souviens ce qu'il lui demande après. Où est ce bâtiment je, je pense que c'est fait pour représenter l'école. Ouais, oui, non, mais ça que je voulais ouais. dire, genre une mmh. miniature, quoi. Ouais. Et du coup, ça lirait le Gif Plane à l'école D'une certaine façon Ça expliquerait pourquoi c'est enfantin, en tout cas. Après, mon autre question. Ok, j'ai un truc à regarder dans Petscop 1. Et euh, je mets toujours en Il y a plein, plein d'animaux qui, y y qui, fait qui fait ça. Attends, Je vais okay. copier le son. Attends, je regarde dans Petscope 1. Euh, non, c'est pas écrit pareil. Ah, si, non, d'accord, si. Non, je dis des bêtises, oui. Euh... Anna dit euh, Nous sommes presque perdus. Peut-être que c'est pas dans un, dans un sens euh, pas littéral. Genre, se perdre, au sens. Euh, perdre qui on est. Là, je... Ouais. Oui, comme quand elle le dit de devenir fou. Attendez, est-ce que pas la Porte... Aucun des deux me paraît. Non. O je aucun des deux me paraît avoir de sens. Ok, je, je, je vais vérifier. <laughs> que ce soit le, le sens littéral ou... Je peut-être du... 9, ce que je cherche ou pas Oui. Je vérifie quelque chose, hein, en attendant. Mm -hmm. Ouais. De hype, vérifier quelque non, chose. parce que tu sais qu'un bâtiment comme ça, il y en a deux en fait. Oui, et puis comme le rappelle l'ange, euh, c'est CD, un CDR, on ne peut pas le mettre à jour. Oui, en plus de ça. <laughs> ouais. Évidemment, en plus de ça. Euh... Hum... Oui, donc euh, des bâtiments comme celui-ci, il y en a deux, Enzo. Il y en a un dans, ouais. dans Petscope 1, il y en a un dans Petscope 9, pour remonter, entre guillemets. Dans Petscope 9, c'est-à-dire... Est-ce que tu as mon stream sous la main Parce que c'est le bâtiment que je montre. Euh, je peux le prendre, c'est juste qu'il a de la latence. Euh, mais normalement, euh, ça doit être ce que je montre. Avec ah moi. oui, d'accord, avec la porte verte et le signe par euh, Ouverte, ouais. ouais. Mais et ici, la sait, porte Dark, est centrée. Est enfin, centrée un peu sur la droite. Vidéo précédente, et on sait que c'est juste un, un CDR, en fait. Oui. Oui, oui on sait que c'est un CDR, c'est pour ça. Parce que finalement, ça détruirait le principe de. Bah de. Tu nous dis un truc. Ouais. Mmh. Paul nous l'affirme en tout cas. Alors peut-être que Paul se trompe, mais euh, on lui fait confiance. Ah est de de ici, je veux que tu trouves fondant. une tombe. Voilà. Mmh. Tu sais de quelle tombe je parle. Elle est certainement quelque part ici. C'est pas indiqué, bien sûr, c'est le problème. Tu es la seule personne pouvant la trouver. Donc, qui parle certainement de la tombe de Lina. Ouais, c'est la seule qui n'est pas marquée. Parce que c'est le, ouais, c'est celle qui est pas marquée et c'est celle que seul euh... Marvin saurait trouver. Ouais, je viens de me rappeler de. La... <laughs> et donc, supposément, ce que Marvin va essayer de faire là, c'est le chemin de l'école à la tombe. On sait que Marvin n'a pas écrasé Lina avec sa voiture parce qu'on sait comment Lina a disparu et c'était dans un moulin. Ah oui. Ça c'est génial. Ça c'est incroyable. Ouais. J'ai augmenté ouais. les, ta vitesse que tu puisses chercher plus rapidement. Et Rainer a vraiment augmenté la vitesse de Marvin. Je crois qu'on le disait la dernière fois, mais vous pouvez revenir dans les épisodes précédents euh, où Marvin apparaît. Marvin court plus vite que Paul. C'est totalement vrai depuis le premier épisode où Marvin apparaît. Je crois qu'il n'y a plus de pause. Mais on va la voir, la tombe en question, je sais plus. Mais t'as fumé Non, non, on la voit pas. Non, mais je savais plus. Ok. J'ai une 8. <laughs> mais en fait. Attends quoi Attends quoi oui, il peut ouvrir, lui. Oui, 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 oui. Il peut ouvrir. Oui, il oui. a des mains. Et c'est pour ça que j'appuyais aussi la dernière fois sur le fait que c'est pas seulement le fait que l'avatar n'ait pas de mains. Oui, oui. C'est oui, aussi oui. le fait que euh, la personne qui joue soit euh... considérée comme un animal. À mo de mon point de vue, enfin comme un enfant. Et euh, ça aille dans la métaphore des animaux de compagnie. Euh, et donc, est-ce qu'on suppose... Oh Vois ces grandes poses, les crayons, <laughs> euh, avec un magnifique coussin rose. Euh, oui, qu'est-ce que je disais euh, Oui, du coup, est-ce qu'on suppose que Paul, même si on va venir aux spécificités de l'entrée du sous-sol, d'accord Est-ce euh, que l'idée c'est que Paul, par hasard, a fait le bon chemin de l'école à la tombe de Lina sans que la tombe de Lina soit vraiment à cet endroit-là, hein. mais elle a fait le chemin de l'école à la tombe de Lina et a trouvé le sous-sol de cette façon. Est-ce que c'est là qu'est le sous-sol En gros, c'est ça que je ouais, demande. Où ouais. Ouais, qu est-ce que... Est que, que, que la tombe de Lina fait... est sur place, quoi Qu'il a fait le bon chemin. À moins que ce soit pour ça que Paul va pas entrer par le même endroit, parce que l'endroit par lequel Marvin entre là, on y vient, serait l'endroit où serait la tombe de Lina, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, je veux dire, dans la... à l'époque de Paul. Mmh. En 2017. Parce que clairement, quelque chose a changé. On va y venir. Il y a eu un cut, là, je considère que c'est un cut carte euh, routière. Est-ce qu'on considère que c'était euh, la map... Euh... Bon, on arrive aux choses sérieuses. Ouais, on a attendu ça pendant. La ans Cercueil. Quand ils seront achevés, ils seront géniaux, ils seront bien, ils seront incroyables. On sait toujours pas ce que ça veut dire. Quiconque les voit est sûr de faire partie de la famille. Hmm. C'est ça que je parlais tout à l'heure quand je disais si reiner fait pas partie de la famille, il peut pas savoir ça pour le mettre dans le jeu. C'est vrai. C'est vrai. Alors. Deux choses. Il y a des doubles, triples sens sur quiconque le voit euh, euh, fait, fait partie de la famille. Euh, deux, un. Disons que l'interprétation de base, c'est euh, ces objets, enfin, qui est mon interprétation, je crois, c'est que ces objets sont liés à la Renaissance. Et que le but de la Renaissance jusque-là, ça a été de faire renaître des gens de la famille dans des gens qui ne le sont pas forcément, pas toujours. Et donc, euh, la Renaissance fait que ces gens partie de la famille donc s'ils voient ça ils font partie de la famille petit 2. Euh, est ce ça que j'en ai trois même expliquer le, quand ceux-ci sont achevés euh, ils seront ouais. euh... aussi ouais. mmh. non en fait j'ai qu'un petit peu de... Je ne sais pas si tu en as trois des interprétations de ça j'arrive qu'à en voir deux à mon avis il y en a plein 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 hein, mais euh... Euh, autre interprétation euh, c'est lié de façon un peu méta ou où... Censure parce que, et cela je vous tease, les objets que vous avez face à vous, c'est les objets censurés. D'accord euh, Et vous allez enfin les voir. Ok Et donc, quiconque les voit fait partie de la famille, ça veut dire que, entre guillemets, dans les épisodes précédents, d'une façon un peu méta, on n'était pas prêt à les voir. Peut-être. Et d'une certaine façon, maintenant, les viewers de la chaîne font partie de la famille. Ou du moins Paul, parce que c'est Paul qui est en train de regarder ça, même si Paul les avait pas encensurés ces objets. Mais euh, de façon un peu méta, maintenant Paul fait partie de la famille, même si... Bon, je sais pas. Peut-être par rapport à l'acceptation de l'identité de Paul. Euh, Roche fait une remarque que je n'avais jamais entendue auparavant. Mm -hmm. euh, Roadmap peut définir l'ordre d'importance pour le développement dans le domaine du jeu vidéo, pour info. C'est vrai. Je sais pas ce que ça voudrait nous dire, mais c'est totalement ça vrai vu que ça. Bah, euh, est un jeu en développement. Mmh. Peut-être. J'ai refait play. Pardon. Alors apparemment il y a un son aigu. Je vais mettre le son à fond, vous m'excuserez. Ouais. Il y a un son aigu. Un petit peu comme un son, euh, ouais, je sais pas, de, de vieil écran de télé, ou enfin de vieil écran tout court. N'essayez pas de déchiffrer ce qu'il y a. Alors, à ouais, euh, tant comment on dire essayait, tant on Le truc, c'est que ça, c'est euh, l'objet censuré qui euh, nous était annoncé comme marqué sur un tableau dans une école. Je sais plus. Ouais. Et qu'on a. Euh, jamais vu. On ne l'a pas encore vu en fait, d'accord Il nous a pas encore été censuré. Et c'est là que c'est vraiment étrange, c'est que. J'ai explosé le focus de, de ma webcam. Euh, C'est que... Euh, ils vont nous être censurés dans tous les épisodes, même des épisodes après celui-ci, mais pas dans cet épisode-là. Pourquoi, voilà. Pourquoi Tout simplement. Et je ne sais pas exactement. Celui-ci s'appelle Cercueil 4. Et il commence par la fin. 5 mots écrits sur un tableau dans le bâtiment sale dans lequel tu habites, donc si il sait qu'il est à l'école, Rainer, <laughs> t'es quelqu'un d'étrange. Peut-être qu'il sait pas où est l'école. Celui-là, par contre, vous l'avez vu <laughs> entre guillemets, ouais. vous l'avez vu dans Pescope 14, censuré au mur. Et euh, Paul les a couverts de peinture, cercueil 3. Après t'avoir chassé de la maison, ta femme a commencé à peindre les murs en noir pour couvrir les pochoirs. Alors. Et c'est là, Enzoul, que j'appuie que Kerr et Pen. Ouais. Ça, c'est des pochoirs. Donc, c'est des, des marques si de mains au mur, les mains de quelqu'un qui habiterait dans cette maison. Mm -hmm. Donc Kerr. Et mm -hmm. moi, pour moi, ça ressemble aux mains de, de, de Pen. Je sais pas, il n'y a, a pas de. Je trouve qu'il y a 10 000 doigts, en fait. Il n'y a pas de 10 000 façons de faire des mains pro. C'est une image floue. C'est une image floue, mais pour moi elle est beaucoup trop large. Sur un écran qui a une sorte de. Et des, de des mains qui blanche. ont cette forme-là, dans le jeu, on a eu que les mains de peine. Il ne faut pas fumer avant le stream. Hype. Non, non, non mais. Recommandé. Mais si, mais des grosses mains comme ça dans le jeu, il n'y a que les mains de peine. <laughs> C'est vrai? Des main... enfin, on voit les mains de KRNLM main marchent aussi, tu as raison. Allez. <laughs> on Mais elles n'ont pas, pas doigt, de doigts, les mains de KRNLM. De quoi? Elles n'ont pas doigt, main de doigts, les mains de KRNLM, si? Non, par contre, c'est factuellement censé représenter les mains de KRNLM. Oui, totalement. Mais <laughs> je te dis que c'est censé représenter les mains de KRNLM avec les mains de peine. Pour bref. Euh, donc bon en tout cas des pochoirs des, des, des mains de kerr ok couvert euh, quand sa femme a commencé à peindre les murs en noir important parce que souvenez-vous que j'ai appuyé la dernière fois sur le fait que quand on la représentait euh, en dehors la maison de, la, la maison de Marvin enfin la maison de Marvin kerr et euh, Anna était verte mais une fois qu'on est arrivé là-bas elle était noire et à chaque fois qu'on a vu la maison, euh, c'était euh, après que Marvin et euh, Anna se soient séparés. D'accord euh, et, donc, et donc, là, ça nous donne l'info que euh, le verre, enfin, que ce soit vrai ou pas, euh, c'est en tout cas la métaphore qui nous est née ici, le verre représente Marvin, et donc quand Anna a refait sa vie, elle a peint le verre avec du noir. Voilà. Et elle a peint également les pochoirs. Et d'ailleurs, pour couvrir les pochoirs, à nouveau, je pense que c'est une métaphore. Enfin, comment euh... je, pense oui, pas de... je pense pas que c'est des pochoirs. Je pense pas oui. que c'est ah des pochoirs. Je pense que c'est des traces non. de couille. Oui. <laughs> <'étais rouge>, <laughs> pour être très honnête. Oui. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Euh, parce que sinon, elle en a rien à faire d'effacer les pochoirs. Et on notera que tous ces objets ont un lien avec le rouge. La couleur rouge. C'est vrai. J'ai aidé. Des... Elle, elle donnait l'impression que c'était urgent. C'est intéressant ça. Ouais. Ce samedi ouais. occupé par le travail, elle a épinglé une note. Mais ligne d'après, je crois qu'on sait de quand on parle, non Est-ce que c'est vraiment un samedi Non non, tu dis des bêtises. Moi je sais de quoi on parle. Elle contenait une liste d'objets. Oui oui, non mais même. Ouais. Elle contenait une liste d'objets. Ouais. Je veux vérifier je sais un pas truc sur qu'on a de ça ou pas. Si, vas-y. OK. Alors, euh, je la version qu'on avait temps. de cette liste d'objets, c'est que c'est précisément la liste des... des objets censurés. Totalement. Les cercueils. Et que c'est pour ça que les, euh, la famille sait à l'avance ce qu'il faudra qu'elle censure. Euh... Non, je dis une bêtise. Ok. Non, ma question c'est si ça correspondait aussi au soir non, je euh, pas. de l'enlèvement de Kerr. Mais euh, c'est un, parles... un je... jeudi. Je crois que si tu fais ça, tu effaces la timeline en fait. tu Écoute, tu... Euh, je fin... fais ce que je veux, d'accord Ah Ah Ah, mais non Le Dorito originel. Le Dorito originel. Euh, ce que vous venez de voir était bel et bien la grande pyramide rouge, avec la tête de Kerr dessus. Pendant que je peignais euh, la maison en noir, je regardais Kerr danser, danser dans toute la maison. C'est là que ça fait peur. Ah oui. Elle aimait tourner. Elle était devenue floue, comme une toupie. Mais dans ce flou, d'une certaine manière, alors qu'elle tournoyait, de 45 degrés à 90 à 180 à 360 à 720 à 1080, à 1440, à 1800 à 2160, s'enroulant, se contractant, se contractant. J'étais paralysé de pure horreur et de dégoût. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'ai une idée. C'est la 4K, ça Tu te rappelles de mon idée ou pas Oui, mais je pense que je suis d'accord, non Tu te rappelles très bien, oui, oui. Bon. C'est que euh, la pyramide qu'on tournoie, on ouais. la trouve dans la chambre de Lina. Ouais. Et dans la chambre de Lina, la note de Rainer nous dit que il sait qu'en euh, qu gros que Kerr c'est la renaissance de Lina. c'est lina Il ça le formule ouais. euh, vaguement comme ça. Quoi, mm -hmm. Parce qu'il a trouvé la preuve. Il a trouvé la preuve. Et dans cette même chambre, on trouve du coup une pyramide rouge qui dans représente Kerr qui dansait. Mm -hmm. Et là on sait que quand il a, quand elle, il a vu danser, euh, il a ressenti de l'horreur. Ouais. Après, qu'est-ce que veut dire ça Cette, -ce que euh, veut cette dire danse. Danser, oui. Alors ben, déjà, cette avis... danse semble être représentée par la pyramide, parce que supposément, je sais pas, quand qu'elle danse, elle ressemble à la pyramide. Du coup, en tournoyant. Oui, parce c'est tournoyant quoi. Euh... Mais euh, deuxièmement. Euh... Et puis avec Lina, il y a des. Ça Kairdance, semblerait être lié à Lina et à la Renaissance. Ouais. Peut-être qu'à en... ce moment-là, euh, Rainer en effet comprend euh, ce qui est en train de se passer. <laughs> Enzo, Mais oui, en effet, je détruis la timeline, tu as raison. C'est pour ça que je détruis la timeline, c'est que pour que Rainer voit ça, il faut que Kerr ait pas encore été enlevé. Ouais, 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 ouais. À moins que ça se passe après que Kerr ait été enlevé. Mais quoi qu'il arrive, ça détruit la timeline. Bref. Dernier objet, et par déduction, vous devriez savoir plus, ce que c'est. Ce dernier, il est trop encore plus la timeline, je crois, oui. C'est l'objet qui était sur le, la commode dans la, fin sur la table dans la chambre de Paul. Et chose que j'ai à vous faire remarquer, alors déjà, bon, c'est un peu raté. Pourquoi il a mis un tournesol Je sais pas. Ça devrait être une marguerite. Une, euh, si, si, parce que les pétales sont jaunes, peut-être. Ah, c'est une marguerite jaune. C'est pas un tournesol. C'est plutôt malin. Admettons. Deuxième chose, là, il y a quelque chose. Vraiment, en bas, il y a quelque chose. Mm. Cercueil 1. Et d'ailleurs, est-ce que euh, si on les met dans l'ordre 1, 2, 3, 4, c'est pas l'horreur d'apparition euh, dans, dans, dans la, la partie de Paul euh, le... Rappelle-moi, c'était quoi avant la pyramide euh, ouais. Solves. Si, c'est l'horreur d'apparition dans la série. Oui, ouais, ouais. Si, c'était les pochoirs. Ouais. Tu as montré à Kerr son reflet rouge et flou dans le vase. C'était ça, vous qui avait dans le vase. C'était le visage de Claire déformé. Euh, mais du coup, Paul n'a pas le droit de montrer ses objets au public sur sa session, mais il a le droit de les montrer sur la session d'un membre de la famille. Euh, peut-être. Peut-être que c'est ça. On ne sait pas. Je ne sais pas, franchement. Hein. Mais je Ou sais alors, pas pourquoi. Il y a peut-être quelqu'un proposé l'idée que ce soit lié au fait de reprendre le contrôle de la chaîne. Peut-être quelque chose comme ça. Je ne sais pas à l'écran. Mais ce serait bizarre, non, vu qu'après, il y a le, une autre censure plus tard. Tu <laughs> as dit. Donc Marvin, Aker, tu as vu ça Regarde comme tu es moche maintenant. Ouf. Aker <laughs> plissa les yeux. Le reflet n'était pas du tout net, mais comme tu as commencé à déclencher ces effroyables déformations, elle commença à aller voir. Hmm. Bah, Marvin euh, n'aime pas ce qu'il voit. Non, bah, bah Marvin, ouais, 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 Marvin, ouais, Personne ne veut te voir comme ça, tu dis. Mais elle s'est vite échappée. Et courageusement rentrer chez elle. Et d'ailleurs, Marvin peut bouger pendant les textes. Dans le miroir de sa salle de bain, elle a vu une image nette. Hmm. Ça, c'est intéressant parce que tu peux l'interpréter à la fois de façon pessimiste et optimiste. Moi, je l'interprète vraiment comme euh, le moment où elle refait sa vie. Ouais, ouais. Et justement, l'épisode suivant va aller dans ce sens-là aussi. Et, et Même si, bon, c'est lié à la Renaissance, mais c'est ouais. cette remarque. Dans la salle de bain de la maison, il, dit, il y a un miroir dans lequel Paul se regarde. Oui, et il est vert. Donc peut-être que c'est oui. pessimiste. Je mais sais pas. pas. <laughs> euh, comment il sait tout ça, Rainer Il sait. Et là, là, on part sur un autre angle d'attaque, encore, euh, qui est... Euh, Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut croire Rainer Jusqu'à quel point est-ce que Rainer euh, ouais, ouais. déforme pas euh, la vision des choses Enfin déforme plutôt. Et, euh, et voilà. Après, une solution pour qu'il voit ça, c'est peut-être euh, ce qu'on a vu dans l'épisode. Euh, pas le précédent, celui d'avant, le Moonwalk. Euh... Ouais. C'est vrai, mais après, le truc, c'est qu'après. dans. Je suis pas sûr qu'il récupère la chaîne, en fait. C'est ça le truc. Dans, dans PetCop23, il recensure un truc, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Même Et si. pardon, il faut que je précise un truc. Techniquement, ce qui est, qui est non, pas non, ça pas. évident à ce stade-là, ouais. mm -hmm. c'est que ici, ce sont tous les objets censurés d'importance. Mais ce ne sont pas tous les objets censurés. Il y en a un autre qui apparaît dans Petscope euh, 10 ou 11, je crois. C'est pas un objet. Il pose la question pas un objet, de l'un de qui sommes-nous, je mmh. crois. C'est euh, une information euh, plus qu'un objet, je dirais. Mais sans donner plus de détails, cet objet-là est probablement censuré, non pas parce qu'il est lié à la famille, mais parce qu'il donne un autre type d'information. Totalement. Il donne une information probablement de positionnement physique. Et donc ça a été censuré. Mais de la même façon, euh, Enzoul, le numéro de téléphone est censuré. Oui, oui. -S -S oui bien sûr. Ouais. Donc tout ce qui est information un peu plus personnelle et trouvable euh, IRL, euh, supposément, euh, est généralement censuré. Des lieux. Ah. ah Pourquoi ouais. lieux pas... Attends. Parce que... L'autre, c'était roadmap, roadmap avant Parce oui, que c'était avant qu'il y avait roadmap. On est d'accord que ce panneau, il décrit ce qu'on va voir sur la droite, là, en fait. Enfin, à partir oui, de là. Ce qui veut dire que qu sur la droite, c'était. Euh... Roadmap décrivait peut-être. Non, parce qu'il y avait casquettes entre deux. Attends, on est à 11.53. J'ai besoin de revenir en arrière. Non, trop en arrière. Un peu plus. Un peu moins. Euh... Non, mais on ne sait pas ce que ça décrit, roadmap. Attends, c'est où Là, ouais là. Ça n'écrit rien du tout. Ouais, ouais ça décrit du, ça décrit du vide. Est-ce qu'il n'y a rien entre les deux Ok. 11-13, j'ai dit. 12. Oula, je à 12, 50. Je vous spoil, je vous spoil. Tiens, pouf. Ok, continue. On était plus qu'à 11-13. Hein. C'est un mensonge, j'ai mal retenu. On était là. 53, peut-être. Ouais. Pause. Je sais pas si vous voyez immédiatement ce que c'est que ça. Oui, ou comme le dit oui, euh, peut-être que roadmap peut euh, c'est la totalité et c'est en deux sous-parties. Donc casquettes et. Euh, mmh. Peut-être à ça. implémenter dans le jeu. Mmh. Ah, tu voudrais dire ah, que peut-être ouais, euh, il a pas encore ouais. implémenté les cercueils, il a pas encore implémenté les différents lieux qu'on va voir. Je sais pas, sur le moment. Et peut-être même, ça expliquerait pourquoi les trucs disent. C'est ça, Sofiane ouais, ouais. Ça. Parce qu'ils sont implémentés. C'est l'autre côté de euh... non, Let's go. Euh, De la salle où il y a le gâteau. Alors sans le gâteau pour le coup. Mais en gros, là, vous avez une espèce d'ouverture de... dans le mur, avec derrière le banc. Et donc, si on regardait de derrière le banc, ben c'est ça qu'on verrait. Sans voir la salle derrière, qui manifestement n'est pas éclairée. Mais voilà. Et on le sait parce que ça va réapparaître. Et donc, euh, c'est intéressant parce que oui, c'est un lieu un lié à l'INA. Du coup. Et c'est là que vous allez comprendre autre chose. Est-ce que vous savez où on Après. est là <laughs> Pendant que Marvin s'est barré. On est là. Et donc voilà sa maison en vert. Et c'est pour ça que dans Petscop 5, vous êtes... non. 6 7 Il y a Marvin qui entre par un passage. 8 8 Je suis arrivé. Euh, non, pouf, pouf. Marvin part contre le mur ici. Parce que de son point de vue, là il y a une ouverture. Et là vous voyez qu'il monte parce qu'il a pris les escaliers qui sont au bout par lesquels ils sont arrivés. Parce que pour lui. Pour lui, pour lui, ce chemin qui est à droite n'existe pas. Lui, il a un chemin à gauche. Et donc, supposément, il joue plus ou moins dans une version différente du jeu, ou bien ce qu'on voit, c'est des enregistrements de ses anciens mouvements, etc. La maison. Euh, c'est un autre enjeu, ça, Naskai, en effet. Euh, sur. Euh... Ouais. On n'est pas sûr, non. Pour répondre simplement. Je ne suis pas ouais. pour qu'il y en ait plusieurs, mais on n'est pas sûr. Et c'est une proposition relativement courante. L'école. J'ai eu super peur. tu fait, sais, j'ai compté les fenêtres. Ouais. Mais ça va, il y en avait 16. Il n'y en avait pas Pourquoi 15. Ah d'accord. Oula. Oh oui, ben oui, mais oui, mais il y en avait un nombre père, oui. Et le moulin. Pareil, euh, j'y viens juste après euh, ces épisodes. Ah, ah oui, le cut. Dire. Ah oui, il est ouais. puissant quand même. Cut <laughs> sur Marvin qui regarde la tombe de Mike. Moment de culpabilité. Ah oui, pire que ça, oui. Le texte reste. Ouais. C'est la totale culpabilité qu'il suit. Et là, pour moi, c'est alors que j'étais en train de me dire que, si ça se trouve, Michael n'avait aucun rapport avec Marvin. et ben non, en fait. Non. Là, c'est bien la preuve définitive qu'il est en lien avec Marvin. Là, c'est le poids de ses péchés. <laughs> ouais, sino, sur son sinon, dos. Il ne voudrait pas montrer les péchés rampant sur son dos. Ouais, c'est ça. <laughs> On a eu un cut là où il y avait pas la Quitter's Room. Il y avait pas la Quitter's Oui, non, oui, c'est ça. Oh, ah, oui. c'est pire que ça. La Quitter's Room n'existe pas parce que Belle n'a pas encore joué au jeu, donc il n'y a pas besoin d'une salle où la mettre. Euh, et tout le rouge se trouve au bout de ce chemin. Parce que pourquoi pas? Marvin va euh, passer un mauvais moment. Futan qui dit « Du coup, l'ami de Paul a des souvenirs. Euh, euh, pourquoi l'ami la de Paul a des souvenirs de ce passage ?» J'aime la personne euh, qui a traduit ça, parce qu'elle a totalement perdu. <laughs> euh, elle a totalement compris pourquoi perdu. La personne qui a traduit ça. Il commence à écrire quelque chose. Did you dit Et il efface. Et donc, donc supposément, là, euh, il allait dire « à... Did you dig, Lina ?» As-tu déterré Lina Et il se corrige et il va dire, As-tu trouvé Lina Relativement glauque, mais voilà. Ouais, creusé. Ah, mm. oh, oui, ça me rappelle Il y, à... y a un peu un double le... sens avec, As-tu creusé le sujet Mais voilà. Mm. Ouais, oui, à chaque fois. On prix, sait ce qu'il veut dire. Je ne sais pas. <rire> <rire> J'aime bien imaginer tout le qui se dit, Plesse, pourquoi tu me poses ce genre de questions <laughs> Est-ce que c'est là qu'il pose la fameuse question Oui. Qu'on ne va oui, pas oui, oui, expliquer oui. Autrement que. Euh, la mafia. Non, là, on ne va rien pouvoir dire, hein, je pense. Si, si, on peut. Si, si, on peut. Non, mais on peut, on peut dire des choses rigolotes. On peut teaser. <laughs> qui est ton traduit par patron, pourquoi pas Ouais. Ou ton boss, ou ton. Mais c'est en masterclass. Pour une intéressante que c'était probablement volontaire d'utiliser le lexique du jeu vidéo. C'est vrai. Mais c'est la mafia. Ouais. Ouais, 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 ouais Non, mais c'est Marvin ça, qui cherche fait. la mafia. Ouais. C'est la mafia. Bon, pour qui bosses-tu Et donc, supposément, il pose ses questions à Reiner. Hein. C'est pour ça que euh... le fait que. Euh... Ah. Et que... ça, ça me perturbe. Ça te il perturbe. qu'il faut lui poser cette question. Pourquoi il serait ça Un être humain normal ne, ne, ne penserait pas... Et lui on lui poser répond qu'il a l'endroit vert. On est en 97. Non, attends, je dis une bêtise, il y a eu un cut. Tous les pas au ah ouais bout du chemin qu'il y avait. Non, non, il est bien dans sa bonne salle, tout. Parce ah qu'il oui, y est. Il, vrai, il y, y a, y a eu un cut. Il y a eu un cut qui était... <laughs> il a oh des non. options encore inversées que Paul n'avait oui. pas. Oui. Alors, il a des options... Et il peut tourner la caméra. C'est ça. C'est Ce ça. C'est pour ça que j'ai pas expliqué la caméra. La première fois. Euh, je le cache là. Excusez-moi. Attendez. Je vais juste m'inverser juste pour ça. Enfin, le désinverser plutôt. Tac. Donc vous voyez qu'il a haut, pardon, on ne va pas souris. haut qui est en bas et bas qui va en haut et tourner. Et en gros ça c'est des commandes pour déplacer la caméra. Et c'est pour ça que je n'ai ah, pas expliqué la caméra parce que dans sa version du jeu du moins ou à son époque, Marvin peut bouger la caméra. Et il va falloir que je fasse autre chose immédiatement. Que je mette le son à fond. J'ai fait une bêtise, j'ai avancé. Tout va bien. Nous voilà. vous, vous avez rien vu. Est-ce qu'on va les entendre C'est tellement faible. Je sais pas si vous les entendez, mais c'est très 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 faible. Je vais vous chercher la vidéo qui les euh, augmente après. Et je vais rebaisser le son. Ah non, pas Mais fait, en gros, quand bêtis, il se rapproche du les ciel. Les touches ne sont pas inversées. Oh. Oui. Attends, 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 la forme attends, des attends, attends, attends. Haut et bas sur ma PS1. Ah, c'est vrai Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. oh, c'est vrai. Eh ben, on est bêtes. Ouais, ouais. <laughs> c'est totalement vrai. Euh, on va y revenir, Sofiane. Ouais, en effet. Bien joué, euh, l'ange. Bien joué, bien joué. Observez bien ça, et c'est mon moment préféré, je crois. <laughs> Est-ce que je dois vous expliquer ce qui vient de se passer là <laughs> euh, Marvin peut contrôler la, la hauteur de la caméra, du coup et donc là, souvenez-vous que Paul avait dit que la caméra était alignée avec la salle de Toul, avec l'écran de... où il y a la projection. Euh, et il se trouve que Marvin peut baisser la caméra en dessous du sol. Si bien que là, il est en train de filmer la salle où il se trouve, où est projetée <laughs> l'image de ce qu'il filme. On peut repasser ça, on peut totalement repasser ça si tu as envie de mieux le voir. Ça. En gros. Ah, et c'est là que ça va être terrible aussi. Ouais, 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 ouais j'ai pensé. Là, pas il, il passe à travers pensé. le sol, il filme l'écran sur lequel se projette ce qu'il filme, en gros. Et là, là c'est la. Pardon, je monte avec maman. Là, c'est la limite de l'écran, en gros. Et donc, euh, il filmait ce qu'il filmait, ce qu'il filmait, ce qu'il filmait, ce qu'il filmait. Et vas-y, Marvin, détruis mon esprit. Il tourne la caméra. avec enfin, On a tous eu peur la première fois qu'on a vu ça. Ouais. Et là, il y a un bloc. Fais pas pause tout de suite. et il a tonnette la boucle est bouclée <laughs> oh, j'avais oublié <rire> ok! <rire> Je crois qu'on a perdu tout le chat. <laughs> Be beaucoup de choses à dire. Quoi <laughs> Vous avez oublié où on se trouve, c'est tout. Vous, vous suivez pas. Vous suivez <laughs> pas, c'est votre faute. Non, c'est faux. Tout, tout le monde s'est posé la question la première fois. Non, Alors, <laughs> par où on commence Souvenez-vous, on va commencer par la fin parce que je ne ouais, sais pas ouais. si je leur parle de Ronette. De Tonette, tu veux dire De Tonette. Ben, c'est trop beau. J'ai énormément de choses à dire sur Tonette, mais c'est tellement beau que je ne sais pas si je le garde pour, pas pour le MBT. Oui. Mais j'ai envie d'en parler d'un autre côté. Bref, <laughs> euh, vous avez oublié où on était On est dans. Je vous rappelle que Paul regarde des démos depuis. Par des le... enregistrements, mais oui. Oui, des enregistrements, ouais. qui peuvent être des démos, depuis le menu dans lequel. Euh, euh, le menu qu'il a atteint avec le cheat code. OK. Euh, et donc, à tout moment, il peut faire pause. Pourquoi pas Parce qu'en gros, son écran de jeu est remplacé par euh, l'enregistrement qu'il regarde. Donc il fait pause et hop, ça ouvre son écran de pause à lui. Et ça met, euh, met l'enregistrement en pause. Là où Tony est un petit malin, c'est que, comme de par hasard, il nous a fait faire euh, une pause de la part de Paul au moment où Marvin fait pause également. Marvin fait pause. Donc vous avez une pause dans la pause. Il y a un autre moment comme ça qui est absolument horrible, avec potentiellement une erreur, mais on y viendra dans PetScope. Euh, euh, remarque qu'on n'a pas fait pardon, de tout l'épisode, il fallait que je précise maintenant. Le playthrough oui. de Marvin n'a pas de pièce. C'est vrai. Il n'y a aucune pièce. Il n'y a aucune pièce, et, ça a y a aucune aucune pièce et, et de suite. deux, il commence probablement avec, euh, avec tonette immédiatement. Enfin, euh, je suppose. Peut-être. J'ai peut-être une autre interprétation que tu peux comprendre. D'accord. Ok. Tu, tu vois, oui. Que. Oui, tu vois bien sûr. C'est possible. Je... Pas que, que c'est possible de l'avoir pour lui. Non, je, je pense qu'il y a un autre moment où il est possible qu'il l'ait obtenu. Et euh, je pense que si je le dis comme ça, tu vois peut-être de quoi je parle, hein, de ce qui s'est passé dans cet épisode. Non. Non. <laughs> non. Je vais te dire ça en MP. Vas-y. Oui, ça et pardon. Alors bête... ensuite, le message. Your butt leaves the cavity in the chair. Euh, qui... qui a été traduit ou qui n'a pas été traduit euh, Mais en gros, euh, tes fesses euh, laissent une cavité dans la chaise. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Là, ça s'adresse à Paul. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est assis devant, euh, devant sa télé en train de jouer depuis très longtemps. Voire même, on parle peut-être de la chaise de la Ghost Peut-être. Ouais, 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 ouais. Peu importe ce que c'est la Alors, Ghost qu -ce Room. Qu'est-ce que tu m'as parle de la chaise de la Ghost room. Vu que la dernière chose qu'on a vue de Paul. Enfin, c'est dit gros Je pense qu'il l'aurait eu là. La dernière chose là... qu'on a vue de Paul, c'est quand il s'est assis sur la chaise de la Ghost Room. Je sais pas s'il l'aurait eu là parce qu'il y a rien qui s'est affiché. Non, il y avait le shipping de Bottle à ce moment-là. Non, pardon, je parlais, euh, je parlais euh, Enzoul, de ce que tu ah m'as envoyé en MP. Pardon. Mais je pense qu'on peut le dire, hein, non De quoi Ce que tu proposais, là. Ah oui, d'accord. Euh, oui. Enzoul proposait, du coup, que euh, Marvin ait possiblement obtenu Tonnet euh, quand il regardait la tombe de Mike, sachant qu'on lit Mike à tonnette Dans notre nouvelle euh, Pet J'en doute parce qu'il n'y a rien qui s'est affiché à ouais, notre ouais. connaissance. Non, mais. Mmh. Après, d'un autre côté, on ne sait oui. pas trop comment il s'est débarrassé du texte de la mort de Mike. Ouais. <laughs> Exactement, Nelson. <laughs> comment il s'est débarrassé du corps de Mike aussi Attends, quoi Allô Hein Quoi <rire> <rire> euh, Et c'est la fin. Oh, bah, je fais des bêtises en plus. Non, je fais des bêtises. Oui, Belle avait aussi. C'est la fin de l'épisode. Et tu encore seulement encore oui. sur une chaise C'est important les y a -il chaises. Y a-t-il encore une chaise Attends, sinon il fait quelque chose. Il va dans le sound test. Ah non, il retourne. Dans... Oui, non, parce qu'il retourne dans mm -hmm. le menu, j'imagine. Et il va lancer une autre démo. Paul, Paul. Ah, une... un autre enregistrement. Ouais. Ça veut dire qu'il va refaire le code. Ben, ça veut dire qu'il refait le code à chaque fois. Ouais, j'imagine. Est-ce que ça oh, le fait sortir mal. du menu à chaque fois Ou en fait, bien peut-être qu peut que son son test est remplacé par euh, le nouveau menu Peut-être. Peut-être peut aussi. Si ouais. ouais. Reiner est gentil. Euh, L'autre truc euh, qui, dont il faut qu'on parle. Est-ce que j'en parle ouais. Le bloc. Je pense vraiment que j'en parle pas. Ouais non, on va, on va laisser un peu de surprise. <laughs> la surprise du chef, on va dire. Écoutez, je vais dire quelque chose quand même. Euh... Je vais pas aller dans les détails de ce que je pense, de ce qui se passe là, mais... Depuis le début, on nous dit que Tonnet n'est pas encore implémenté dans le jeu. D'accord Cependant, euh, tout comme tous les autres animaux, et il ne l'est pas parce que Marvin euh, au moins, euh, est dans qu par l'a. D'accord Au Et d'ailleurs, c'est comme ça par Ok euh... Cependant, je pense, et c'est mon hypothèse de base là, que malgré tout, Tonette avait une salle prévue dans Evencare dans laquelle devait se trouver son énigme. Petit 2. Quelle serait cette salle Il y a deux salles non utilisées. Il y a celle par laquelle il remonte dans Petscope 9, qui est celle qui est vide, qui est au-dessus de l'entrée. Euh, et il y a l'autre dans laquelle euh, Mike a commencé dans l'épisode euh, 17, quand il a récupéré son œuf là, euh, et où il y avait la peinture et le chevalet. Ok? Pourquoi tout ça est important Parce que celle avec la peinture et le chevalet, c'est celle qui a ce logo. Ok et qui n'a plus la peinture et le chevalet dans la dernière version du jeu, si j'ai je pas de bêtises. Hein, on va retourner dans PetCop 1 vérifier. Mais tac euh... tac 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 tac. Pour, tak, pour te blan... répondre vite fait, Vajranoid parce qu'on a déjà répondu plusieurs fois à la question. Il y a pas l'option quit game un... parce qu'on est en démo. Oui. Quand on regarde une démo, c'est un enregistrement. Du coup, forcément. Il si, y, y a toujours la peinture, mais il y a plus le chevalet. Ok. Euh, pourquoi est-ce oui, que tout ce que je dis là est important? Parce que mon hypothèse est la suivante, et je ne vais pas m'étendre plus que ça, d'accord. Pour le reste, ça attendra le MBT. C'est que l'énigme de tonnette devait se trouver dans cette salle. Vous voyez, c'est le, euh, le même symbole. Mais plus ou moins volontairement, et à nouveau, ça pose la question de jusqu'à quel point la présence de Marvin et le fait qu'il est honnête et volontaire de la part de Reiner, euh, ce n'est pas ce qui s'est passé au final. Et à la place, il y a une sorte d'énigme, entre guillemets, alternative pour obtenir tonnette pour Paul, parce qu'au final, il résout une sorte d'énigme pour l'obtenir. Et cette énigme est liée euh, à cet emplacement, à la caméra qui regarde le moulin, et à, Paul, euh, et à Marvin qui va euh, déposer tonnette, permettant à Paul de le récupérer. Donc en gros, si vous voulez. Euh, Jusqu'à un certain point, soit Reiner, soit le jeu tout seul, mais c'est une autre hypothèse. C'est réparé et a créé une énigme alternative pour obtenir Tonnet autrement en servant de Marvin. Et on retombe sur la question de est-ce que Marvin est conscient, est-ce que c'est juste des enregistrements et jusqu'à quel point il fait partie du jeu tel que Paul doit le jouer. Et en plus derrière, si on veut aller encore plus loin, est-ce que Paul était censé jouer au jeu, etc. Voilà, j'en dirai pas plus. Il y a un tas d'autres choses à dire là-dessus pour le prouver. Euh, c'est super intéressant, notamment avec le chevalet. Voilà, j'en dirai pas plus. Euh, mais voilà. L'autre truc que je voulais peut-être regarder, c'est Petscop 20. Euh, est-ce que je vais le trouver si je fais ça Oui. Les voir. Ouais. Alors, notez que les sous-titres que vous allez avoir, c'est l'interprétation de la personne qui a fait cette vidéo, mais c'est les voix qu'on entendait tout en haut, au-dessus du moulin, et on va pouvoir en dériver certaines choses quand même. Voilà. Ça, c'est une version euh, son montée à 300% de, euh, de ce qu'on a entendu tout en haut au-dessus du moulin, quand la caméra est montée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en déduire Principalement que euh, c'est un accent euh, anglais, si je dis pas de bêtises. Euh, de petite fille. Et donc euh, c'est la même voix que Claire qu'on avait entendu avec le oh uh oh et le bye bye. Bye bye. Et donc c'est Claire qui parle. Pourquoi est-ce que c'est là euh, Tout comme euh, l'autre épisode où il y avait des voix, euh, j'en ai aucune idée. <laughs> Au-dessus du moulin, dans le ciel, je sais pas. Dans le paradis. <laughs> ouais, je je sais pas trop. Dans le paradis, il y a des petits enfants. <rire> <rire> et euh, j'entends en effet le What you look like. Enfin, si vois what you, what you le like Je euh... n'entends pas spécialement N now, même si ce serait intéressant. Ce serait si, bah bien intéressant. sûr, N now, mais bien sûr que si. Ah ouais Mais c'est le même. Si, si, alors. N now, il est totalement confirmé. ouais, oh, attends. Ok. Ouais, non, ouais. 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 Parce que, parce que justement, il va être utilisé plus loin, N now. Ah ouais. Ouais. Mais. Ouais. Pour... What you look like, et là j'entends un petit deserve », donc mérite. voilà on entend en double. Ouais, non, mais je sais, c'est parce qu'il est trop fort. Donc voilà, et le What you look like, du coup, ce serait en rapport avec le vase. Avec ce que Marvin lui dit. Après le end now, ça vient de l'appareil d'Oli. Comme vous avez déjà écouté le trailer de Breath of the Wild Non, mais je cherche le vrai ouais. c'est <laughs> c'est tout un truc quand on essaye d'écouter euh... mesdames ah. et messieurs on va passer au meilleur épisode Vitré par euh, moi-même musique de fond level 1 comment est-ce qu'on le gère cet épisode Enzoul. on le gère pas on le diffuse on le diffuse et, après, et, et on tait. Hein. observez attentivement le meilleur épisode de la série mesdames et messieurs Care, dancing sign. La description de cet épisode dit The Sign. Ce qui veut dire le signe et la pancarte. Il y a un double sens à nouveau. Ah on a un retour arrière. Ça y est, je suis encore bloqué dans une bulle temporelle. Ah oui, non mais je suis vraiment bloqué dans une bulle temporelle, mais c'est terrible Avance oui, moi aussi. Allez Tu gâches euh, ce chef-d'oeuvre <laughs> le chef d'œuvre, le magnum opus est en train d'être. La plus grande œuvre chaud. de Tony. Care Dancing Sign. Quand tu veux. Regardez euh, la précision de ses mouvements. L'aérodynamique totale de son corps. <laughs> Ses gros pieds et ses grosses joues. Vertes. Incroyable. La grâce du caribou du Saint-Laurent. J'ai envie de me suicider. <laughs> Enzoul, veux-tu faire la renaissance maintenant <laughs> J'ai vu cet épisode une fois en entier. Ouais. Après, je crois pas. Avant ah, nous ta vie, Enzul. ton a, ressenti. Mais... Qu'est-ce que tu penses de cet épisode Quelle est ton histoire avec cet épisode De l'effroi. L'effroi <laughs> Non. <rire> tu te rappelles quand des gens pensaient que c'était la fin de Petscope à ce moment-là <laughs> <laughs> Ah non, non, par contre, moi, ça, je l'ai pas cru. Faut <laughs> <peut> pas déconner. <laughs> On finit pas sur un épisode troll quand même. Mm -hmm. Vous avez remarqué ces sous-titres comme je les ai bien gérés aussi. C'est quand même incroyable la finesse hein de la langue anglaise qui a été respectée Mais, mais même euh, chaque, chaque, petit, chaque petite courbe de toutes les lettres. <laughs> mais quel un... ah <laughs> Ça fait Pescop 1 aussi. Il y a on aucune faute Captain GG, c'est peut-être le seul épisode où il y a pas de faute. Ça fait à toi. 1 aussi. Mais je me suis permis de me réserver Pescop 1 et celui-ci. Ouais. Parce que celui-ci, tout le monde le voulait. <laughs> C'est quand même incroyable. Non bon, est-ce qu'on pousse la blague jusqu'au bout ou... Euh... <laughs> Je pense qu'on peut s'arrêter là. Mais on arrive à la fin, on remarque. Hein. Non. Bon. Ouais. Si tu veux, on peut commenter par-dessus. Ouais. Euh, Pardon. C'est pas ça ton commentaire aussi. <laughs> bon. Non. Alors... Il faut qu'on parle. Cet épisode est légèrement plus intéressant que ce que vous pouvez penser. Oui, là, là vous devez penser qu'on vous a totalement trollé, que Tony vous a trollé sur toute la langue. Et je, je crois me souvenir que des gens étaient vraiment énervés par rapport à cet épisode. Oui, mais surtout ceux qui pensaient que c'était la fin. Oui. <laughs> euh, il se trouve que c'est un épisode extrêmement intéressant. Mais vous ne le savez pas. Oui, ce sera le dernier épisode de la soirée. Ce sera le clair. dernier épisode de la soirée. On ne peut pas euh... se permettre d'aller au-delà. Oui. Non, on Pourquoi est-ce que cet épisode est si intéressant Parce qu'il se trouve D'accord Que euh, cet épisode Est parfaitement synchronisé Avec une musique pop euh, Des années 90 je crois Qui s'appelle The Sign Et que je ne vais malheureusement pas pouvoir vous jouer en stream Et ça je suis vraiment euh, outré parce que sinon, sinon mourir. on va se faire tuer. En mais mais, 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 mais c'est un banger, donc, euh, donc je suis vraiment triste. <laughs> donc, euh, je vais vous mettre dans le chat, si vous voulez aller la voir en même temps qu'on continue de parler, euh, le lien vers une vidéo où euh, les deux sont euh, synchronisés. Voilà, je vous le mets là. Sachant que forcément, Voyez si est est un petit comment peu. les gens ont su ça Parce que dans la description de la musique, et une de main, la, la vidéo, bon, figure-toi. Il y, a le, il y avait écrit, comme on l'a dit, The Sign. Qui Et il y a, a un musique. triple sens là-dessus, sur Card Sign, parce qu'en effet, elle danse autour de panneaux, Sign. En même temps, elle parle d'un signe, Sign. Et en même temps, c'est par rapport à la musique The Sign, qui parle d'un signe aussi, mais voilà. Pendant que. les, les, les ça y est. Non Quelle erreur du joueur français L'ange <laughs> <rejo> <laughs> euh, Vous, vous, vous spam euh, la vidéo. Voilà, et je suis vraiment triste de ne pas pouvoir euh, vous la mettre. Cependant, je peux peut-être aller chercher les paroles. Ah oui, ah oui, ah oh oui, les paroles. <laughs> euh... Voilà. Alors, je vais vous les traduire euh, à la française. Euh, choc, je ne sais pas pourquoi choc, je sais pas s'il y a vraiment choc. Choc. Euh, j'ai eu ou j'ai obtenu une nouvelle vie. Euh, tu me reconnaîtrais à peine. Je suis tellement euh, satisfait, heureux. Euh, comment est-ce qu'une personne comme moi pourrait... Euh, care. Euh, euh, Avoir de l'attention. Ouais, toi. ouais. S'intéresser à toi. <laughs> euh, pourquoi est-ce que je m'embête euh, quand tu n'es pas le seul pour moi est-ce que assez est assez Et c'est là qu'on arrive au refrain. Euh, j'ai vu le signe, euh, et ça a ouvert mes yeux, j'ai vu le signe. Euh, la vie est demanding, euh, exigeante, euh, sans compréhension, c'est comme ça que je le traduirais. J'ai vu le signe, ça a ouvert mes yeux, j'ai vu le signe. Euh, personne ne te traînera. Ne te, ne, ne, ne te relèvera je sais pas euh, pour obtenir une nouvelle lumière ou euh, ou où, euh, où tu devrais être bon ça c'est moins clair les traductions littérales euh, mais où est-ce que tu devrais être justement <laughs> T'as rien à faire là et bon après on part dans les machins c'est surtout c'est surtout le refrain qui est important donc pourquoi pourquoi cette musique pourquoi cet épisode en gros, globalement, ce que fait euh, Tony ici, c'est qu'il nous lie une musique, thématiquement, à euh, ce qui... Euh, à, à l'histoire euh, de caire, et en particulier c'est une musique qui parle d'obtenir une nouvelle vie, justement, c'est les premières paroles. Euh, et, et donc, dans le, dans le contexte de caire, de la Renaissance, et du fait de lâcher une relation toxique, ce qui, pour le coup... Et peut-être plus une, euh, une euh, référence à Marvin dans le contexte de Kerr, mmh. même si elle fait ça sous les yeux de Marvin, j'imagine. Et donc, euh, et donc, c'est globalement le message qui est transmis par là, c'est que Kerr est en train de danser euh, à sa renaissance et à sa nouvelle vie, au fait qu'elle passe à autre chose. Cependant, vous voyez que Kerr tourne autour des panneaux dans cet épisode façon ce que faisait Paul euh... oui c'est ça à chaque source de scène et tourne autour d'un panneau ouais. sachant que c'est aussi ce que faisait Paul pour faire apparaître les euh... les les promptes euh... les, de... les les boîtes de, te... les, oui, boîtes de, de questions les questions euh, et c'est aussi où est-ce qu'on l'a vu euh, c'est aussi ce qu'elle a fait pour faire apparaître la tombe de Lina. en marche arrière euh, et donc par extension, euh, c'est possiblement exactement ce qui faisait peur à Rainer, avec la pyramide. Au final, c'est un petit peu la conclusion à laquelle on arrive, c'est que la pyramide, le fait de tournoyer sur soi-même, in-game en tout cas, c'est peut-être représenté par ça. Et justement, c'est aussi ce que faisait Kerr quand elle dansait IRL devant Rainer, ce qui lui a fait peur. C'est qu'elle s'est mise à danser The Sign et donc à célébrer sa renaissance. Alors, peut-être pas non plus l'ange. Je... <laughs> et donc voilà. Est-ce qu'on va plus loin que ça, Enzoul Je sais pas, tu voulais parler de l'anque. Ouais, sauf que je me souviens plus exactement de l'anque. Bah, en gros, c'est que euh, sur, le, sur le corps de. Je vais essayer de chercher des. Sur le corps du gardien, il mmh. y a une sorte de rayure bizarre et. Euh... Je sais pas si. Oui, l'angle est écrit comme ça, oui. Ouais. Euh, en gros, le euh, signe. On n'est pas sûr, mais, mais certains ouais. pensent que. J'ai un poste. Euh, c'est censé représenter le hiéroglyphe qui indique quoi déjà La Renaissance, je crois. Ouais. Je crois que c'est la Renaissance, ouais. Ou la ouais. naissance tout court. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le symbole de. Il signifie, le... il signifie du, du groupe. Ça veut dire de... La vie, d'accord. De... Du groupe euh, qui a fait cette musique, Ace of Base, est euh, avec un espèce de truc communieux qui ne sera pas sans vous rappeler soit le symbole qu'il y a sur euh, le Guardian qui pourrait aller dans le sens euh, Newmaker et c'est pour ça que je le mentionnais tout à l'heure Enzo euh, ouais. soit l'œil de euh, Hudson ouais, ce qui ouais. irait dans le sens Lena après l'œil de je crois pas vraiment mais <laughs> est-ce qu'il y avait pas autre chose avec le Jed c'était quoi le Jed quoi That's the jet kid. Il y avait un truc. That's the jet kid. Tu te souviens pas de ce même Je sais pas de quoi tu parles. Si, totalement, je l'ai. C'était ça. <laughs> Une carte -Oh. Non, 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 non. <laughs> euh, Pourquoi est-ce qu'il le liait au jet Parce que après, les gens sont partis sur les symboles égyptiens. Et qu'un euh, autre symbole égyptien, c'est le Jed, euh, qui est un symbole de stabilité et de renaissance euh, dans certaines parties de l'Égypte, parce qu'il faut savoir que euh, l'ancienne mythologie égyptienne dépend pas mal de, euh, oh ouais, de l'endroit en Égypte où on était. Mais voilà. Et donc, il lit ça, ce coup-ci, au, au, au corps du Guardian. Mais voilà. Ouais, bon, bon on a vu, comme, comme on disait dans le premier live. Euh... Petcop, euh, parfois c'est de la surinterprétation. Aussi, ouais. <rire> <rire> Il y avait des gens qui disaient aussi que le New Maker Plane ressemblait à l'avion des Pet Shop. Tais-toi, -tais tais-toi, <laughs> tais-toi. <laughs> Enzul, t'as dans, dans sa ligne de mire. Il va te détruire <laughs> à présent. Bon, euh, est-ce que je passe Tu voulais passer. Est-ce que, est que vous êtes encore chaud Est-ce que vous êtes encore chaud pour que je termine sur le plus compliqué. De toute façon, je le retraiterai dans le MBT, hein, ce que je vais vous dire là. MDR non, dit Nelson. Oui, il <laughs> y a des gens chauds. Écoutez, si vous êtes plus chaud, vous pouvez aller vomir dans un coin de la salle. Euh, dans les sauts prévus à cet effet. Tu <laughs> vas aussi m'envoyer le tableau en MP. Je vais totalement faire ça. Et euh, merci Ezador pour ton prime. Euh, voilà pour toi. Je vais regarder au passage ce que Dark m'envoyait il y a au moins une heure. Oui, il y a une heure. Oui, c'était sur les censures. Euh, sur pas les, les censures. C c pas ouais, une on l'avait plus ou moins vu. Ah bon on Ah oui, regardes... en effet. Oui, en effet, le on premier n'est pas bon. Euh, je regarde juste euh, s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut. S'il n'y a pas des infos sensibles sur ce document. Parce qu'en gros, c'est un grand... C'est un tableau, enfin c'est un Excel, mais euh, je ne sais plus comment ça s'appelle quand c'est Excel sur euh, Google Drive. Euh... Un spreadsheet. Euh... Et en gros, il y a plein d'infos de un peu tout. Mais non, je crois que c'est safe. Donc je vais vous le mettre là. Alors, il euh, va y avoir plusieurs choses. Forcément, je vais dépasser sur des trucs qui ne sont pas ceux dont on parle. Donc ce qu'il y a sur la droite, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, mais euh, si vous voulez le regarder, vous pouvez le regarder. De toute façon, ce document est totalement, euh, euh, totalement libre euh, d'accès sur, euh, sur, sur le Discord. Dans le channel Petscop, il est épinglé, ça s'appelle Petscop Chart. Et du coup, c'est le document où euh, je regroupe tout. En haut, vous avez une timeline supposée des épisodes. Euh, ici des choses sur euh, les différents joueurs, on y viendra peut-être. Ici c'est toute la partie musique, on la détaillera peut-être euh, quand on parlera de la soundtrack. Et donc là c'est la partie par laquelle j'avais commencé, c'est-à-dire euh, les démos. Est-ce que non je peux pas si. Non, pas du tout. C'est pas c'est pas ça que je voulais faire. Ok, tant pis. Incroyable. Euh, non mais je peux vraiment pas zoomer. Ok, tant pis. Incroyable. Allez. <laughs> euh, donc, j'espère que vous pouvez bien le voir. En gros, ce que vous avez là, c'est une liste de tout, euh, de toutes les démos euh, de la liste que Paul a passée dans PetScope 17. D'accord. Donc euh, lui, il l'a passée dans l'autre sens et c'est ce que je vous ai dit, c'est que moi j'allais l'inverser. Il a commencé par Family 3. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'autos. Je n'ai pas noté tous les, tous les enregistrements qui s'appelaient autos. J'ai juste mis le nombre qu'il y en avait. 4 autos à la suite en gène 14, puis 1 auto en gène 13, 9 autos en gène 12, etc. Ok. Et donc après, on arrive dans ceux qu'on dénonce euh, Larry, Kyle, Kate, Joël, Jessica, James Watt, Jack, Hollande, Henri, Fatima, etc. Euh, dans cette colonne-ci, vous avez les gènes. Euh, donc 1, 2, 3, 4, etc. Jusqu'à 15, et vous voyez qu'on fait trois cycles. Il y en a une où on va 1 à 15, ensuite Family, une à 15, Family 2, une à 15, Family 3. Et dans la dernière colonne, non, dans l'avant-dernière colonne d'ailleurs, vous avez l'endroit où c'est stocké. c'est stocké sur le CD, c'est-à-dire partout. c'est-à-dire toutes jusqu'à la gène 8 de, du troisième cycle, de ce que j'appelle le troisième cycle, où c'est sur la memory card, carte mémoire, MC. Contrôle et plus pour zoomer. Ok, ça, ça fonctionne. Je faisais contrôle souris, mais le truc, c'est que. Ouais, il y a un équilibre à trouver. Mais merci. Euh... Tac, tac, tac. Et donc, dernière colonne, même si ce n'en est pas vraiment une, les épisodes où euh, ces enregistrements apparaissent. Ou du moins, euh, quand tous les enregistrements n'apparaissent pas. Par exemple ici avec PetScope 19, PetScope 19, Paul nous a montré sort test et le dernier, le dernier enregistrement qu'il nous a montré c'est Bell 3. Donc j'imagine qu'il a regardé tous ces enregistrements euh, dans la durée de PetScope 19. C'est juste qu'on a eu des cuts ou qu'il ne les a pas tous regardés quoi. Ensuite PetScope 20 donc Marvin, c'est là où on s'est arrêté. Il a regardé Marvin 5 autos en Gen 6, il y a 4 autos de plus qu'il n'a pas regardé, un euh, auto en Gen 7. Et voilà. Et ensuite, Petscop 21, c'est Cardensing Sign. Quand c'est en gras, qu'est-ce que ça signifie C'est là que j'ai oublié. Qu -ce... Quand c'est en gras... C'est qu'on les a vus. Peut-être. Mais je ne sais pas pourquoi lui est en gras, parce que lui, je ne crois pas qu'on l'ait vu. Ou bien j'ai fait une erreur. Si je crois que j'ai fait une erreur, écoutez. Il faudra que je corrige ça. Pescope 20, ça va jusque là. Parce que on, a vu, on a vu un enregistrement en gen 8 Donc ce qui est en gras, c'est les enregistrements et euh, fond gris. Ou pas. Si gras et fond gris, c'est les enregistrements qu'on a vus. Et après, ce qui est en couleur, c'est lié à la couleur du personnage quand on a une couleur associée à ce personnage. Voilà. Ok. Maintenant que je vous ai expliqué comment on lit... Euh... Fallait écrire un lexique, oui bah écoute. <laughs> euh, mais si, mais regarde, il y a un lexique, c'est juste que je suis complètement stupide et que je suis pas allé le voir. Bold recording scene, <laughs> mc memory card. Voilà. Pourtant évident. <laughs> Vous pouvez me taper. Hein. Ah ouais. Vous On avez totalement voir. le droit de me taper. <laughs> euh, alors. Donc, je vais faire plusieurs choix ici. Non, je vais commencer par vous parler de la façon dont, euh, généralement, tout ça est interprété, et en particulier euh, sur ce que sont les gènes. Oh oh. Dans la théorie commune, dirons-nous, c'est-à-dire euh, ce qu'en pense euh, le Reddit de petscope d'accord, la commune Reddit de petscope les gènes sont un quantificateur de la version du jeu. Quand le jeu est en gène 1, il n'est pas dans la même version que quand il est en gène 2, en gène 3, etc. Et petit à petit, le jeu a été amélioré. Je crois qu'ils ont tendance à avoir une vision plutôt euh, non paranormale sur ce sujet-là, et de dire que le jeu a été patché. Mais on peut aussi l'appliquer de façon paranormale en disant que le jeu se patche de lui-même ou quoi, et évolue. D'accord Je crois que ça, ça dépend de l'interprétation personnelle, vraiment. Ouais, Pour... franchement. Mmh. Euh, ils ajoutent autre chose, cependant, assez souvent, qui est que chaque cycle, tel que je les appelle, les passages de 1 à 15, provient d'un disque différent. Ça, c'est un deuxième niveau qui peut être ignoré, mais voilà. Alors. Je vais aller dans l'ordre avant de m'avancer là-dessus. C'est pas cette interprétation qui me semblait la plus populaire. C'est pas okay. cette interprétation qui te semblait la plus populaire. Après peut-être que ça a changé. Selon eux, il, il me semble que, la plus, que, que ce qui revient le plus souvent, c'est que à chaque fois que ça reboucle, Rainer reprend le jeu. OK. Je suis déjà plus d'accord. Je suis déjà le plus d'accord, mais OK. Les enregistrements. Mmh. OK. Euh... Admettons, en tout cas, pour vous justifier le fait que le jeu évolue de gêne en gêne, c'est juste que c'est ce qu'on observe. Si vous vous souvenez bien, alors, c'est pas parce qu'on observe que c'est forcément ça, je vais y venir. Si vous observez bien, sort test, c'est le premier qu'on a regardé, c'est celui qui semblait être le plus rudimentaire, niveau, euh, niveau euh, version du jeu. Euh, pour rappel, c'est celui où il n'y avait pas d'animation, pas de collision, où il n'y avait même pas de map construite, il y avait juste des éléments. Mike 2, c'est le deuxième plus alimentaire, il n'y a toujours pas d'animation, toujours pas de collision de mur, mais ça y est commence à y avoir des salles. Ker euh, un peu plus avancé, belle euh, à peu près même version, Phil et Humber et belle Humber 2 et Bell 3 également. Et ensuite quand on avance euh, Marvin ça y est le jeu commence vraiment à ressembler à quelque chose. Euh, Car dancing sign on voit pas la différence avec le jeu actuel. Euh, et ensuite, euh, quand on va arriver dans Petscop 22, et surtout, euh, et surtout quand on va avoir la confirmation que, euh, en gros, quand Paul joue, c'est par là, voilà, dans ces dans derniers. Tout... En fait, pour faire simple, Paul joue quand on est sur carte mémoire. Tous les enregistrements qui sont sur le CD sont sur le CD. Tout ce qui est sur la carte mémoire, euh, c'est dans la sauvegarde de Paul. C'est ce qu'il va rajouter. Donc, c'est pour ça. Donc, Paul est dans toute cette partie-là. La fin. OK Et donc, quand on arrive à Paul, eh ben le jeu ressemble à ce qu'il ressemble aujourd'hui. OK. Moi, j'ai un problème avec cette interprétation. Parce qu'elle me semble biaisée dans le cadre où, euh, en fait, elle ne se sert quasi que du premier cycle. Si vous regardez, et pour cause, euh, on n'a jamais vu ce qui se passe dans le second cycle. Genre, vous le voyez là sur le côté, j'ai mis aucun épisode. Il n'y en a aucun qui est en gras. On n'a jamais vu aucun des enregistrements du second cycle. Et dans le troisième cycle, on en a vu un seul. Enfin, on en a vu un seul de confirmé. Il y en a d'autres qu'on a vu, des démos, mais on ne sait pas exactement de quand elles viennent. Elles viennent probablement de par là, mais on ne sait pas combien c'est. Euh... Et c'était dans Petscop 22. Et sinon, c'est ouais, le jeu ressemble à ça maintenant. D'ailleurs, je n'ai pas remarqué. Et donc, le en fait. Qui est totalement dominé par euh, Belle. J'y viens. <laughs> J'y viens. Okay. Okay. Euh... Et donc, en fait, je suis d'accord sur le fait que, en effet, euh, la gêne a l'air de représenter ici, au moins indirectement, euh, l'évolution du jeu. Mais on peut le prouver que pour... pendant le premier cycle. Les autres cycles après, bof. Et en fait, deuxièmement. Je suis pas forcément d'accord que le fait qu'on avance dans les gènes et que, comme de par hasard, euh, le, euh, le, le jeu évolue veuille dire que à chaque gène le jeu euh, change de version. D'accord Pour moi, en fait, tout ce que ça veut dire, c'est que, enfin, si, si, si je veux être extrêmement euh, objectif sur la question et extrêmement euh, comment euh, minutieux, euh, très conservateur sur euh, sur euh, les pas que je fais dans, 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 dans mes conclusions, euh, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que la gène 1 vient avant la gène 2, qui vient avant la gène 3, qui vient avant la gène 4, etc. Et qu'en en fait, l'ordre chronologique des enregistrements, c'est ça. Au moins au sein d'un cycle. Je vais venir à, au reste après. Euh, au moins au sein du premier cycle. Et donc, oui, en effet, euh, quand, euh, quand j'avance de gènes, le jeu évolue mais parce que le temps a passé peut-être que c'est parce que peut-être qu'on change de gène parce que euh, de génération donc parce que généralement on le on, le, on dit que c'est une génération peut-être que euh, la génération a changé parce qu'on a changé de version du jeu mais peut-être que autre chose a changé et ça a changé la génération et il se trouve que vu qu'on est plus tard dans, dans l'année ou j'en sais rien ou dans le développement et ben voilà c'est une autre version du jeu et en particulier, j'observe particulièrement ça sur euh, Petscop 20, parce qu'en en effet, ouais. entre la Gen 6 et la Gen 7, il y a un changement, c'est-à-dire qu'il y a le message de Rainer qui s'ajoute. Mais encore une fois, on a dit que ce n'était pas forcément logique que Rainer ait récupéré, le jeu, ait récupéré le jeu entre deux. Mais ensuite, entre la Gen 7 et la Gen 8, je ne vois aucune différence. Pareil, euh... non, on reste en Gen 8 ensuite. Mmh. Voilà. Et pareil quand, parce que je suis assez persuadé que Paul a joué sur plusieurs gènes différentes, pareil quand Paul va jouer sur plusieurs gènes différentes, je ne vois pas la différence. Le jeu n'a pas changé. Merci. Ou pas que je sache. Donc voilà. Qu'est-ce que dit le chat déjà Notamment. Euh... FFF, oui, FFF. Notam notamment. Euh... Okay, après je sais là, pas ce que toi tu penses ouais. de... je sais plus si toi ce que tu avais déduit la dernière fois c'était les diffs qui sont associés aux gènes ou pas enfin dans mm. la maison quoi mm. mais euh, cette idée qu'on avait trouvé que peut-être que Paul était joué en gène 11 je sais pas ce que ça signifie euh, qui pourrait oui. aller dans contre la théorie populaire qui serait dans la version finale je vais revenir à ce que tu dis je vais juste parler d'autre choses. Avant. ouais ouais donc là, en fait, ce que j'ai prouvé, c'est uniquement que pendant le premier cycle, on était en chronologique. Et probablement que pendant les autres aussi, d'accord Parce que c'est comme ça que les gènes doivent fonctionner malgré tout, Il doit y avoir un lien avec euh, quelque chose qui se... une chose qui se passe les unes après les autres. Voilà. Euh, c'est tout ce que j'ai prouvé. Par contre, j'ai pas prouvé que le premier cycle venait avant le deuxième cycle, qui venait avant le troisième cycle, etc. Merci euh, Rouge 13 pour tes trois bits. Euh, les gènes ne seraient pas des modifications in-game, par exemple, quand Paul, dans la maison... Justement, je vais y venir, ouais. Mmh. Ça peut être des modifications de choses qui se passent in-game. Et je vais venir à ce qui a été longtemps ma théorie, et je n'en sais trop rien maintenant. Ok, donc j'ai prouvé que, au sein d'une même gène, euh, au sein d'un même cycle, les gènes venaient les unes après les autres. Je n'ai pas prouvé que les cycles venaient les uns après les autres. Et c'est pour ça que je parlais de l'idée qu'il y ait plusieurs disques. Euh, et en particulier la théorie sur ce point-là, qui n'est pas forcément la plus admise, du coup, d'après ce que dit Yenzul, c'est possible, euh, c'est que la première gêne, au final, si vous regardez un petit peu les enregistrements qu'on a, sort test, test 5, ensuite Mike, Mike 2, Mike 3, Mike 4, Mike 5, euh, Robbie Lucas, Amber, James, euh, Roby est nouveau, Daisy, Megan, Ryan, Nathan, Philippe, enfin Nathan, Philippe, Phil, pourquoi Philippe <laughs> euh, mmh. Tout ça, c'est des noms de randoms, et il se trouve un peu plus tard, et euh, vous l'aurez remarqué si vous regardez un petit peu ce qui se passe à droite, euh, c'est plus que probablement le nom des bêta testeurs. D'accord Donc en fait, toute la gêne 1 ici représente, au moins dans les premières gènes, la période où le jeu est en bêta test. D'accord Et ce, jusqu'à Will. Et d'ailleurs, on peut peut-être voir... Euh... Ouais, plusieurs phases de bêta test. Il y a une phase où c'est surtout Mike, il y a une phase où il y a un, une première euh, volée de testeurs et ensuite d'autres. Ok. Ensuite arrive la Gen 6. Et là, encore une fois, je parle uniquement chronologiquement, donc là je peux retracer les événements. Là on est avant euh, 1997. On est en euh, 95, 96, 94 peut-être même. Là on arrive en 97. Mi-97, Marvin a le jeu. Ok on avance, on avance, on avance. Marvin a le jeu, il a enlevé Kerr. Kerr joue au jeu aussi. Kerr Dancing Sign. Ensuite, boum, on arrive à, la, à Family. Ok. Family qui peut représenter également, thématiquement du moins, le moment où euh, Rainer donne le jeu ou les enregistrements à Noël, à la famille, justement. Donc ça pourrait être fin 97. Ou en tout cas, je vais avancer un truc, c'est que c'est avant 2000. Mais bon, passons. Ok. Ensuite, si on passe en cycle 2, parce qu'au final, c'est comme ça que je vais le prouver, que les cycles vont l'un après l'autre, c'est juste que ça marche. Belle 4. <laughs> Belle 4. Elle avait déjà fait Belle 1, 2 et 3 pendant les bêta tests. OK. Plan d'auto. Tiara. Ceci. <laughs> et Family 2. Qu'est-ce qui se passe ici Moi, ce que je lis ici, c'est ce qui nous est raconté dans Petscope 12, l'épisode de Belle. D'accord C'est-à-dire que Belle joue au jeu avec Reiner. Reiner essaie d'y faire Renette Tira, donc il appelle un enregistrement Tira. Il se rend compte de sa bêtise. Mais c'est trop tard. Et Noël 2000. Et donc, ce que je vous ai dit là, c'est que le premier cycle finit en 97. Le deuxième cycle commence euh, courant 2000 et finit en 2000, fin 2000. Troisième cycle. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Jusqu'à jusqu Gen 7, je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'est parce que des autos, d'accord Ça veut aussi dire que personne ne les a renommés, donc personne n'avait accès au jeu. Et on sait que Paul a joué par le passé au jeu avant de nous faire son Let's Play. Donc, je suppose. Que c'est peut-être ses parties précédentes où il a essayé différentes choses et où ça l'a mené à rien. Mais, 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 c'est sauvegardé sur le CD. Ce qui peut faire penser que, alors, à moins qu'à nouveau le CD arrive à se graver tout seul, un peu l'idée quand même, <laughs> euh, ça peut faire penser que, euh, que peut-être c'est autre chose. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. On sait aussi que euh, l'ami de Paul a vu quelque chose avant 2004. Pour des raisons qui seront obvious un peu plus tard, je ne pense pas que c'est ça. Mais voilà, pour le moment, on peut l'avancer comme hypothèse. Et, et donc, à partir de la G8, c'est Paul qui joue. Jusqu'à peut-être Family 3. Et la question c'est est-ce qu'on a atteint Family 3 Enfin, si, on a dû. Ok, et donc, et donc à partir de là, là on est en 2017. Enfin là je peux vous je peux l'écrire. Non je peux pas manifestement. J'ai le verrouillage numérique d'activer, ou ça se passe comment Non. Ça veut pas que je le modifie. Ah oui, parce que je ne suis pas en. J ai, j ai, j ai pas, je ne pas connecté sur le bon compte. C'est ouais. Ouais. normal. Ok. Pas de soucis. Ouais, 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 ouais. Non, mais vous en faites pas. Donc là, on est en 2017. Là, on est en 2000. Euh, et là avant on est en 97 et, euh, et moins. Ok, donc c'est pour ça que je pense que... Euh, voilà, c'est pour ça que moi je n'adhère pas à l'idée qu'il y ait plusieurs disques, bien que ça va dans l'idée du multijoueur et du fait que, euh, que Marvin et Belle aient leur propre, euh, aient leur propre copie du jeu. Euh, c'est parce que ça marche sans, tout simplement. Et donc quand Paul ouvre la liste des, euh, des démos, euh, elle est en ordre décroissant. Ça commence par la dernière démo enregistrée et ça descend jusqu'à la plus ancienne. Bien. De là où je vais. En gros, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire qu'au final, ce dont je me rends compte, c'est que, au-delà du début où on parle de bêta test, le premier cycle, il se termine plus ou moins quand Marvin. Arrête de jouer au jeu. Avec euh, Noël 2000, euh, 1997. Le deuxième cycle, pour le coup, il se commence quand euh, Rainer commence à essayer de faire de la renaissance. Et il se termine quand il échoue. Parce que je pense que c'est ce que veut dire cet enregistrement-là. Malgré qu'on ne le voit jamais, malheureusement. Et troisième cycle, ça. À un moment Paul se met à jouer, peut-être que ça commence avec Paul qui se met à jouer, j'en sais rien. Et en tout cas, ça termine avec les choses cheloues qui se passent dans Petscope 16. Ok. Et c'est là que je le relie à la, à la théorie de, euh, de, de l'aspiration. Parce que c'était l'idée à l'époque. Ouais. ouais. C'est que du coup, Family. Ça résonne particulièrement avec n'importe qui qui verra euh, ses cercueils fait partie de la famille. C'est l'idée de faire partie de la famille. Et donc, à chaque fois, moi, je liais family à l'aspiration du joueur actuel. Et donc, c'est aussi pour ça que. Euh, parce que c'est assez bizarre ça dans Petscop 12. La façon dont Rainer dit. Euh, J'ai échoué la Renaissance, mais c'était trop tard. Peut-être que c'était trop tard parce que c'est lié. À l'aspiration. Et, euh, et, et il dit aussi, enfin euh, voilà je, je t'ai fait une place dans le jeu, etc. Bon, bref. Ouais. Et il a créé la Quitter's Room pour ça, blablabla. Euh, et donc, Family représenterait. Parce qu'au final, au final, vous remarquez que ces trois cycles sont liés aux trois joueurs qu'on a euh, aux ouais. trois joueurs Marvin, qui, ont un, qui, ont un, un, qui sont liés au Guardian. Euh, Marvin, Belle Bell, 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 Paul, comme tu dis. Ici l'aspiration de Marvin, ici l'aspiration de Belle, et ici l'aspiration de Paul. Voilà, ça c'était la théorie. Et ensuite sur l'augmentation des gènes, euh, j'avais deux hypothèses. Euh, je ne sais pas si je j'y crois aussi. Si, non, attends, non, je, je vais faire une parenthèse sur ce dont on parlait plus tôt. Euh, pourquoi les gens n'adhèrent pas forcément totalement à ça C'est à cause de l'histoire des disques dont on parlait la dernière fois. Dans Petscop 11, vous savez, vous avez 14. Dans Petscop 14, vous avez les euh, disques dans la chambre des parents. Et euh, le disque 8 est un peu spécifique. Et il y en a 15. Et c'est pour ça qu'en rétrospective, les gens liaient pas mal ça. Et d'autant plus qu'on sait dans Petscop 22 que Paul a joué à la gène 8. Les gens liaient ça aux gène en disant, il y a 15 gènes, il y a 15 disques. On voit que le disque 8 est spécial. Donc, Paul est en, est en Gen 8 à ce moment-là. Sauf que... C'est là que c'est compliqué. Euh, c'est pas possible. C'est <laughs> pas possible parce que... Je vais pas vous spoiler énormément Petscop 22, mais euh, on a... On regarde l'enregistrement Auto B4 machin truc, et il se trouve, et vous pourrez aller vérifier dans la liste, et je, je revérifierai parce qu'on ne va pas descendre toute la liste officielle parce que j'ai pas noté tous les autos là, donc je ne peux pas euh, vérifier. Mais il se trouve que cet enregistrement-là, c'est le dernier de la Gen 8. Or, on sait que cet enregistrement est avant Petscope 11, qui lui-même est forcément avant Petscope 14, qui est celui où on voit la Gen 8. Et donc, euh, un enregistrement suivant, et sachant qu'on sait qu'il y a eu d'autres enregistrements, parce que souvenez-vous que dans Petscope 14, Paul n'arrête pas de regarder ses propres enregistrements où il rentre dans la chambre. Mais que jamais le disque, en ge... euh, le disque 8 ne change. Et donc, ce qu'on en conclut, c'est que dans Petscope 14, Paul ne peut pas être en gène 8. Et donc, c'est pour ça que je m'intéressais au truc de la gène 11 la dernière fois. Même si, et c'est là que je retombe sur mon idée de comment est-ce qu'on monte de gènes, j'avais deux solutions. Soit ça se lie à cette histoire de ne pas éteindre la console, à savoir qu'on monte de gènes à chaque fois qu'on éteint et qu'on rallume la console. Pourquoi pas Soit ça se lit et on nous a, a coupé pas mal au cœur. Et le problème, c'est que mon histoire de on est en gène 11 euh, ne peut pas aller avec les cœurs. Et je me demande si on a assez d'enregistrements en gène 11 d'ailleurs. Moi trois. je me disais alternative. Moi j'y crois pas trop. On en a que 3 en gène 11. Après, ça me paraîtrait super bizarre si voilà. c'était le cas, mais moi je me posais surtout la question de euh, comment est-ce qu'on baisse de gènes étant donné. Fin, Comment on explique le fait que, outre le fait que bizarrement, ça, ça aussi c'est étrange, mm -hmm. le fait que Paul ait un paramètre pour changer de gène pour chaque enregistrement. Oui. Ça c'est bizarre. C'est très je bizarre. D'accord. Et je me dis aussi. Et c'est pour ça euh, que comment... pour moi les gènes. Attends, pardon. Les gènes, je les associais en effet à une version du monde, d'accord, euh, de Pescope. Mais justement, littéralement, à une version du monde de Petscop, pas à une version du jeu. Du jeu, ouais. À une ouais. version de l'ouverture et des fermetures de portes. Et c'est pour ça que je m'ouvrais, quand on parlait de Petscope 14, à l'idée qu'il n'y ait pas un monde des démos, mais qu'il y ait plusieurs mondes des démos. Et en l'occurrence, 15. Et euh... enfin, 14. Moi, je me... Un normal, je de... 14 démos. Outre ça, je me posais davantage la question de pourquoi au bout d'un moment ça reboucle, quoi. Enfin, pourquoi il y a des fins de cycle et je m'étais dit une solution un peu euh, bête. Euh, toi, tu dis euh, ouais. peut-être qu'on. Euh, enfin, euh, même je l'avais évoqué tout à l'heure, euh, peut-être qu'on change de gène en éteignant la console. Mm -hmm. Alternativement, peut-être qu'on arrête la progression. Peut-être qu'on revient à 1 quand on éteint la console. Mais ça voudrait quand même dire que euh, mm -hmm. chaque joueur n'a pas éteint la console depuis le début de. <laughs> ça ferait bizarre. Même Entendez. si le jeu il est, il est oppressant à ce niveau-là, ça me paraît très bizarre. On mm -hmm. verrait quand même. Outre l'idée... Ah non, pardon, fallait que je réponde à Guylian, j'imagine, avant. Euh, je ne pense pas euh, que ce soit une explication valable, parce que euh, normalement, de base, les, gé... les, les démos qui se réaffichent doivent être dans leur gène initial, supposément. Euh, et c'est seulement si Paul les regardait manuellement dans le menu qu'il a débloqué ensuite qu'il pourrait modifier la gène associée, à mon avis. L'ange dit quelque chose d'assez juste, qui est du coup que si on a une version du monde, par exemple, mm -hmm. par, euh, par gène, ouais. euh, ça s'explique que des personnes qui soient dans des versions dans des gènes différentes ne voient pas la même chose. Par exemple, ouais. euh, Marvin qui fonce dans un mur, euh, dans sa version Donc, du jeu, Paul fait... dans la sienne, il n'y a rien. Ouais, malgré le fait que je. Mou... Enfin, ça, pour le coup, je voyais ça plutôt comme euh, une modification du jeu, direct. Ouais, ouais. Parce que. Enfin, Arbre. cette ouverture-là. Parce que... parce que justement, je crois que quand Marvin fait ça. Remarque, non, il est en gêne 7 Ou 8 euh... Je crois qu'il est en gêne 8. Je suis pas sûr. Enfin bon. Et justement, on sait que Paul y a joué. Et il a pas l'air de comprendre. Donc, ouais. Mais d'un autre côté. Euh... Histoire ouais, de... Mais d'un autre côté, il y a l'histoire de son ami qui. Ouais, mais ça, justement, ça s'explique parce que peut-être son ami. Euh a vu ça dans une version précédente du jeu. Pour le coup, une vraie version précédente du jeu, tu vois. Parce oui. que je, 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 je suis persuadé que euh, le jeu du temps de Paul n'est pas le jeu du temps de Marvin. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. C'est juste que je n'associe pas ça au gènes. Voilà. Euh, et oui, et donc, je voulais revenir. Là, j'associais ça parce que c'était pas mal une théorie que j'associais à ça, et c'est pour ça que la grille de lecture de, euh, de l'aspiration euh, du joueur... Euh, me semble quand même intéressante. Parce que, pour moi, c'est quand même celle qui explique le mieux ce qui se passe là. Mais, s'il faut faire ça, d'accord, euh, notez quand même que qu'il doit se passer quelque chose en Gen 15 Family, et que justement, euh, dans Petscop 17, quand Paul voit ça, il voit déjà l'enregistrement Family 3. Donc, supposément, euh, comment dire, supposément, euh, ce qui lui est arrivé, Quoi que ce soit, ce qui, ce, qui, ce qui est arrivé entre à la fin de PetScop 15, début PetScop 16, voilà. La façon dont on est arrivé là est probablement liée à ce qui se passe à Family. Quoi qu'il en soit, d'accord. Je ne sais pas ce que c'est du coup, si ce n'est pas l'aspiration, mais c'est probablement lié à ça. Euh, pareil, il a dû se passer quelque chose d'étrange en Family 2 de la même façon et en Family 1 entre guillemets. Et après, l'existence même du nom de Family 3 est étonnante. C'est-à-dire. Euh, le fait que pile cette version-là ça ait été renommée. C'est vrai. En 2017. après Après, après est-ce que c'est pas euh, automatique pour ce qui est de l'enregistrement ah. Gen 15 Ouais, ouais, ouais. Et après, est-ce que ça rentre pas toujours aussi dans les délires de. Euh, euh, est-ce que quelqu'un a touché à ma sauvegarde euh, Peut-être qu'il s'amuse avec ça. Euh... Et d'ailleurs. Hmm. Et d'ailleurs, en Sachant fait, il y a un, y a un autre souci. Il y a un disque. autre souci. Euh, tenez, je vais monter dans mon machin. On va aller voir la timeline. Il y a un autre souci, vous allez voir. Euh, dans la timeline, le truc, c'est que Paul, quand il a fait Petscope 1 à euh, 10, c'était dans la foulée, d'accord Enfin, dans la foulée. Ils vont tous les uns à la suite des autres. Ensuite, il y a 11 qui techniquement va après, mais il y a 6 mois d'écart, et ce que vous ne savez pas sur le moment, c'est qu'il y, qui... enfin, y a un bout de 22 qui va venir se glisser entre les deux. Ok euh, Spoiler. <laughs> Justement, la démo dont je parlais dans 22 qui va venir se glisser entre les deux. Euh, 12, c'est autre chose, parce que 12, ça se passe techniquement en même temps que 10. Euh, 13 vient juste après 11. C'est ça. Euh, 14 ensuite. Et euh, 15, c'est autre chose, c'est à part. Parce que c'est à l'école. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 14, après 14, on est d'accord que c'est 16. Et le problème, c'est que là, on est arrivé à un point où vous devriez vous demander, ouais, mais ça va se passer quand, l'école Parce qu'on n'arrête pas de vous dire, les démos à l'école, ce sera après, les démos à l'école, ce sera après. Sauf que je vous ai dit que. Euh, on ne sait pas si Paul va quitter cette salle à un moment, le garage. En fait, les démos à l'école, j'ai n'ai aucune idée d'où elles sont. <laughs> cest <'est rire> peut-être pour que les dernières, que... quand, même. quand même. Les, si les qu dernières. Euh, alors, pardon, non. Euh, il y a, il y a 22, 22, 23, dernière, est 24. 24 22, 23, 24, je suis sûr et certain que c'est après. Parce que le compte des pièces. OK Non, mais même en fait, non, tout doit être après. Ah oui, non, mais oui, oui, oui. C'est ça le truc, oui. c'est que l'école doit être après, à chaque fois. Et n'oubliez pas que l'école doit être après, mais on envoie déjà les démos, qui sont dans le futur, donc. Oh. <laughs> et là, je viens de détruire votre cerveau, voilà. C'est que je ne sais pas quoi faire des démos de l'école. Les démos de l'école, on pourrait se dire, ouais, c'est bon, j'ai mon tableau et tout, ok, elles vont peut-être aller euh, juste avant family, tout va bien. Non. Que les démos de l'école, supposément, elles sont après. C'est dit Ou bien les démos de l'école voient le futur, ou bien les démos de l'école, c'est pas Paul qui joue, c'est quelqu'un dans le passé. Et j'aime pas cette possibilité. Mais qui est appelé Paul. Mais qui est appelé Paul. Et du coup, ça pose la question de quand se passe la transition à nouveau. Mais voilà. Et dans quel cadre Je un clou. Et il y a aussi une démo à l'école où. Marvin apporte Belle, qui est donc déjà libérée, devant ouais. Paul. Ouais. <rire> ouais. Ouais. <rire> ouais. <rire> on va y venir au, dé au démo à l'école, mais euh, voilà. Euh, pendant très longtemps, on a cru que ce très facile. On s'est toujours dit, ouais, bon, une fois qu'il aura fini son arc dans la maison, euh, tout ira bien. Non. Et sachant <laughs> que... Et c'est là que euh, le mindfuck est le plus total. Family 3, j'ai très 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 envie que ce soit Petscope euh, Soundtrack. Et c'est compliqué. <laughs> Et c'est compliqué parce que ça veut dire que les démos à l'école sont avant, mais que Paul peut déjà les voir alors qu'elles sont dans le futur. Ou bien. Ok, il y a une autre solution. Il faudrait que je vérifie. Les démos à l'école. À part la très spéciale qui est en Dorito Dayal, et dont on ne parlera pas là parce que c'est une exception, elles sont toutes en démo. D'ailleurs. Quand Paul fait quelque chose en démo, ce n'est pas enregistré sur sa sauvegarde. Ok Ouais. Donc les pièces qu'il récupère là-bas, il a pu les récupérer en démo avant tout ça. Mais. Oui, oui. Je viens de me rendre compte d'un truc. Mais qu'elle n'arrive jamais. Ouais. Je viens de me rendre compte d'un truc que n'as peut-être pas capté. Oui. Comme tu l'as dit, il arrive à l'école en Dorito Dayal. Oui. Il n'y en a qu'un seul. Parce qu'il est déjà sélectionné, non il y en a qu'un seul. A qu il a il seul problème, oui. Il y, y a une unique. Alors que alors, vrai. on peut se dire pourquoi il y en a. fait choquant qu'il y en ait un seul parce que normalement, dans ce type de cas où le Dorito Dayol devient. Les gens ne vont pas mode, comprendre de quoi gardien, tu parles. Mais oui. Euh, c'est la mécanique où tu choisis parmi plusieurs enregistrements. Oui, ça, ça veut dire, dire qu'il y, qu y, y, y a qu une fois. un pôle qui a atteint cet endroit. Et, euh, et la spécificité, c'est que. Euh, c'est que pour rappel, euh, il refait des trucs qu'il avait déjà fait dans ce Dorito et, et, et Dayol. Et il encore. Je te dirais même si on pousse la logique jusqu'au bout pour, pour circonscrire euh, le moment euh, où se passe l'école, mm -hmm. il doit déjà avoir maîtrisé le Dorito d'Aiol, du coup. Ouais. Alors que j'ai toujours pas compris comment ça marchait. <laughs> C'est-à-dire qu -ce qu -ce que qu il lui, il a ou... compris, il hein, n'y a pas de souci. Lui, il a compris comment on s'en sert du Home Impulse. J'ai pas compris. <laughs> l'école, c'est plus <laughs> effrayant que le moulin. Hein. Ah, oui, ah oui, de loin. Parce que le moulin, on sait qu'il n'y a pas de solution. <laughs> bon, là, je... Enfin, le moulin, on sait. Non, mais en est... gros, ce que je disais, Enzoul, c'est euh, mm -hmm. en jouant sur le fait qu'en démo, mm -hmm. il ne rattrape pas de pièces, enfin, il ne chope pas de pièces, ouais. on peut éventuellement dire que euh, les démos à l'école se passent entre deux épisodes avant Petscop 16, je ne sais pas quand. À un moment, il quitte l'école et il va faire ses bêtises, je ne sais pas. <laughs> euh, encore que, un rappel. Ça veut aussi dire qu'il ne voit rien. Parce que là, je, là, là ouais. je suis en train de le proposer parce que il y a deux, il y a deux manières de voir les choses, d'accord mm -hmm. euh, Il est vraiment allé à l'école, il a vraiment attrapé des pièces, et ensuite, quand on le voit en démo, on le voit rattraper des pièces, voilà, c'est tout. En gros, on voit euh, une représentation fidèle de ce qui s'est passé. Soit, comme je l'avance là, il n'est pas allé à l'école, il n'est allé qu'en démo. Du coup, il a rattrapé que les pièces en démo, du coup, son compteur de pièces ne monte pas. Mais comme Il n'est pas allé à l'école, il est allé à l'aveuglette. Il ne voit rien oui. de ce qu'il fait, <laughs> et parce que pareil, Et c'est là que ça euh... tient emmerdant. Mais ce serait cohérent thématiquement que. Euh... Et rappelle que de toute façon, il y a plusieurs démos à l'école parce qu'il rentre plusieurs fois dans l'école, je crois. Ouais, ouais, ça bon. ouais, ouais, oui, c'est effrayant. Oui, oui, il rentre ouais. plusieurs fois. Sinon. Et pareil, ce serait cohérent. On serait tenté de dire thématiquement que euh, il va à l'école après la voiture orange. Les connaisseurs voient de quoi je parle. Oui. Vu le point de vue, tout ça, ça serait tentant et à ce moment-là. Ah ce non, non, parce que tu mets serait... ces deux ouais. démos à la suite, pas moi. De quoi Tu mets la démo en POV avec euh, la démo à l'école. Ouais. Ouais, moi je pense que c'est la famille qui se fout de nous. Ah ouais. Je ouais, pense que ouais. ces deux démos n'ont ah rien à voir. Mais voilà. Euh... Ah ouais, d'accord. Donc... Ah oui, ah oui. Non, ouais, pour vois, moi, la, la démo POV pauvre... elle est juste avant l'enlèvement de Kerr et la démo euh... école, elle est. Ou bien, attends. Non, j'ai pire, j'ai pire. Je oh sais non, où est Taker. Si, si on garde l'idée du. Euh, C'est la famille qui se fout de ta gueule. Ouais. Qui est très 30 ans. Voiture orange. Mmh. Chemin avec l'horloge. Garage. Ouais. Ouais. Était ouais. bloqué. Enzoul, j'ai pire. Ouais. Parce que qu la démo POV ouais. voiture, supposément c'est une démo quelque de quelque chose, c'est une démo 2. de quelqu'un qui a joué. Ouais. C'est quelque chose qui peut jouer. Je ouais. ne sais trop comment, mais euh, c'est quelque chose qui peut se jouer. Et si ouais. c'était Caire Comment Et si c'était Caire le 11 Rappelle qu'elle part par le par là. Ouais. Ouais. En Moonwalk. Donc elle, elle Rappel de ce qui se dit dans Petscop 25 <laughs> Ouais. À quel moment ah. ça se passe ça? Ah. Family? Enfin, est-ce que c'est ça Family? C'est la première fois du coup, mais pas, pas pour pas pour jamais. Enfin, pas exactement. Et ça pourrait être ça le premier Family. Le deuxième ah, 25, Family, euh, c'est Belle qui les rejoint. Enfin, on y viendra. Et troisième mm -hmm. Family, c'est euh, quand ils se retrouvent. Je ne sais pas. Mmh. Ouais, oui, oui, non, je pense qu'ils faut établir contact deux fois, c'est possible, ça, par contre. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est jouable, et, et sachant que ça peut pas être n'importe qui qui a activé le Shadow Monster Man. Si, si jamais on est euh... tout autant perdu que vous, hein. on propose des trucs, et on les balance sur les murs, on voit ce qui colle. Et après, j'ai un autre problème. Non, attends, parce qu'il y a un autre problème encore pire, Enzo C'est que ouais. si on mettait les démos à l'école, avant. Euh... Parce qu'on parce que est bien content avec notre fin dans Petscop Soundtrack. Parce que c'est une bonne fin. Ouais. Pas mal. Je vais briser tes rêves. Ouais, bah, si on met les démos à l'école avant euh, Petscop 16, mm -hmm. ça veut dire que euh, tout ce qui se passe à l'école doit se passer avant. Oui, oui. Ça veut fin, dire que la aussi. Soundtrack aussi. Et ça veut dire qu'après la Soundtrack, Paul se retrouve enfermé dans la voiture, dans le garage. Mais tu. <laughs> Et non, en fait, c'est la dire, mauvaise fin ça peut être que la fin à ce moment-là. Tu le sens. Oui, tu le oui sais. bien sûr. Surtout mais mais, 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 mais t'imagines si le twist c'est ça, c'est que ce qu'on pensait être la bonne fin, en fait, c'est pas la fin, et qu'on nous a mis <laughs> la fin avant, et qu'en fait, c'est Paul qui en fait dans sa et voiture en fait, Paul, à jamais et, et qui est maltraité jusqu'à la fin des temps. Ouais, voilà, et qui est maltraité jusqu'à la fin des temps. Euh... Non, non, mais c'est mort. En plus, non. non voilà, l'école doit être après, mais je comprends pas comment. C'est mort, formidable. Si, je non, mais l'école doit être après et Paul finit par sortir du garage, c'est tout. Je vais démonter vous... ta théorie hmm. parce que dans Petscope 24, il y a une image de chargement du garage ouvert avec la lumière. C'est vrai. C'est vrai. Et bing. Et bing. <laughs> Ou bien est-ce que Paul rentre des inputs depuis l'intérieur de la voiture Ce serait extrêmement méta. Attends, ce serait extrêmement méta parce que ça représente Paul qui joue dans la voiture. Mmh. T'es fou T'es fou la technologie <laughs> je, trouvais ça, je trouvais ça excellent Mais je sais pas si Tony y a pensé <laughs> Le retour de la Tesla Aïe 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 Bon Voilà globalement ce qu'on avait à dire sur les Sur les enregistrements Je crois Ouais Quelle galère J plus, mmh. plus d'énergie. J'avais autre chose à dire, mais je sais pas si je peux le dire en public. Parce que ça concerne euh, du truc lourd, genre niveau peste comme soundtrack. <laughs> Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça, ça concerne, concerne ça. la dernière scène Ça concerne directement la personne. Ouais, alors non. La prochaine <laughs> fois. Non. Note le doigt de côté la prochaine fois. Ouais, je le note. Ok. Bien. Non, mais je te le dirai après. Ouais, ça va être la galère le prochain MBT Petscope. Le truc, c'est que. Avec les 12% de. A la limite, le reste. prochain MBT Petscope, c'était les épisodes qu'on a traités aujourd'hui. D'accord mm. Donc, techniquement, l'histoire de quand se passe l'école, on n'a pas forcément à la trancher. Tout de suite. <rire> <rire> techniquement. <rire> Ou du moins, on peut con? Mais après, euh, après, je vous encourage à être là la prochaine fois parce que c'est vraiment les, les meilleurs. C'est le climax. Mmh. C'est le climax. Même la... et c'est même la fin qu'on avait devinée. Ouais. <laughs> non, pas dans la soundtrack. Dans la soundtrack, on non. sait quand même. Dans non, non, la soundtrack, hein. personne ne l'a vu. Ouais, ouais, ouais. Non. <laughs> c'est autre chose. Vous ne l'avez pas vu. <laughs> euh... Et non. Et qu'est-ce que je voulais dire Et voilà. Semaine pro, on va essayer semaine pro. Et on va essayer de ne pas finir à 3h du matin la prochaine fois. Ouais. La galère que je vais avoir à, à... à monter ouais, tout ça. Pense. Surtout que je voulais le monter plus court. Merci, euh, Rouge13, à nouveau pour tes bits euh, 97. Euh, ok, et eh ben, bonne nuit à toi. <laughs> si tu vas <laughs> te coucher, <laughs> Très bonne soirée. Euh... Bref, eh ben, je pense qu'on va partir. On va aller sur la fin. Euh, on n'avait rien d'autre à montrer. Ah, oh, tu, euh... tu devais parler de Pro64 Ouais. Est-ce qu'on est qu a de l'énergie pour ça Au ben, euh, moins, je l'ai. J'ai juste ma batterie qui... Sachez que si à un moment, je meurs, euh, bon. euh, c'est que mon portable est mort. On reparlera Après, de Pro64 la semaine pour prochaine. Les deux, pour les deux personnes restantes en bonus éventuellement. Ou, euh, ou, ou si t'as trois phrases à faire, mais... Mais euh... <laughs> voilà. Non. Merci Anna Sky si... pour les deux bits. Ça prendra pas trois phrases. Si c'est pas la suite samedi prochain, <laughs> c'est moi qui vous enferme dans la voiture. Aïe, aïe, aïe. <laughs> euh... Bon, non, on verra la prochaine fois, écoute. Oui. Euh... Non, mais je vais... non, mais je vais te le dire en privé. Ça va partir tu comme t es t es... ça. Le <laughs> tu peux, même si. Euh... Oui, ok. Euh, <laughs> sinon, avant qu'on termine, rappel, euh... du coup, on va essayer de faire la suite la semaine prochaine. On verra vendredi ou samedi, je vous tiens au courant. Euh, et sinon, n'oubliez pas que demain, il euh, y a le prochain MBT Kirby. MBT Kirby. Sur Adeline et sur les artistes et sur euh, tout un tas de choses en fait. Euh, qui sont comme ça ont, ont l'air de pas avoir trop le lien, mais euh, on verra bien. Euh, voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir que j'ai techniquement pas fini le montage parce que j'ai pas monté l'outro. Ça va être le rush. Je pensais qu'on terminerait plus tôt. <laughs> Bref. Euh, et sinon... Tac, tac, tac. Euh, et sinon, oui, pardon, euh, il sera en euh, première à 16h si tout va bien, et euh, je serai en live pour le euh, commenter juste après, je ne sais pas si Enzo sera là, je ne l'ai pas demandé, mais en ah, tout cas dans serai, le chat. Je serai malheureusement si certainement pas là, okay. je serai présent dans un état ça de mort va. quantique. Ça se tient, euh... ça se tient. <laughs> la mort quantique de la, de la porte à matière ouverte et, okay. Ouais, et je serais même pas là pour te pour te critiquer en commentaire et te aïe dire c'est mal. Je vais devoir euh, je vais devoir soutenir des trucs sans, sans ton aval. OK. Je le ferai mais à, à 21h. <laughs> non, mais oui. je pense je pense que je vais pas finir le montage maintenant, mais si je le finis pas maintenant, à quelle heure je vais me lever demain Aïe aïe aïe. aïe. <laughs> bon, écoutez, euh, j'ai annoncé 16h. Euh, remarque, vous êtes que 80, euh, 90 environ ici. Mais voilà si ça arrive genre à 17h euh, ça arrive à 17h hein, voilà <laughs> on se comprend je, 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 ferai un, je, je, je ferai un tweet de toute façon Ah oui je serai là pour la première, je réponds à ce, à ce sondage Attends quoi <laughs> Bref sur ce on va peut-être euh, se laisser mm -hmm. je sais pas ce que vous en pensez et la prochaine et la prochaine fois, eh bien, euh, la prochaine fois, on terminera. Bon, bon. Ce sera Petscope, euh, euh, la vengeance finale pendant que je me gratte les yeux. Paul utilise. Euh, tu chercheras le nom de l'attaque z de type qui. Eco <laughs> tourbillon, je sais pas quoi. Bonne nuit <laughs> tout le monde. Je pense pas que je vais vous, euh, je vais vous envoyer euh, chez quelqu'un à cette heure ci Allez dormir. Non. allez oui, il voilà, On va vous envoyer au marchand de. Il y a salle. MV. mais euh, non. Allez <laughs> dormir. <laughs> ce sera plus simple non pas que j'aime pas MV, je vous ai envoyé la balle la dernière fois mais bref <laughs> allez bonne nuit tout le monde et puis euh, et puis à demain pour ceux qui seront là et, euh, et sinon à très vite voilà des gros bisous bonne nuit petit bonne nuit les petits.